Foul. On va fourrer du boudin ce soir. Romano. J'ai arrêté l'alcool et vous allez voir comment je vais fondre en quelques jours. Marie. Comme les chiens. Cédric. Oui. Samy. Ouais, mais ça te fait mal au cœur. Karim. Mais en tout cas, t'as que des bonnes idées, Difool. Gigi. En fait, à chaque fois, la technique, c'est que moi, je me mettais avec des meufs. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui, 21h minuit, c'est Radio Libre, il est pile 21h et on est là jusqu'à minuit. 3h tous ensemble, vous profitez, vous nous appelez, vous débarquez ici, 01 53 40 30 20. C'est le numéro pour nous joindre à n'importe quel moment dès que vous avez envie de dire un truc. Et bien Skyrock, c'est ouvert tous les soirs, Radio Libre. Vous pouvez tout dire, tout faire avec nous tout au long de cette soirée. Nous faire un petit débrief du week-end parce qu'on aime bien savoir ce que vous avez fait ce week-end, si vous avez fait des trucs de sympa ou pas d'ailleurs, hein, pour nous envoyer vos messages. Vous avez donc l'appli, je salue tous ceux et toutes celles qui sont là déjà ce soir. Bonjour à Moumoute Décapotable, dis donc. Salut Moumoute Décapotable. Ah, bah salut à toi. T'as un très très beau pseudo. Rapport à ta Moumoute Décapotable. Ah, mais moi, je sais pas de quoi tu parles, elle est parfaitement collée là. Ah, c'était. Depuis vendredi, il y a eu un contrôle technique de fait. Ouais, et, c'est mieux, oui. Et c'est parfait là. C'est... J'ai des cheveux, mais c'est un ravissement visuel. Voilà, exactement. Bonjour, bonjour à Gabriel qui s'est fait un super week-end. Bah, explique-nous pourquoi. Salut Gabriel. Gabriel, 18 ans dans le 92. Salut à Supra 57, on salue également Flo du Québec, il y a Mia qui nous fait un bisou et qui nous salue. Salut, c'est le meilleur moment de la journée. Eh ben oui, c'est le moment de la journée où on est tranquille, où on profite de la radio libre. Vous allez pouvoir profiter de toute l'équipe, profitez-en. Appelez-nous, débarquez ici, on vous attend de toute la France. Là, je suis sous les projecteurs, moi ce soir on a des... Ah oui, c'est un peu fort. Oui. Ah voilà, là, on se met en ambiance un peu. Ah tamisée. C'est mieux là, c'est mieux comme ambiance ça. Tamisée. C'est mieux, plus beau, c'est plus dans la pénombre. C'est ce que j'allais dire, l'équipe est beaucoup plus belle comme ça. Déjà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, beaucoup mieux. Ouais. On a pensé exactement la même chose. Donc bonsoir Romano, le week-end était sympa. Bonsoir, oh bah, j'ai bricolé beaucoup. Bricolé. J'ai tringlé, j'ai monté, démonté Carriole. Des tables, des chaises. Ah non, pardon, excuse-moi. T'as monté, démonté, tringlé, des tables, des chaises. Je pensais que tu t'étais amusé. J'ai mangé avec les beaux-parents. Gratuit. Non, mais, non, parce que c'est nous qui avons fait à manger. Quoi, c'est Carole qui a fait à manger. Aïe, aïe. Après, non, tout s'est bien passé, tranquille le week-end. Bon, très bien. Moi, je suis un peu courbaturé parce que je fais tellement de bricolage que j'ai plus l'habitude de... Ça, c'est vraiment le truc que je suis incapable de faire. Alors, vaut mieux. Week-end bricolage, j'ai un pote qui a déménagé ce week-end. J'ai démonté des tables et des chaises. Mais pourquoi faire pour aider quelqu'un. T'as un restaurant ou quoi? Des tables. Ouais, j'ai monté un resto clandestin. Dans mon salon. Marie, sympa le week-end. Salut ouais, Marie. Écoute, tranquille. Salut tout le monde. Non, moi, j'ai juste eu des amis, tout ça. Mais alors, putain, aujourd'hui, je sais pas comment j'ai dormi. J'ai hyper mal à l'épaule. Ah. Alors, je n'ai fait aucun effort physique. C'est pas facile de dormir sur une palette. Non, mais. Dans la ZAD, mais toujours. Ah, bah oui, dans la t'as ZAD. T'as matelas? Oui, j'en ai même trois. Wow, très bien. C'est pour quand elle reçoit des amis qui a une petite partouze à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, pas de j'en fous partout. Ça fait le sol en matelas, quoi. Pas de petite partie ce week-end. Non, j'étais sur la fin de mes emmerdements de filles, donc. D'accord. Ah. Donc voilà. Ah bah Carriole est en plein dedans là. Ah bah Médeline, faut se la farcir. Hein. Ah Médeline, t'as tes règles. La farcir. C'est pas trop dur, ça va. Ouais, ça va. Bof, ouais. Ça va, ouais, elle est pas fan. Ouais, c'est pas super. Elle est pas fan de ses chaleurs. Je comprends rien ce qu'elle dit. Bah, moi, je te fais la traduction. Bof, ouais, tu vois, Sabi, il a compris. Ah, oui, quand même. Bah, oui. Elle dit bof. Ouais, ces petites, ces chaleurs, les chaleurs du chien, c'est pas la folie. Ah, bah, non. C'est pas la folie, j'ai mis des espèces de roupianes un petit peu partout. C'est des roupianes, mais le mot. Non, mais des espèces de tu veux mes habits de la ZAD? Bah, voilà, oui. J'ai mis des. Pourquoi tu veux pas des couches? Les couches pour chien. Parce qu'elle aime pas les couches. Bah, il faut la faire stériliser. Allez hop, tu coupes tout. Ah, mais oui, en plus, ouais, ça évite les cancers des tétines. Ça va pas se reproduire. Oh, t'as des belles tétines, Médeline. Oui, belle gosse. Bonsoir, Samy, comment ça va? Salut, l'équipe, bonsoir tout le monde. Ben, retour de Marseille, moi. Retour de Marseille. Et ce week-end à Marseille, il faisait un temps parisien. Il a plu H24. Oui, je sais. Voilà. J'ai eu des photos de Marseille. Bon, aujourd'hui, grand soleil, mais samedi et dimanche, cataclysmique. Cataclysme. Oh là là, putain. On va pas sortir de la maison, tu vois. Ceux qui étaient sous la neige ce week-end, Saint-Etienne, sous la neige. Du coup, il neigeait dans les montagnes. Ouais, la Haute-Loire sous la neige, l'Isère, la Savoie, tout ça. J'ai vu qu'il y avait eu de la neige. Les Alpes-Maritimes, avec ou de la pluie ou de la neige sur les Alpes-Maritimes ce week-end. Bon, retour de Samy, donc de Marseille. On est là. Et voilà, avec nous en direct. Retour de Karim également. Ouais. Salut Karim. Et c'est servi. En congé paternité. Fini, non, ça y est, fini là. Ça y est, c'est fini. Vous êtes fini. C'est fini, congé paternité. Non, mais j'ai encore 20 jours. Voilà, ouais, mais t'as pris la micro aussi pour parler dedans. Putain, j'ai cru que j'avais fait. En fait, il appuie sur son téléphone pour parler à l'antenne. Il a plus l'habitude là. Ça va bien. Un peu perdu là. Si vous nous appelez, vous tombez également sur Karim. Si on raccroche pas au nez, si on pas fermer son micro. Je suis le contraire. Ouais. Au moment où il. Non, je te disais, il me reste encore en ligne. Il me reste un petit mois à prendre, man. Ah oui, c'est ça, je sais. Ouais. 20 jours. Ouais, voilà. Mais un mois, parce qu'avec le samedi-dimanche, ça fait un mois quoi.
Ouais, ça, ah oui, là, c'est ça. Ah ouais, c'est les 5 jours de la semaine. Donc, ça, oui. Et les 20 jours ouvrés, on c'est appelle ça. Ça. Tout à fait. Donc profitez bien de Karim. Je vous dis que le ramadan arrive bientôt. Ça, donc, ça dépend des. Voilà, vous l'aurez avec vous, avec nous. Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend. C'est ouais. bien pratique de faire un enfant. Vous voyez, faites un enfant, comme ça vous avez des vacances gratuites. Ça va passer à 6 mois, je crois, après pour les mecs. Là. Ouais, écoute, pour l'instant, c'est. Non, je crois que ça a été refusé. Ah merde. Ouais, pour l'instant, c'est sûr. Pour le moment, non. Pour moi, tu l'as dans le cul. Voilà, bien fait, bien dit. Et bonsoir. Ah, tu en parlant de la vente dans le cul. Ben voilà, il est là, Cédric. Cédric, il est dans le cul tout le week-end, on m'a dit. Mais quoi ? Je suis malade depuis. T'as quoi, gros ? Je sais pas, j'ai le nez bouché. J'ai, ouais, ça s'entend quand tu parles. Il ouais, a pris ouais. trop de bites dans le cul. Non, non plus, non, pas de bites dans le cul. Ouais, t'es moche un peu. Ça fait des. Ça fait je suis moche, non. Non, mais t'es moche, t'es la maladie, tu vois. Ah, non, mais okay. il est laid, de base. Non, il est fatigué, Cédric, fatigué. Ah non, mais ça va, sinon, à part ça, ça va le week-end. Putain, je suis sorti en boîte tout le week-end. T'es sorti en boîte ? Ah, mais vendredi soir, ouais, je t'ai invité, j'ai un pote à moi, il faisait une soirée. Ah, je t'ai invité, il y avait de la meuf de partout. Et, alors, et alors, est-ce qu'elles ont fini chez toi, les meufs ? Non, j'ai pris un numéro, non, j'ai pris deux numéros de téléphone. Ah, voilà, bien, est-ce ça, que t'as c'est fini bien. Dans un hôtel et tu savais pas où t'étais non, non, et tu t'es touché le cul, non ? Non, c'est les copines de mon pote, t'as vu, donc ça. Ah, ça va, ouais. De copines non-voyantes. Non, bah, attends, très bien, c'est une soirée non-voyante, c'est déjà avec la caméra. C'est les seules soirées où Cédric peut séduire. Bon, au contraire, vous avez fait des trucs sympas ce week-end, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Vous débarquez, mais c'est drôle. Vous débarquez ici, salut à l'Antillais, moi c'était en brou tout au long du week-end. Ma meuf m'a demandé samedi si je préférais elle ou, sa, ou ma mère. Oh là là. Et j'ai répondu ma mère. C'est quoi cette question? Ouais, déjà. Hein, déjà, Marie, je suis d'accord avec toi. Fallait pas répondre à cette question. Fallait dire, c'est pas le même amour. Non, mais tu lui dis, je nique pas ma mère, moi, tu vois. C'est... Voilà, oui, fallait dire, c'est pas le même amour. Bah non, c'est clair. Bah, fallait pas répondre. Bon, a priori, t'as répondu que tu préférais ta mère, l'Antillais. Faut esquiver, ça, bah oui. Et mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Sujet sensible. Ouais, c'est une question tête, de merde. Ça, c'est une meuf qui a envie de se prendre ça, la tête. C'est clair, ouais. Ouais, ouais, c'est une vraie sacrée question de merde. T'es jalouse, ouais, tu sais. Ouais, ouais. Mais jalouse de la maman. Jalouse de la daronne. Des gens comme ça. Jalouse des familles, tu vois. T'imagines, ta meuf, elle te demande, tu préfères moi ou ma mère? Avec ta famille ou ta mère. Oui, parce que ah, là, parce que ça, oui, parce que à la limite, je pense que l'Antillais, la mère de ta meuf, tu t'en. Oui, t'as déjà la meuf à gérer. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, vous nous appelez si vous avez, si vous avez un petit problème. Tu peux laisser ton numéro, l'Antillais, si tu veux. Si vous avez un petit problème de couple, tiens les couples, vous allez peut-être en former ce soir pendant le clash de la drague. Romano contre Cédric à retrouver tout à l'heure. Ouais, après une belle semaine de clash, puisqu'on a eu droit à une belle vendredi gagnée par Romano. Ouais. Mais on redémarre une nouvelle semaine. On remet les compteurs à zéro. Les compteurs à zéro pour cette nouvelle semaine. J'ai déplacé le trou du cul, quoi. Vous lundi dernier, je gagnais. Et lundi dernier, tu gagnais. Mais c'est bah, passé, pas dans le passé, donc voilà, ça fait plaisir. Et vous avez des numéros pour les doubles appels. Vous nous les envoyez. Allez-y. Vous avez l'appli, le skyrock.fm, le 41759. Il y a Supra 57. D'ailleurs, on a offert 1 500 € dans le 57 à Saint-Julien-de-Metz. C'était vendredi. Saint-Julien-les-Metz, ça s'appelle. Même plus précisément, c'est juste à côté de Metz. C'est Timothée qui a gagné 1 500 €. Bravo à Timothée. Puis on embrasse également. Oh, elle était contente ce matin. Angélique et ses deux filles qui ont gagné à la Calmette. Tu dois connaître ça, Marie, la Calmette, dans le 30. Ouais, je connais la fumette. Ouais, la Calmette. Ouais, la fumette. La droguette également, vous connaissez la droguette. Et la levrette. La quéquette. La levrette aussi, je connais. C'est joli ce coin-là. La grosse série, c'est la Calmette. C'est dans le Gard. Voilà, dans le Gard, dans le 30. Elle a gagné. Bravo Angélique, vous répondez Skyrock le morning et vous gagnez 1 500 € au cash. Vous connaissez le principe. Hein. Bon, allez, profitez de la soirée. Si vous avez besoin de nous, on est là. Un petit service à demander, une connerie à faire, un truc à nous raconter. Allez-y, 01 53 40 30 20. Cédric, tu peux pas me refiler ta maladie. Demain, j'ai contrôle et DS tout au long de la matinée. Bonjour à Fnir sur l'appli. Viens, je te fais un gros câlin. Peut-être que tu as tombé malade. Sur l'appli Skyrock. Salut Fnir. Avec grand plaisir, je te le refile. De Toulouse. Je te file ça quand tu veux. Du 31. Ouais, c'est un peu loin là par contre. Ouais, donc comment t'as fait pour tomber malade? Ça peut être un bon conseil. Bah, je sais pas, non, je sais pas du tout. Pour ceux qui ont envie de ne pas aller travailler demain ou ceux qui ont envie de ne pas aller au bahut demain. Non, j'ai dû prendre froid, tu vois. Ouais, ce que je voulais dire, j'ai dû prendre dans le cul ou un truc comme ça. J'ai dû prendre une grosse bite malade dans le cul. Toujours pas. Une grosse bite, il m'a mis une grosse seringue. Non, toujours pas. Avec plein de microbes à l'intérieur. Non. M'a bien ramonné. Eh bien, écoute, c'est bien, tu en profites. Et il faut profiter de la vie, on va en profiter tout au long de cette soirée. Bon, les numéros pour le double appel, dès qu'on est prêt, on attaque nos double appels. Et vous tous et vous toutes en direct tout au long de cette soirée, vous nous appelez. Ah, Marie, capote coincée dans la chatte. Ah oui, putain, je comprenais pas ton truc. Non, mais je suis en train de regarder vos messages depuis. Capote coincée dans la chatte. Ouais, c'est. Il faut aller la chercher. C'est Nicolas qui nous dit avec une meuf, elle est repartie comme ça, mais j'ai peur que le sperme se déverse et qu'elle tombe enceinte de moi. Bah, et surtout, il faudrait peut-être qu'elle l'enlève. Bah, j'espère. Oui, pour éviter une septicémie et mourir. Bah, ouais, non, mais il faut l'enlever. Non, mais renseigne-toi, Nico, là. Non, mais c'est grave, hein, ça. Bah, oui. Bah, évidemment que c'est grave. Et c'est comme Nico, si tu voulais un tampon, tu peux avoir. Faut pas se la péter devant les meufs en prenant des capotes plus grandes que ta taille. Je te le dis, parce qu'après, les capotes, elles restent à l'intérieur. Bah, et puis ça sert à rien, surtout.
D'en mettre une du coup. Bah oui, si elle s'enlève et que ça sert à rien. Moi, c'est pourquoi elle l'enlève pas de sa chatte. Bah ouais, pourquoi elle est partie avec comme ça. J'espère qu'elle l'en... Renseigne-toi, Nico. C'est quand même tu nous envoies un message, mais renseigne-toi. Hein. Moi, aucun risque, vu la largeur de ma vulve, tout retombe. Bah voilà, ça c'est pratique. Marie, elle se secoue, elle fait un petit twerk et là. Oh bah dis donc, il y a week-end, j'ai perdu mon stérilet. Frac. Regardez, il y a un bout de mon utérus. Vas-y, remonte-le. Tout est bien serré, t'inquiète, tout va bien. Là, il y a du cul qui pendouille. Excusez-moi, je dois vous rentrer avec les doigts. Et là, regardez, il y a 5 capotes qui viennent de tomber. Ah ouais, quand même, ouais. Plac. Non. Bon, et on embrasse Guigui aussi, hein, qui vous embrasse aussi, qui est passé nous voir ce matin après le oui, Morbihan. Ouais. Voilà, bah, ça va mieux, Guigui. Ça va mieux. Il marche à deux à l'heure. Ouais. Mais il marche. Ouais, bon, ouais. Bah écoute, c'est déjà. Il se repose. C'est déjà de bonnes nouvelles. Bon, allez, vous pouvez nous dire pour l'histoire des capotes qui sont restées coincées à l'intérieur si ça vous est arrivé. Oui, renseigne-toi pour elle, pour savoir si elle va. Après, oui, si la. Non, mais tu lui as dit, j'espère que t'avais laissé une capote dedans. Bah, mais elle s'en est rendu compte, je pense, non? Bah, d'après ce qu'il dit, j'ai pas l'impression. Donc, oui, Nico, parce que sinon, tu l'enlèves, tu pars pas avec dedans. On a plein de questions à te poser, Nico, donc si tu veux laisser ton numéro, n'hésite pas. Laissez vos numéros d'ailleurs si vous laissez un message avec votre appli Skyrock, comme ça on vous rappelle. Et vous débarquez avec nous en direct, comme tous les soirs. Et en direct, comme Mehdi, qu'on a dans le 78 avec nous sur Skyrock. Bonjour, Mehdi. Bonsoir Diffoul, bonsoir. Salut Mehdi. Sois le bienvenu. T'as déjà perdu une capote en faisant l'amour, toi, Mehdi? Non, j'ai pas eu ce problème-là. Très bien. Et tiens, pour l'autre message que je disais là tout à l'heure, mais oui, je peux pas tous vous lire. Diffoul, tu m'as pas dit bonjour. Mais oui, Chloé, je te fais un gros bisou, Chloé. Et elle nous dit, j'ai envie de dire un truc. Eh bien, Chloé, dis-nous de quoi t'as envie de parler, laisse-nous ton numéro et on te retrouve avant minuit sur Sky. Oui, et l'autre question que j'avais posée, est-ce qu'une meuf t'a déjà demandé, tu préfères moi ou ma mère? C'est l'Antillais qui nous posait la question là tout à l'heure. Horrible comme question, mais non, jamais, on m'a jamais dit ça. T'imagines la question à la con quand même. Parce qu'on. Bon, ouais. Ah oui, c'est vraiment une question à la con. Non, ça, oui. Ça, c'est vraiment une question à la con. Et vous répondez quoi? Tu réponds quoi, Marie, si ton mec il te demande tu préfères moi ou ton père? Non, mais je lui demande s'il est complètement débile. Ah, tu lui demandes? Ah ouais, donc toi tu réponds pas, tu l'insultes quand même. Non, mais tu peux pas mettre. Bah moi je serais un peu de la vie de Marie, tu vois. Tu peux pas mettre ton père et ton tâche. Bah ouais, tu peux pas les mettre sur le même. De tâcheronne. De tâcheronne. Bah oui, non, mais c'est complètement con comme question. Ouais, Karim, tu réponds quoi, toi? Si ta meuf elle te demande, tu préfères moi ou ma mère? Ah, moi je lui dis gros, nique ta race. Ouais, toi c'est radical. Okay. Ah, je préfère c'est ma mère. Non, mais cousin, non, mais tu sais que déjà c'est une ch'tauffe de te poser une question comme ça. Gros. Ouais, on est d'accord. C'est que moi pour moi elle est complètement ch'tauffe de te poser une question comme ça. Donc à partir du moment où elle est ch'tauffe, salam alaikum. Salam alaikum, très bien. Cédric, tu réponds. Ben ma daronne, c'est la daronne. Elle passe avant tout, t'es fou toi. Quoi. Bon, toi tu réponds à la question comme l'Antillais, toi. Ah ouais. Tu dis, moi je préfère ma daronne. Bah la daronne, c'est le sang, t'as vu, c'est la famille, c'est la daronne. Ouais, quoi. Je réponds même pas, moi la vérité. Ah, moi je la traite de débile, ouais. Comme Marie. Elle est claquée, allez. Moi je lui dis, rester avec une meuf en sachant qu'elle t'a posé. Non, mais moi une meuf trop conne, je peux pas, toi. Alors, sauf si c'est un plan cul et que je lui mets juste ma bite dans le cul. Marie, toi aussi, tu le trouves trop con, le mec qui. Ah, bah oui, je te l'ai dit. Je lui demande s'il a pas perdu une moitié de son cerveau, quoi. Ouais, moi je lui réponds, bah écoute, j'aurais pu me poser la question avant que tu me la poses, mais maintenant que tu me l'as posée, je préfère largement ma mère. Ah, c'est pas con. Parce qu'elle est quand même beaucoup moins con que toi. C'est bien répondu. Et qu'elle me pose pas cette question. Ouais. Pas bête. Ouais, et bon, bah écoutez, si vous avez vous aussi eu des embrouilles ce week-end, mais même des embrouilles à deux balles avec des questions à la con, vous pouvez nous dire, vous pouvez nous laisser vos messages. On vous attend en direct tout au long de la soirée. Moi, c'est ma mère qui m'a demandé si je préfère. Ah bah tiens, il y a Ryan qui nous laisse un message qui est je préfère ma copine à elle. Ah peut-être ta mère, elle t'a demandé ça, c'est hoche. Ah j'avoue. Ça c'est les mères poules. Toi Romano, ta mère elle était poule, mais elle était pas poule à te poser. Non mais elle était pas ça. Débile moi. Voilà ah, c'est ça. Elle l'est toujours pas d'ailleurs. Ou débile. Ouais faut pas. Mais ouais en plus elle a aucun sens la question quoi. Shannon du 59, elle a 27 ans, nous dit mais c'est dingue ça, c'est quand même une question qui se pose pas. Oui c'est vrai, c'est une question qui se pose pas. Hein. Moi je préfère ma mère. Faut être grave quand même pour poser la question. C'est Maybe Créa. Elle a 26 ans. Ah non, mais faut être ouf. Ouais. Et elle nous laisse un message. Merci à toi, Maybe Créa. Ouais. La meuf est quand même pas bien, bien fine pour poser une question pareille. C'est quand même un peu con. Martin nous envoie un message, lui aussi. Bon, c'est vrai, vous pensez tous la même chose. Donc, l'Antillais, si ta meuf continue de te faire la gueule pour ça, eh bien, on te souhaite bon courage. Ah ouais, c'est clair, ouais. Voilà. Bon courage à toi, l'Antillais. Bon, Mehdi, toi, tu nous appelles pourquoi, Mehdi, toi, ce soir? Oui. Bah avant de commencer, déjà, je précise que ça va pas être un sujet joyeux. Donc tu viens pour nous mettre en bad. Ah pas du tout. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. Démarrons la semaine dans la dépression. Dans la dépression. Ah non, nous, ça va pas nous mettre en bad, c'est lui. Alors. Pourquoi non, il est pas va, joyeux ton sujet? Ouais non ça va mais on va dire que c'est pas la joie au niveau de ma vie c'est pas
c'est pas terrible. C'est-à-dire que ma vie, elle est complètement creuse. Je travaille, ensuite je dors, je travaille, après je dors, je ne fais rien de ma vie. Donc après, tout dépend le travail. Tout dépend le travail que tu fais. Bah, c'est en tout cas, ça a pas l'air d'être passionné, quoi. Comme tu dis qu'il truc, bon, c'est pas la vie de rêve, quoi. C'est vrai que si t'as un travail qui te plaît, ça peut être, tu vois, un travail, un truc qui te permet de gagner ta vie et en plus te détend. Ça peut être un travail sympa. C'est quoi ton boulot? C'est pas donné à tout le monde. Tu fais quoi? Je travaille dans la logistique, je suis routier. D'accord. Ça te plaît ce que tu fais ou pas? A priori, pas des masses. Oui, bah, le boulot, ça va, mais de toute façon, je veux dire, tout le monde, enfin, t'es obligé de faire un boulot pour gagner tes sous, hein, c'est comme ça. Ouais, on va dire que c'est un taf alimentaire, quoi. Oui. Ça veut dire qu'il mange des camions. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, t'en as mangé dans la gueule. Après. Et après, il s'étonne. Chacun son truc. Ouais. Et après, il s'étonne d'être malheureux et d'être malade. Bah, c'est normal. Hein. Non, mais bon, tu fais ça, mais c'est pas. Tu manges des camions, toi, Romano. Non, mais toi, tu en as pris un dans la tronche, ouais. Non, tu as déjà fait ta blague. Oh, bah, j'avais oublié d'ouvrir la bouche. Deux fois, parce que tu l'avais pas compris. J'avais oublié d'ouvrir la bouche. Je l'ai pas mangé. La bûche. Ouais, mais tu travailles, tu dors, tu travailles, tu dors. Mais tu te dis pas que tu travailles pour, je sais pas, te prendre des vacances, par exemple. Toi, tu payes des trucs. Tu dis, je me fais chier pendant 3 mois, je bosse comme un ouf. 3 mois, ouais, je pars en vacances. Quand je pars entre guillemets en vacances, c'est que je reste chez moi, je ne fais absolument rien. Ah merde. Je suis seul et bah après, ouais, je me disais que j'allais bien vivre la solitude, mais je la vis super mal. C'est pour ça que je vous appelle. Ah oui, tu gagnes de l'argent. Tu fais quoi de tes sous? Bah, je paye mon crédit déjà, une maison. Ok. Et enfin, mon appart. T'as une maison, c'est déjà une réussite. Bah, un appartement, ouais. C'est déjà une pas mal, ouais. Bah ouais. Et je paye les courses et puis c'est tout, quoi. Après. Non, mais t'as pas d'amis, tu fais rien. Je n'ai pas d'amis. Non, mais tu pars toute la semaine avec ton camion? Non, je rentre tous les matins, mais je travaille de nuit, c'est ça la subtilité. Ah, tu viens en décalé, ouais. Donc, la journée, je dors. Et je suis amené à rencontrer personne avec mon. Et t'as boulot, pas des potes traves sur les aires d'autoroute? Mais c'est quoi ça? Non, il m'intéresse pas. Bah, histoire de se prendre un bon moment. Ah, il a raison, Samy. Tu rencontres tes potes sur les aires d'autoroute la nuit, quoi. Ah oui, il y a des avantages quand vous êtes routier. Salut tous les routiers qui nous écoutent d'ailleurs ce soir. C'est vrai qu'il y a des, y a des avantages quand même. Dans chaque boulot, il doit y avoir des avantages. Bah oui. Voilà. Non, les travaux, c'est pas trop mon style, on va dire. T'arrêtes sur une aire. T'as bien tort. Bah, exactement. Tu vois, Cédric, il voit les côtés positifs. Les côtés positifs de la vie ce soir. Toujours. Non, mais faut. Et le week-end, t'as bien des week-ends? Bah oui. Oui, oui. Bah, après le week-end, ce qui se passe, c'est que le week-end, c'est-à-dire que pour être précis, le week-end, ouais. Je ferme la porte de chez moi et je la rouvre le lundi soir pour aller au boulot. Ah bah ouais, mais si. Oui, mais tu sais que tu as le droit de sortir de chez toi le week-end. Non, parce qu'il a rien à faire en fait. Oui, non, mais d'accord, mais va faire un tour, je sais pas, va te promener. Ouais, mais sans but comme ça, tu sais. Ah si. Non, mais des balades. Ouais, ouais. Quand je sors, c'est uniquement pour aller faire les courses et puis je fais les courses d'une façon machinale, donc je ne fais pas aucun but en fait. Enfin, que je dis. Je sais pas, tu regardes pas les. Tu regardes pas les petites meufs dans les magasins. Il est célibataire, nous demande Nabila là sur la piste. Ah bah oui, rarement, c'est célibataire. Célibataire. Tiens, ça peut t'assurer, Nico. J'ai la même vie pourrie que lui. Mais non, Nico. Et bah, habiter ensemble. Ah bah voilà. Salut Nico qui envoie un message. Tu vois, t'es pas tout seul. Je sais pas, t'as pas un sport, tu fais pas un truc qui t'intéresse. Non, mais je pense que tu te complais un peu là-dedans. Ah ouais, c'est ça qui me fait peur, parce que justement vendredi il y avait quelqu'un qui est passé dans votre radio et c'est ça qui m'a fait vous appeler ce soir. Ouais. C'est un mec qui pendant 15 ans qui avait rien fait et je me suis dit dans 3 ans comment je vais être dans 3 ans par exemple. C'est ça qui m'a fait réfléchir, je me dis dans 3 ans, 4 ans, si dans 3 ans, faut que tu aies un petit électrochoc et tu te dises changer de vie là quand même. Faut que je fasse des trucs qui me plaisent dans la vie. Même avec la vie que t'as, tu vois, t'as des week-ends, t'as des vacances. Les week-ends, les vacances, je sais pas, vois des potos. Non mais déjà de base, y a pas de potes, donc déjà de base, je comprends pas que t'es pas de potes, t'as pas des frères et sœurs, t'as pas face. Ça dépend aussi, tu sais, il a déménagé de région. Oui, mais même. Ouais, mais même, tu peux les avoir au téléphone. Mais même, maintenant, en fait, il y a de moins en moins de gens qui sont dehors, enfin, tu fais rien. Solo, c'est compliqué, ouais. Ouais, j'ose pas trop aller vers les gens, parce que Cédric, je vois pas, c'est pas un mec bizarre. Cédric, lui, tu vas prendre exemple sur Cédric, parce que c'est quand même, toi, t'es le gars, tu arrives en vacances dans une ville, tu connais personne, tu sais même pas la langue, t'arrives à rentrer en contact avec les gens. Monde. Bah ouais. Bah alors, comment tu fais? Écoute bien, non, mais c'est un bon exemple. Bah, tu t'appelles amitié avec les gens, tu sais pas déjà le. Oh là, matin, tu m'as l'air d'avoir une grosse bite, toi. You have a big dick. Mais non, pas ça, mais tu peux aller, déjà aller au café, à côté de là où t'es. Forcément, tu vas venir prendre tes habitudes. Ouais. Tu vas rencontrer des gens, tu vois. Oui, tu vas rencontrer des mecs, tu vois lequel est le plus dans ton délire. Et après, tu sais, le mec, il va forcément te demander, tu vois, genre, t'es en vacances, ou tu lui expliques, quoi, t'es la seule en vacances, ce mec, il va te présenter des potes, des copines. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire les courses machinalement, et toi, dans un petit bar, tu te prends un petit café, forcément, il y a quelqu'un qui va discuter avec toi. Non, mais il y a vraiment un truc, et c'est, alors ça, c'est. Bah ouais, mais tu te le bar. Je suis d'accord avec David qui nous laisse un message, et qui nous dit, moi, depuis que j'ai un chien, je discute avec plein de gens.
Bon, c'est vrai que il y a bon, tu vas me dire toi tu connais personne donc à la limite de discuter avec quelqu'un c'est déjà un grand pas. Ouais, bah oui. Bon, ça va pas forcément très 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 loin mais c'est vrai que tu discutes au moins avec des gens. Ouais, c'est pas très approfondi bah oui. Après tu Non, après tu peux faire des rencontres hein. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai rencontré des gens des gens que je vois régulièrement parce que la dame elle a un chien, moi j'ai une chienne. Non, mais c'est ça. Bah oui, oui. Ouais, tu discutes. Et elle, on parle de faire des enfants bah, tout ça. Et après tu vois. Oui, t'as ça avec les animaux, avec les enfants mais bon, c'est des enfants. Il y a Iliane qui nous dit moi j'ai encore une vie plus pourrie que la sienne parce que moi je travaille, je dors. Bah toi, c'est un peu ça. Mais hein. Comme je suis lycéen, je suis pas payé. Ah oui, encore pire. Ah, merde. Effectivement, tu vois, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir une vie encore plus pourrie. Tu peux rencontrer des potes. Ouais, après. Bah, c'est chelou quand même qu'au lycée, t'es pas un pote. Au Bahut, tu peux rencontrer. Au Bahut, ouais. Moi, je trouve qu'au Bahut, c'est l'endroit le plus simple. Pour rencontrer des gens, tu vois. Ah ouais. À limite, toi, quand tu travailles, bon, t'es sur le dos du camion, tu t'arrêtes sur des aires d'autoroute, ouais, y a pas forcément, bon, j'imagine, y a pas forcément full la nuit, tu vois. Exactement, y a pas full la nuit. Oui, bon, bah, écoute, je vais te parler comme je peux, hein. Non, mais on avait très bien. Non, mais compris, attends, hein. T'inquiète pas, je t'attends au détour. Évidemment, l'autre. Pourquoi tu m'attends au détour? Non, mais je te laisse parler. Ouais. Il y a C.O.K. qui dit qu'il fasse du sport. Voilà, qu'il aille à la salle de sport pour Elisa, 29 ans. Même chose. Tu vois, faire du sport. Là, tu vas rencontrer du monde, ouais. Ouais. T'as pas envie de Ken, nous dit Dizit du 59. Ah merde, il est parti. Ah merde. Eh, hey, laisse-nous pas, on était seuls amis, Mehdi. Il est vraiment tout seul, là. On va te retrouver, dans un instant. Moi, mon chat me donne du bonheur, nous dit Chronos. Ah, c'est clair. Après, faut pas trop. Tu te renfermes, là. Ouais, mais d'accord, mais bon, ouais, tu vas pas. Triste, tu vas pas avoir une converse avec ton chat, ouais. Si tu viens avec ton chat, ça fait quand même un peu dépressif, quoi. Ouais. Moi, si j'étais routier, je me taperais des putes sur les aires d'autoroute. Je chibrerais tout ce qui traîne. Je m'éclaterais. Message de Vince du 77. Ah, on t'a retrouvé, Mehdi. Oui, je suis désolé, ça sur la route. Tu es décidément, tu n'as vraiment pas de chance. Non, mais c'est vrai, pas de chance, ouais. Et sinon, sur la route, t'as pas tu t'es pas fait des collègues, des potos, des gens que tu vois régulièrement. Quand tu travailles, en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, tu poses ta remorque, tu récupères ton autre remorque, et ensuite, tu t'en vas. Ouais, exactement, t'es en contact de personne. Mais on a eu déjà des routiers ou des livreurs qui avaient réussi à serrer des meufs, enfin des meufs ou des gars d'ailleurs, enfin se faire des amis qui voient régulièrement. Ce qui se passe, c'est que mes collègues ils habitent super loin. Je veux dire, je croise des gens de Lyon, par exemple, ça va être des gens de super loin, donc ce que je veux dire. Tu leur passes des coups de fil, tu discutes avec eux. Tu vas pas les voir tous les week-ends. Bah, tu vas pas les voir tous les week-ends, mais tu peux les voir déjà de temps à autre, puisque tu fais rien pendant les vacances. Et puis déjà discuter par téléphone, c'est important d'échanger avec du monde quand même. Bah, ouais, je sais pas. Ouais, mais bon, si ta vie sociale elle serait. Moi, je suis d'accord avec lui, si ta vie sociale elle se résume à parler au téléphone, c'est quand même si on disait, ouais, jouer à la console en réseau avec des mecs. Ouais, tu vois, c'est ça change pas les vraies relations humaines, quoi. Ouais, moi j'étais un peu comme lui, mais l'envie de baiser m'a forcé à sortir, à aller voir des gens, aller dans des bars. Depuis, j'ai plein d'amis. T'as pas une petite envie? Ça fait combien de temps que t'es célibataire d'ailleurs, Mehdi? Ça fait depuis 2022, ça fait faire un peu moins de 2 ans. Et est-ce que le moment où tu t'es séparé de ta meuf, ça a été un moment de rupture ou tu t'es isolé après? Oui, j'ai un peu pleuré. D'accord. À mon âge. Non, mais parfois, c'est un choc. Amoureux, un choc psychologique, ça peut. Non, après, ça va mieux, là, depuis, ça va mieux. Non, mais t'as pas une passion qui te permettrait de rencontrer des gens? Oui, le foot. Mais le foot, je le regarde à la télé, voilà, c'est. Ah, mais pourquoi tu vas pas dans un club ou un truc? Ouais, au stade de ta ville. Ouais, supporter les féminines, les gens. Supporter féminines. T'habites où? J'ai pas de niveau, je suis dans le 78. Et t'es supporter de quelle équipe? Bah, vos PSG. Je suis supporter de l'AS Monaco. Ah merde, ça me vient. C'est un peu loin. C'est le club où il y a le moins de supporters. Ouais, c'est loin surtout. Et puis aller au stade Louis II, ouais, ça fait une bosse. C'est loin, mais non, mais il y a forcément des fans de Monaco sur Paris et tout ça. Ouais, c'est possible, ouais. Il y a Mehdi. Ouais, je pense qu'il y a un groupe de supporters. Bah, ouais, forcément, tu sais, sur les groupes. Sur les réseaux déjà, tu regardes. Alors, vous réagissez, il y a plein de messages. Oui, mais la vie, c'est pas les réseaux. Non, mais je sais, mais comme ça, tu te retrouves. Non, mais pourquoi tu te mets pas dans un club, tu sais, je sais pas, du foot en salle ou. Même si t'es pas super bon, j'imagine qu'ils acceptent tout le monde là-dedans, tu vois. Le but c'est pas de devenir un champion, c'est juste de rencontrer des gens. Tu joues un peu avec les mecs, après derrière vous allez boire un coup. Mais le foot en salle, tu vas avec tes potes en général. Tu sais, c'est des équipes que tu dois. Ouais, foot en salle. Exactement, tout seul. En plus, j'ai pas mon niveau. Ouais, mais ça, on s'en fout. On va déjà dans une salle que toi. Je vais arriver, on va mépriser, on va dire lui, il est nouveau, en plus, il sait pas jouer, il sert à rien, tout seul. Mais t'es trop négatif, tu vois. Commence par une salle de sport. Réaliste.
Ouais, ça a fait chier, je vais vous contrer. Je sais que ça va vous faire chier. Vas-y, contre nous. Mais t'as le droit, toi. Vas-y. En région parisienne, je reviens au truc de tout à l'heure, la méthode de tout à l'heure. Ouais. Tu sais, en région parisienne, quand tu vas voir quelqu'un, en général, tu sais, quand tu abordes quelqu'un, bah, les gens, ils vont être agressifs, quoi. Pas agressifs, mais ils vont être sur la défensive. Ouais, ils vont avoir peur et puis c'est difficile. Ça dépend comment tu les abordes, oui. Ouais, puis si tu pars comme ça, tu vas rien faire, hein. Parce que si tu te dis, je vais jouer au foot, mais je vais être moins bon que les autres, je vais. Non, mais il y a forcément plus nul et il n'y a pas que des mecs qui ont un bête de niveau qui vont jouer au foot entre potes ou. Après, c'est vrai que le foot, bon, si t'arrives solo. Après, il va y avoir des matchs, je sais pas, va au parc. Ouais, non, mais pas forcément au parc. Tu vas au stade de ta ville, tu vas voir les matchs de ta ville. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, tu vas voir un match, autant voir un beau match. C'est plus match, abordable. Bah ouais, mais pour rencontrer des gens. Tu vas aller voir le PSG. Dans ta ville, ça peut être gratuit. Tu vas parler avec personne. Vous réagissez si vous êtes un peu là-dedans, vous nous faites signe. Moi, j'ai la même vie pourrie que lui. On baisse plus avec ma femme, donc je me suis réfugié maintenant dans les jeux vidéo. Toi, le pire, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui est là, mais que tu calcules même plus. Ça, c'est encore pire. Tu vois, il vaut mieux être. Il vaut mieux être tout seul. Et Seigneur Tacos, il a 26 ans, il dit être seul, c'est addictif. Parce qu'il y a zéro embrouille. Ouais, mais t'as également zéro. Ouais, mais c'est chiant quand même. Zéro conversation. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que toi, tu t'enlises là-dedans, quoi. Ouais. Exactement, ouais. C'est-à-dire que tu fais aucun effort, tu vois, tous les trucs qu'on te propose, tu dis non. Bah, tiens, il y a Jeanne qui nous appelle, qui est en direct avec nous, en direct du 93. Tu acceptes de lui parler malgré tout ? Bonsoir, Jeanne. Mehdi, est-ce que tu veux qu'on prenne Jeanne ou alors je la recale tout de suite ? J'ai pas compris, il faut que tu peux répéter. Tu veux que je prenne Jeanne qui appelle pour toi ou alors on la recale tout de suite en disant que ça peut mal se passer ? Bon, salut Jeanne. Bah écoute, moi je rencontre le même souci en ce moment, donc je te comprends totalement. Ouais. J'ai essayé la salle de sport, j'ai rencontré pas mal de monde. Ça a marché ? J'ai essayé les soirées aussi. Et alors ? Et ça marche bien, ouais. Ah d'accord, donc toi t'as trouvé des solutions toi ? Bah j'ai essayé. Parce que tu étais toute seule aussi, toi aussi, tu te levais, t'allais bosser, tu rentrais te coucher. Je viens pas de Paris, donc je connaissais personne. Tu viens d'où ? Et en plus, de Lyon. D'accord. Et en plus, j'ai eu des soucis dans mon cercle d'amis, donc j'ai coupé contact avec tout le monde. Ouais. Et là, je me suis retrouvée vraiment seule et j'ai connu la vraie solitude où vraiment, tu chiales pour rien, t'es hyper irritable et tu te réfugies au travail. D'accord. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'était boulot dodo, toi, en fait. C'est ça. Et au boulot, par contre, on peut aussi trouver. Il y a grosse salope qui nous laisse un message. C'est un garçon. Hein. c'est joli. Il a 22 ans. Il fait, je me suis trouvé des amis au travail. Tu vois, donc c'est vrai. Je suis pour les amitiés collègues, mais ça reste quand même des collègues et il y a quand même un enjeu derrière. Donc c'est ouais, mais bon, tu peux aller faire des apéros, il y a des trucs. Ouais, il y a déjà des couples, il y a plein de couples qui se créent au boulot. Après, je vois ce que tu veux dire. Il peut y avoir des poteaux aussi que tu rencontres au boulot. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans certaines boîtes, ça reste des collègues, mais entre guillemets, des concurrents. C'est dans certains domaines, quoi. Ouais. Et donc toi, après lui bosse. Donc toi, tu t'en es sorti. Maintenant, t'as un cercle d'amis, J'ai commencé. Hein. J'ai commencé tout juste la salle de sport. Donc j'ai rencontré quelques personnes. Pour l'instant, c'est des connaissances. Donc on dit bonjour tous les jours, mais pas ouais, enfin, bon, tu te sens moins seul en fait. Mais ça commence. Ouais. Il y a Léo qui a changé de bahut en plein milieu d'année. Il me dit, je me sentais seul un peu au début, mais petit à petit, on arrive à discuter avec des gens. Tu vois, Léo, c'est vrai que de changer de bahut en plein milieu d'année, c'est toujours un peu relou. C'est toujours un peu compliqué, ouais. Ouais, les gens te regardent comme si t'étais un extraterrestre. Ouais, t'as déjà les groupes qui sont formés, machin. Ouais, parce que t'es pas de là. Qui lui? Donc, c'est pas évident, bahut. Ça, c'est pour Léo, Léo, bahut. Bon, Jeanne, est-ce que tu voudrais rencontrer, Mehdi? Bah, ouais, avec plaisir. Mehdi, est-ce que ça te dirait de rencontrer Jeanne? Oui, bien sûr, avec plaisir. Au moins, vous serez deux. Voilà, exactement. Non, mais comme ça, vous pouvez aller faire des trucs ensemble, c'est clair. Bah, ouais, carrément, franchement. La bitou. 93. Allô. 93. Oui, mais alors, Mehdi, tu vas pas faire chier, ne dis pas que c'est trop loin. Non, mais pour c'est Jeanne, c'est ça. Après, vous êtes d'accord avec moi, à l'équipe, que pour une femme, c'est plus facile de, de rencontrer des gens. Je veux dire, les gens, ils vont être plus gentils, plus avenants avec une femme. Ouais, non, c'est ça le souci, en fait. Parce que tu penses peut-être qu'il y a toujours un souci. Tu trouves que plus. Ouais. Est-ce que tu penses pas qu'il y a toujours un petit sous-entendu quand tu rencontres des mecs, Jeanne, genre lui, il a envie de me sauter? Justement, j'allais parler des réseaux sociaux parce que j'ai essayé les réseaux sociaux, etc. On nous l'a proposé aussi, les réseaux, là, tout à l'heure. C'est sale, quoi. Vaut mieux pas tester les réseaux si tu cherches de l'amitié ou quelque chose de posé. D'accord, par contre si t'as envie de tirer un coup, là ça peut marcher, mais alors grave. Oui, bah là tu peux y aller, oui. Ouais, surtout si t'es une meuf d'ailleurs. Surtout si t'es une meuf, ça va très très vite. Bon, il y a plein de messages hein, comme vous, hein, de gens qui sont enfermés dans leur truc. Après une déception amoureuse, moi aussi j'ai eu exactement... C'est Brian qui nous envoie le message. Brian du 59, j'ai eu exactement le même problème. Mais bon, j'ai fait du sport, c'est vrai que la salle de sport c'est une très très bonne idée. Vas-y Mehdi, tu vois, lui il t'encourage à aller... Il n'y a pas d'histoire de niveau, tu vois, c'est même pour les débutants. Aller dans la salle de sport. Tu fais ta séance tranquillement et puis les gens viennent vers toi. Et à la limite, tu peux même faire des cours collectifs, au moins tu rencontres directement le monde. Ouais. Parce que la muscu, bof, tu vas être tout seul avec les écouteurs dans ton coin.
Donc c'est plutôt des trucs trucs cours collectifs, ouais. Voilà, très bien. Vous genre du yoga. Tu peux faire, ouais, il y a 10 000 sortes de yoga, mais même des cours la de. T'es genre de. Bah, pas de la Zumba, enfin, c'est top, c'est en anglais. Après, un mec, bon. Non, tu veux genre... faire de la Zumba, Mehdi. Allez. Des cours collectifs de fitness, bon, je suis très mauvais danseur. Zumba qu'à faire. Ouais, bah là, tu danses pas, là, tu sautes partout, c'est. Zumba qu'à faire. C'est chelou. Non, mais la Zumba, il y a que des meufs. Des mecs qui veulent baiser. Bah ouais, ouais. Ah, non, j'avais déjà vu des mecs, moi. C'est vrai qu'il y en avait vers chez moi, tu sais, des rassemblements, là. Ouais. Et c'était quand même 99% de meufs, quoi. Ouais, et 1% de meufs. Ouais. Et ouais, ou des vieux mecs qui. C'est pas trop ce qu'ils font au milieu, tu sais. Il y a Steak Frites qui joue exactement avec la gueule qu'ils avaient. Non, non, ils pêchent rien, les mecs. Bon, ils essayaient. Exactement le même problème il y a une dizaine d'années. J'ai passé ma vie à sortir tous les week-ends. Je suis devenu alcoolique, mais heureusement, j'ai rencontré ma femme. Ah, c'est après. Génial. Tu vois, Mehdi devient alcoolique. Moi, je le suis resté. Tu te feras plein d'habits comme ça. Non, mais c'est sympa, Jeanne, 28 ans, Mehdi, 33 ans. On va vous connecter tous les deux alors. C'est sympa d'avoir appelé Jeanne. Ah, bah oui, c'est cool. Ok, ça marche. Bah, vous pouvez lui laisser mon numéro si vous voulez. Trouvé une amie. Bon, bah, Jeanne, tu as trouvé une amie sur Skyrock. Une amie pour la vie, peut-être. Oui, peut-être, ouais. Oh là, elle n'a pas trouvé de curly parce que j'ai un petit creux. Là. Non. C'est très drôle. Oui, il y avait ça aussi. Je savais que. Je pensais que c'était Romano qui allait la faire. Non, mais non, 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 c'est Eric. C'est Eric. D'ailleurs, je veux de Romano, juste comme ça. Ah, merci, Mehdi, c'est bien. Donc le clash arrive. Enfin, tu n'es pas complètement perdu. On se fait le clash ici une petite heure. Bah, quand Cédric est prêt, quoi. Dès que vous êtes prêtes, toutes les deux, là, Romano et Cédric, préparez-vous. Jeanne, on te fait de gros bisous. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous avoir au téléphone, hein, je tiens à le dire. Bah, il faut revenir plus souvent, hein, Jeanne. Tu sais que tu peux revenir tous les soirs. Bah oui. On est là tous les soirs en direct avec c'est vous. C'est cool. Et dites-nous les trucs qui vous motivent, je sais pas, les trucs. Parce que je te trouvais un peu négatif, Mehdi. J'allais te demander tout à l'heure, mais bon, on a trouvé la solution avec Jeanne et puis avec les messages que vous nous avez laissés. Mais j'allais te demander quand même, il y a des trucs cool que tu fais dans la vie. Je sais pas, là, j'allais te demander ce week-end, il y a quand même des trucs sympas que t'as fait. Mais même si c'est des trucs à. Bah, même des là, trucs il a enfermé chez lui. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah non, c'est ça le problème d'Ifoul, c'est que vraiment, quand je rentre chez moi, je regarde la télé et puis c'est tout, je mange, je regarde la télé. Non, mais t'as peut-être regardé un truc cool à la télé ou t'as regardé une série sympa, tu vois. Je voulais te demander en fait de positiver parce qu'on fait tous des trucs. Bah, c'est des trucs. Non, mais on fait tous des trucs seuls, mais bon, quand c'est tout le temps. Non, mais il y a un truc sympa quand même, je tiens à dire, c'est de regarder des séries à plusieurs en fait. Oui, c'est mieux que de les regarder tout seul. Bah ouais. Quoique ça dépend, parce que tu regardes parfois des séries avec des gens qui n'arrêtent pas de parler. Ça, c'est très 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 pénible. C'est le cas de Karim d'ailleurs, qui n'arrête pas de parler quand on regarde une série ou un film. Ça, c'est vraiment. Je crois que c'est l'inverse. Hein. Je crois bien que c'est l'inverse. C'est bon. Vraiment insupportable. Ah non, mais le pompon, c'est un jour dans une série, on regarde un film et là, il se met à pleuvoir dans le film et il me dit il pleut. Bah oui, il pleut. Ferme ta gueule, je lui ai dit. Intéressant. Non, mais au moins, tu discutes avec toi. Ce qui me fait dire, c'est les gens qui comprennent pas et qui te posent des questions. Mais pourquoi lui? Du coup, tu peux plus suivre, ça me rend dingue. Non, mais il y a des trucs. J'avais un ex comme ça. Et des trucs qu'on fait, qu'on trouve. Tiens, des choses qu'on fait qui sont banales. Et puis pourtant ça te fait du bien, aller voir un match de foot par exemple. Ah oui, grave. C'est banal mais ça peut être un bon moment du week-end. Bah ouais, mais bon, il est pour Monaco gros, donc aller à Louis II, frère. Oui, c'est vrai que c'est pas super. Bon, ouais, il y a des trois mecs à rencontrer. T'as mal choisi ton équipe, Mehdi. Ah, et puis c'est un peu loin quoi. Oui, c'est pas ouais, côté, ouais. Problème, et puis c'est pas le stade où il y a le plus de monde, ça c'est clair. Bon, Mehdi et Jeanne, on vous embrasse tous les deux. Merci Jeanne, des gros bisous. Merci Difool. Ouais. Difool, je peux faire une petite dédicace vite fait? Vas-y. Bah, dédicace à vous, tous les soirs je vous écoute. C'est gentil. Mais tu vois, on est là nous aussi, tu vois, t'es pas tout seul, Mehdi. Oui, avec le boulot, vous m'aidez bien, je rigole bien avec vous. Bah, je vote Romano. Oui. Encore une fois, et mais décidément. Merci encore. Et dédicace à Callaghan, c'est un mec qui fait des replays sur YouTube. Ouais, vous avez les replays sur l'appli Skyrock, et puis remercier tous ceux, notamment Callaghan, qui font des replays de l'émission. Mais on te fait une grosse bise. Et tiens-nous au courant. Bonne soirée, l'équipe. Et tenez-nous au courant de la rencontre, tous les deux. On va vous suivre. C'est le début d'un grand feuilleton, Jeanne et Mehdi. Ça marche, Difool. On t'embrasse, Jeanne, on t'embrasse, Mehdi. Et donnez-nous très très vite des nouvelles. Bisous tous les deux. Bisous. Salut. Ciao, Difool. Ciao, l'équipe. Salut à toi. Bon, allez, on vous attend en direct. Vous pouvez nous appeler pour tout ce que vous voulez. On aura Chris dans un instant en direct avec nous. On aura Florian de Vanves aussi qui arrive. Bonjour, Flo. Comment vas-tu? Florian. Salut. Bonsoir. T'as 23 ans, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, toi, tu vas nous expliquer justement, parce que t'es en train de draguer une meuf. Enfin, t'as fait une rencontre et t'aimerais aller un petit peu plus loin. Ouais. Et tu fais appel à notre classe pour draguer et notamment, j'imagine, à la classe de Cédric. Eh ben, t'as bien fait. Ça. Et ouais, là, t'as tapé dans le mille. La classe de Cédric.
Merci Cédric. Voilà, c'est la classe. Et voilà, la classe de Romano pour draguer, parce que tu sais que tu es avec ouais, nous. Bien sûr. Les deux meilleurs clasheurs du monde. On est là pour toi, Mike. Eh bien, on s'en occupe. Bah, on s'occupe de toi tout de suite. Florian, tu bouges pas, tu restes avec nous. Pas de soucis, pas de soucis. Allez, et vous restez là aussi. Puis si vous voulez nous appeler pour tout ce que vous voulez, 01 53 40 30 20. Est-ce que tu peux m'aider pour mon devoir de maths? Bah, voilà. Bah, ouais. Marie va s'en occuper. C'est Vaquer. Ah, ouais, ça, je laisse le maître Vaquer. Chacun son domaine. Marie, c'est les maths. Vaquer, je sais pas, il a 16 ans, Vaquer. Donc t'es quoi, t'es en première ou en terminale, Vaquer? Marie, tu peux bien faire un devoir en de terminale, ouais, à 16 ans, bien sûr, au moins. Va te faire enculer, Water là. Non, je te souhaite bon courage surtout. Va te faire mettre avec tes maths de merde. Tu nous as pris pour quoi? Tu nous as pris pour Academia? Et pourquoi vous l'insultez, le pauvre? Bah, c'est toi qui es tout agressif avec lui. T'as pas entendu le ton que t'avais quand connard. Tu t'as demandé, tu peux pas l'aider? T'as plus de 8, tiens, ta première. Et Marie, dès qu'on lui parle de maths, vous avez vu, elle devient agressive. Non, j'étais pas agressif, mais c'était une vanne pourrie de Cédric. C'est donc. Ah là, c'est Romano qui t'a fait la blague. Oui, agressif. Bon, bah l'un ou l'autre, c'est la même. C'est des gros coups. S'il te plaît. Peu de respect, s'il te plaît. Bande d'abrutis. Oh putain, je l'ai choqué. Ah ouais, non, c'est clair. Mélange pas quand même les torchons, les serviettes, comme on dit. Ah, mon gros torchon. Ah, l'enfoiré. Bon, allez, Radio Libre, profitez-en, appelez-nous. Bon, je suis pas sûr qu'on fasse des maths, Vaquer, là, mais merci pour ton message quand même. Et bon courage à toi. Et le son de Gazo et Tiakola, là, tout de suite sur Skyrock. C'est parti. On écoute Mami Wata. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est seulement sur Skyrock, la plus grande radio libre de France. Vous avez la parole tous les soirs. Vous nous appelez 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli Skyrock, le 41 759. Tiens, on va faire un truc. Il y a Flo qui est avec nous. On va le plan, là. Florian du. On va le plan. Ah bah, c'est décidément, il y en a qui parlent mal ce soir. Et bim, attends ton nez. Qu'est-ce que t'es rancunier? Mais il attendait que ça. Eh voilà. Qu'est-ce que t'es rancunier? Allez, un partout. Tout à l'heure, il a rancunier. Tiens, dites-nous ce que vous avez fait de sympa ce week-end. Même si vous avez fait des trucs d'une banalité hallucinante, genre par exemple vous êtes sorti comme moi samedi sous la pluie. Bah moi j'ai pris la pluie samedi. Ah, ça c'est sympa. Et alors, c'était cool. Tu t'es lavé? C'était que voilà, le chien. Une douche gratuite. Bah oui, il faut sortir le chien. Ouais, par contre quand il pleut, le chien la promenade, il la fait vite. Hein. Ah ouais. Ça pisse, ça chie vite. Hein. Tu as pas acheté un petit impair? J'ai un pote qui lui a acheté un impair à son chien. Ah, t'imagines Medellin avec un impair? Ah non, mais il a une tête son chien. Je crois que c'est la même race. Nous ils ont des habits. Ah ouais, tu l'habilles, Ah, c'est la Fashion Week, là, attends. Ouais, elles font des défilés. Non, mais elles ont imperméable et puis les Didi et t'habilles les Didi et Muquette. Et Muquette. Ah, ouais, mais quoi, c'est pas les Didi, déjà, c'est Queen Elizabeth. Ah, ouais. Queen Elizabeth. Non, mais elles sont des. Et moi, je trouve ça bien parce qu'au moins, t'as pas le poil qui est trempé et tout. Ouais, non, mais c'est ça. Toi, tu vois. Parce qu'en plus, moi, vu qu'elles sont courtes sur pattes, quand elles vont dans l'herbe, elles ont le ventre trempé. Alors que Medellin, elle, quand elle est toute mouillée et qu'elle rentre de promenade, son kiff, c'est que je prenne une serviette et que je la sèche et ça, elle adore. Non, mais nous aussi on les sèche, mais. Ah, mais ça, c'est son kiff total. Ah ouais, kiff, elle est limite toute contente d'être toute mouillée. Bah, elle sait que tu parles d'elle, en réalité. Ah, Mehdi. Eh oui, je pense. Elle veut son souffle. Tu veux quoi? Ah, elle est vilaine. Tu veux un imperméable? Elle est toute plissée dans Putain, le cou. Putain, parle bien de Marie, gros. Non, mais je te remercie. Oh, t'es plissée dans le cou, Marie. Pourquoi tu dis qu'elle est vilaine, Medellin? Ah, je sais pas, je trouve ça moche, moi, comme chien. Bah, c'est joli. Ah, t'es un beau chien. T'es un beau staff. Sa soirée à manger ses bons becs, là. Elle aime bien ça. Elle va avoir des caries, ton chien. Mais non, elle a pas de caries. C'est des. Toute la soirée elle bouffe. Des biscuits. Ces petits biscuits d'apéro. C'est le biscuit de l'apéro de Medellin. T'es contente? Bon, c'est bien. Ouais, elle est contente. Bon, alors vous nous appelez, vous débarquez ici. Et donc dites-nous ce que vous avez fait. Même des trucs complètement d'une banalité hallucinante que vous avez fait ce week-end et qui vous ont fait kiffer. Bah, moi j'ai vu ma meuf, on a fait l'amour. Bah, c'est pas mal. Bien, ça, attends. Bah, écoute, c'est pas ça. C'est normal. Ça a l'air de te mettre en joue en tout cas. Non, c'est moi qui dis le message comme ça. Oui. C'est le message de Seb là sur l'appli Skyrock. Salut Seb. Voilà, je vais le lire mieux alors. Ah, oh, moi j'ai vu ma meuf, on a fait l'amour. C'est vrai que je demandais des trucs d'une banalité hallucinante. Après, si tu fais l'amour régulièrement, c'est banal, mais l'amour, ça fait toujours du bien. Ah oui, ça fait du bien aux zizi, ça fait du bien à ta meuf. Ah bah, c'est sûr, à tout le monde. Ça fait du bien au couple, et puis voilà. Et puis après, tu peux faire. Tiens, Karim, toi, j'allais dire, après, tu peux faire des enfants, c'est sympa. Ouais. Karim, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai changé des couches, j'ai pas beaucoup dormi. Tu sais, changer les couches, Non, je fais pas du bronze de nos seins. Ouais, chie, mais de toutes les couleurs. Beaucoup. Les couleurs changent là. Pas de ricolore. Ah ouais? Ouais, ça devient vert foncé là. Vert foncé? Ouais, c'était orange au début. Hein. Mais pourtant, elle bouffe tout le temps la même chose. Ouais, mais. C'est quoi? Ce sont les têtes, c'est tout quoi. Ouais, tête, ouais. Putain, tout à l'heure, je suis allé. Putain, c'est spécial. Hein. Tu sais, la machine pour tirer le lait. Ouais, putain, c'est un truc. Ah ouais, on tireuse. C'est une? Ah ouais, non, je l'ai loué à la pharmacie. Tu sais que c'est super cher le bordel. Je l'ai loué à la pharmacie. C'est quoi? C'est un truc. C'est. Mais. Ils en vendaient au salon de l'agriculture qui a fermé là. C'est la même chose. Non, mais c'est manuel ou c'est. Non, tu branches à la prise, gros.
Je pense que je vois ma meuf faire ça, je pense que je la kenne pas. Je te jure, elle faisait ça, gros, on aurait dit une vache, gros. Je te dis, ils en vendent au salon d'agriculture. Malheureusement, c'est fermé. Putain, moi j'ai une copine qui a fait ça au resto une fois. On était une table de 10 personnes. Ah, moi, je suis désolé, ça me dégoûte. Elle était au bout, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Parce que je vois sur ton t-shirt des trucs énormes. Mais elle peut pas faire ça aux toilettes. Mais non, mais en fait, elle bouffait, elle se faisait pomper les uns en même temps. C'est un manque de respect. C'est chelou. Ne dis pas ça, tu vas te faire traiter. Ah bon? Parce que. Pourquoi? Parce qu'a priori, il faut. À l'été, pourquoi pas, si t'as pas le choix, le bébé. Bah écoute, moi, ça me dirait le. Alors, moi, je suis peut-être particulier, alors je sais que je vais me faire traiter. Je vais pas dire que ça me dégoûte, mais je trouve ça. Non, mais je sais pas. C'est un truc privé, tu tires du lait, tu fais pas à table quand les autres ils bouffent. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, bon, voilà, on était entre. Non, mais après, t'as des pulls spéciaux. Moi, je vois ma pote là qui était venue là avec le bébé là. Tu décapsules. La femme de mon pote gros porc. Ouais. Oui. Elle avait un pull. Ça s'appelle petite porcinette. Un pull avec une couche qui s'ouvre. Ouais, c'est ça. Ouais, et même le soutien-gorge. J'ai là un soutien-gorge. Bah, bien sûr. C'est où genre t'as juste le téton qui sort quoi. Ouais, bah oui. Bon, après, il faut bien les nourrir, ces pauvres gosses. Oui, mais bon, tu le fais à un autre moment quand t'es à table avec des poteaux, quoi. Et qu'il y a des. Ah, mais moi, limite, dans un appart avec des poteaux, bon, pourquoi pas, s'ils sont cool. Mais au resto, alors qu'il y a d'autres gens et tout. Ah, non, mais là, je savais que j'allais me faire insulter. El Porto. Romano m'a l'air d'être un gros con. Mais pas que l'air, d'ailleurs, je te confirme. Tu peux enlever l'air, je suis un gros con. Ah, regarde, il y a le Sheikh. Il a 32 ans, il dit tirer le lait en plein resto, c'est carrément un manque de respect. Je trouve ça gênant, surtout au resto pour Cédric Sus Romano. Oui, bon, après, on était dans un coin. Hein. Ouais. Personne ne l'a vu dans le resto. Ah, Mike, mais. T'en as bu, Marie? Donne-moi 20 un peu. Ah ouais. Puis on manque pour mon café. Non, mais son mec avait goûté, il m'avait dit c'est dégueulasse. Que c'est pas bon, ouais. Non, j'ai pas goûté, moi. Non, t'as pas goûté, Karine. Non, mais je te le conseille pas. Hein. Tu vois, j'allais te poser la question, là. Elle produit beaucoup. Ouais, putain. Des litrons et des litres. Revends un truc de ouf. C'est bien. Tu vas revends. Ça se vend, ça? Bah ouais, Romano, il va te faire une petite sauce. Il boit du lait en plus, Romano. Ah là, mais je regardais. Tu veux pas qu'on dise concurrent de Lactel? Lactalis. Allez, tu vois. Je sais pas, on appelle ça Lac Mamel ou autre. Lac Mamel. Lac Mamel. Lac Mamel. Bon, vous avez fait des trucs, même d'une banalité hallucinante ce week-end, mais ça vous a fait du bien. Eh bien, il faut regarder le positif. Ah ouais, j'ai bricolé, c'est ce qu'on disait. Je parle de ça pour Mehdi qu'on a eu tout à l'heure, qui trouvait qu'il avait une vie ennuyeuse. Une vie creuse, il est. Ennuyante. Ouais. Ennuyante. Les deux, peut-être, je pense. Ennuyeuse, je dirais. Ouais. Bon, alors. T'as fait quoi, toi, ce week-end? Je t'ai dit, en début d'émission, j'ai fait du bricolage, moi. Ouais, mais t'as dit. Non, mais j'ai kiffé. Parce que, tu sais, on était entre amis et c'était sympa. Voilà, tu vois. Tu vois, on buvait des petits coups, machin. Non, mais pareil, moi, j'ai un pote qui a déménagé ce week-end. Je lui dis, putain, mais tu vois. Ah non, ça, ouais. Tu dois galérer pour le déménagement. Et là, bon, là, on est à la bière. Tout va bien. Oui, ça peut, c'est vrai que ça peut être sympa, mais putain, déménagement, tu te pètes le dos. Ouais. Putain, moi, les dernières fois que j'ai déménagé, cassé les couilles, quoi. Ah, ma déménagement, c'est genre truc que je ne sais pas c'est faire. C'est relou, ouais. Bon, il y a Flo. Tu sais pas faire, tu sais, tu prends un carton, tu mets des trucs dedans et tu le portes, hein. Ah, c'est relou. Non, mais c'est pas faire. Ah oui, ça faut pas être non plus sorti de Saint-Cyr ou de je ne sais où pour faire des cartons, ouais. Tiens, regarde, il y a N2O qui nous envoie un message. Salut N2O, il a 19 ans. Il fait, moi, ce week-end, je suis allé chez le coiffeur et je suis trop beau. Eh ben voilà, tu vois. Pareil aussi, ouais. Moi, j'ai été vendredi, moi. Tu vois, c'est une petite satisfaction, Romano, nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Et Karim aussi, ouais, t'as tout rasé, donc. Ouais, mais j'étais pauvre. Non, mais j'ai un coup de promo. Hein. Mais là, il est pas chauve, il a rasé les cheveux. Non, mais là, il est grave chauve devant ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça, c'est la jalousie, ça. Non, mais moi, je m'en fous, regarde comme je suis chevelu. Hein. J'ai une longueur, c'est incroyable. Longueur. Ah non, mais regarde, tu peux tirer. Ça... Ah, je peux tirer? Non, tu non, touches. Non, parce qu'il l'a fait, il était décapotable après. Tiens, moi, j'ai fêté l'anniversaire d'un pote et je suis sorti avec une meuf trop mignonne. Ah bah voilà, tu vois, un bon week-end pour toi. EXO sur l'appli Skyrock qui nous laisse. IXO qui nous laisse le message sur l'appli Skyrock. Et il y a Dems aussi, soir anniversaire. Grosse soirée d'anniv pour un pote qui fête son anniversaire que tous les 4 ans. Ah oui, donc vous en avez profité. Ah oui, il est né le 29 février en fait. Et donc vous avez fêté l'anniversaire ce week-end et vous avez profité comme des fous. Ouais. Et ben c'est c'est bien. Vous savez que même Oli qui est chauve de Big Flo et Oli. Oui. Il est chauve. Oui. Si vous écoutez, ça va lui faire plaisir. Non mais il le sait. Oui, bah oui. Mais lui, il a commenté ma vidéo avec mes cheveux. Non, il a dit quoi? Alors, non, il a dit ouais. On embrasse Oli. Si genre traître, tu vois, genre je ne suis plus chauve et lui il est encore. Je lui ai proposé un code promo. Bah c'est bien. Ah ouais, j'ai même envoyé des photos en privé, j'ai dit ah, franchement ça déchire, je peux te mettre sur le plan si tu le souhaites. Il y a des places de concert pour la tournée Skyrock de Big Flo Oli à gagner sur Sky. Et vous verrez son crâne chauve. Et vous le verrez. Vous allez voir, il déchire tout en concert. Bon, Florian en direct avec nous, en direct de Vanves. T'as 23 ans toi, Flo, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Salut. Bon, salut. T'as fait des trucs sympas ce week-end? Regarde, Jacques Curie nous dit, moi j'ai regardé l'OM et je me suis régalé. Bah oui.
Samedi soir, c'était ça. Ils ont fait quoi, ça? Victoire 5-1. 5-1. Ouais. Troisième victoire d'affilée en enchaîne. Alors, on n'arrête pas. Ouais, et on se fait Villarreal jeudi soir. On verra, mais bon, depuis qu'on a le nouvel entraîneur, là, Jean-Louis Gasset. Trois matchs, trois victoires. C'est pas mal. Et toi, Flo, t'as fait des trucs sympas ce week-end? Ah, moi, ce week-end, j'ai rien fait du tout, mais je me reposais du week-end dernier. D'accord. Ce week-end, j'ai dormi de 17h samedi à 8h du mat. Ah ouais? Donc 17h à 8h du mat, ça veut dire que t'as dormi ouais, plus de 12h. Enfin, ça fait 17h. Ah ouais? Ouais, j'ai juste fait une pause de 1h pour promener mon chien et après je me suis redormi direct. Ah putain, moi je déteste ça. De quoi? De dormir comme ça aussi longtemps, ça te nique ton week-end pour moi. Ouais, t'as dormi 15h. Tiens, en fait, ça sert à rien, tu perds du temps quoi. Attention, dormir, c'est une perte de temps pour moi. Ah, mais tu te reposes, ouais. Ouais, mais non, mais 12h, tu sais, tu te couches. En fait, tu niques complètement ta soirée, tu vois. Ah, non, ouais, en plus. Ouais, mais quand t'es bien crevé, ça fait du bien, Florian. Ah, non, ouais, dormir, moi, j'aime pas dormir autant, moi. Ça t'a pas rechargé les batteries, Florian? Ah, si, mais dimanche, j'ai redormi pareil après. J'ai redormi de 19h jusqu'à l'eau, taf. Ah, oui, quand même. Mais normalement, je dors pas beaucoup. Quand semaine, je dors pas beaucoup. Je dors que 1 ou 2 heures. Donc, le week-end. Ah oui, effectivement, ouais. Tu recharges un peu, ouais. Ouais, t'as des heures à rattraper, là. Bon, c'est bien. Moi, j'ai attendu dimanche soir pour voir Lyon-Lens. Je suis lensois et je me suis régalé. Ah bah oui, Lyon, ils sont Ah ouais, les lensois, ouais. Ils sont heureux, là. Ouais, ils m'ont fait gagner d'ailleurs mon pari Winamax. 3-0 Lens. Ouais, un petit truc sympa ce week-end. Bah, j'ai gagné mon pari Winamax. C'est cool, ça, ouais. C'est pour une fois que t'as pas mis Mbappé. Bah non, il jouait pas. Oh, Lens, ça aurait été comme un con, là, sur Lens. Victoire de Lens, but de Mbappé. Et Zia Alex pour le même match. C'est pas possible. Alors lui, il est lyonnais, il a 23 ans, il nous fait, moi, j'ai regardé l'OL et j'ai pleuré ce week-end. Bon, alors Flo, toi, tu nous appelais pourquoi? Dis-nous tout. Alors moi, je vous appelle parce que je me promenais dans les bois avec mon chien et j'ai rencontré une fille. Oui. C'était il y a 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Mmh. Ouais. Et elle a un petit chien en plus de 3-4 mois que j'adore et tout, la race. Et bref, ça a matché, on a marché ensemble pendant une heure et demie et tout. Mmh. Je vous disais, les chiens, pour faire des rencontres, c'est super efficace. Mais en plus, ouais, non, c'est la pause, parce que normalement, je rencontre que des vieilles. Et là, c'est la première fois. Oui, tu rencontres aussi des vieilles, c'est vrai. Ouais, bah, il y a beaucoup de ça, ouais. Et là, c'est la première fois que je vois, enfin, pas la première fois, mais une petite jeune qui me plaisait et tout. C'est que moi, je suis dégoûté parce que Medellin, il y a une meuf qui a une chienne, qui est, bon, voilà. Et la meuf, elle est super mignonne. Et en fait, Medellin, elle peut pas voir la chienne de la meuf. Ah, putain, merde. Merde, elle. Moi, en fait, t'as bloqué. Bah oui. Bah, en général, Medellin aime pas trop les chiennes. C'est une chienne, elle aime pas les chiennes. Ouais. Et donc là, elle peut pas la voir, mais elle peut vraiment pas la voir. Donc putain, t'es pas de bol, quoi. Nique ton plan, Medellin. Bah oui. Alors qu'elle pourrait rendre service, je sais pas. Hein. C'est con. Bah oui. Bah non. Rends pas service. Mais si, t'as rendu service, t'as pris le numéro d'un mec une fois. Lily. Ouais, oui. Si, si, ouais, et vous promenez les chiens. Depuis, il a mal au cul. C'est mon pote pompier. Qui a un staff. Non, qui a un pitbull. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est son pote pitbull. Elle aime bien. Mais c'est un mâle, c'est normal. Lily aime les mâles, elle peut pas. C'est bon, donc, voilà. Ah, bon. Ouais, bon. Et donc, toi, ça a matché entre les deux chiens et ça a matché entre toi et la meuf, Flo? Ouais, bah, parce que moi, mon chien, il a 1 an et le sien, il a que 4 mois. Donc, ça va, ils ont fait que jouer ensemble et tout. Hmm. Et bref, on s'est échappé à la fin, de balade et tout. Je lui dis, je dois rentrer, mais je lui ai demandé son Insta quand même avant de partir. Tant qu'à faire, ouais. Bonne idée. Et ouais, du coup, bah, par message, on se parle pas du tout. Du coup, ça, j'aime bien aussi le fait de pas parler par message. Et on s'est vu une fois. Là, on s'est revu aujourd'hui. Enfin, on s'est revu une fois pour promener les chiens pendant 2 heures à peu près. Et là, bah, on s'est vu ce soir, justement, on a passé 3 heures ensemble dans les bois, en pleine nuit et tout. Absolument, oui. Ouais, dans les bois. Là, ça fait un peu, ça fait un peu sadique, quoi. Ça fait un peu serial killer. Tu m'as invité dans ta camionnette, après, quoi. Ouais, il y a Marilyn qui nous dit, mort de rire, parce que des fois, ce sont des pervers que tu rencontres dans les bois. Dans les bois, c'est pas toujours. Oui, parfois. Des serial killers. Ouais, c'est ça. Ouais, mais avec des chiens, ça passe mieux. Oui. C'est quoi ton chien? C'est un golden. Très bien. Retriever. C'est un malinois. Très bien. Ouais, c'est bon, une belle bête. Ouais, 2 gros chiens en plus, donc c'est cool. Ouais, c'est marrant quand ils jouent. Hein. Ouais. Enfin, toi, t'aimerais bien jouer avec la maîtresse, je crois. Hein. C'est ça. Dans un premier temps. Et du coup, ouais, bref, on s'est revu aujourd'hui 3 heures et tout, et je vous appelle parce que j'ai. Pour pas que cette relation, elle devienne juste. On se voit pour promener les chiens. Les chiens ou... ouais. Bah, enclenche-la. Pardon ? Enclenche-la. Envoie-lui un texto, lui dis, c'était sympa la balade de 3 heures. Ouais, bah non. Ça te dit pas la prochaine fois, on se fait un truc. C'est une baisse de 3 heures la prochaine fois. Non, mais tu fais une blague, genre, un truc sans les enfants, tu sais.
On va se promener. Ouais, bah, elle m'a envoyé en plus, elle m'a envoyé, c'était cool, on refait ça quand tu veux et tout. Et voilà, et ben alors. Et du coup, je me suis dit, en vrai, on va se je vais lui proposer un soir dans Paris, genre qu'on se promène sans les chiens un petit peu. Ouais. Tout c'est mieux que dans les bois en pleine nuit, ouais. Ouais, c'est une proposition dans un bois. Elle peut avoir l'impression que tu veux la buter. Pas dans les bois sans les chiens. Elle peut se dire, il est chelou. Ça dit, on se retrouve au fond du bois. Ouais. Là, dans Paris, c'est bien, c'est une bonne idée. Tu le sens pas de, je sais pas, de l'inviter à boire un verre ou je sais pas. Si, mais je pense. Ça dit que je te paye une gamelle d'eau et des croquettes. Ouais, non. Le plan de pour son chien. Hein? Pardon? Tu lui ramènes une connerie pour son chien. Ouais, un petit jouet pour le chien. Non, ouais. Et aussi en plus ce que je fais, c'est que quand je vois à chaque fois, parce que moi je travaille dans une boulangerie, pas très loin de chez Romano d'ailleurs. Ah, ça m'intéressait. Oula, t'habites dans le 15e arrondissement, donc la classe. Comme Romano. Donc tu lui ramènes quoi? Des glands? Des miches? Non, je lui ramène des petites viennoiseries quand moi aussi, je vais en avoir des viennoiseries. Vite, t'habites pas loin de chez moi, a priori. Allez, au bois, tu travailles pas loin de chez moi. Tu veux qu'on aille se promener, mettre dans la main dans le bois? Romano, lui aussi, il a des chiens. Il a des chiens. Ah ouais? Ah bon, après, ouais, putain, Golden Tekel, bon, je suis pas sûr. Oui, ça va. Non, les chiens, je pense pas trop. Car on nous demandait d'ailleurs si c'est là qu'on avait récupéré notre chienne Cédric, message de la pile. Non, du tout, désolé. Dans un bois, message de ADDX sur la piste Skyrock. En bois de Boulogne, c'est ça. Ouais, en bois de Boulogne. Également, ouais, de Flo du Québec. Il était empalé sur une bite de Travelo. Bah, grave. Oh là, salut Romano. On l'a décollé de là. Je suis empalé. Je laisse la place. On l'a soulevé puis on l'a ramené. Ouais, bah grave. Le cul ouvert en deux. Marie, alors, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner, toi qui es. La représentante de l'amour dans l'équipe. Ah bon? Ah ouais, carrément. Eh oui, carrément. Non, mais moi je ferais quand même une deuxième balade, tu vois, avant de lui dire. Mais il a fait la balade, il a fait plein, mais une deuxième. Non, mais ils ont fait, j'ai fait. Je croyais qu'il n'y en avait eu qu'une, moi. Deux. Ah bah vas-y, alors ouais, propose-le. Putain, il est 21h56, c'est blindé. Mais non, j'avais pas entendu qu'il y en avait eu deux. Moi je pensais qu'il y en avait eu qu'une. Il y en a eu plein, même. Non, mais deux. Moi je suis d'accord avec vous. Courte une de 3 heures. Il faut lui proposer autre chose, tu vois. Non, mais propose-lui un petit verre dans Paris, ouais. Écoute, et si t'as peur, exactement. Moi je pense à un truc là. Si t'as peur de directement lui dire un verre, t'as qu'à lui dire. Deux verres. Voilà. Non, t'inventes un truc, tu dis, samedi je dois aller à Ten Alimanerie, tu trouves une animalerie sur Google dans Paris, tu vois. Tu dis, je dois aller récupérer, j'ai fait une commande pour des croquettes spéciales, machin, je sais pas quoi. Ça te dit de venir avec moi si t'as besoin d'un truc pour ton chien, et comme ça après on va boire un verre. Ouais, c'est pas con. Tu sais, un truc dans l'après-midi, en mode on fait du shopping pour les animaux. Mm. Ouais, mais du coup, faut que j'achète un truc dans une. C'est pas grave, gros, t'achètes un sac de croquettes, tu vas pas casser les couilles. Et ton chien, il est bouffé, il sera content. Oui, il sera content. Tu pourras même les bouffer, toi, si tu veux. Non, mais c'est vrai, ouais. Ah, je vais bien les récupérer, sinon. Nous, on adore ça dans la ZAD. Oui. N'importe quoi. Mon fils les mangera, il prendra ça pour des curlis. Ah ouais. Ce week-end, j'ai rongé un os de poulet. Ah, bah c'est cool. Très dangereux, les os de poulet pour les animaux. C'est pas pour moi. Ah ouais. Ah, pour toi, très bien. C'est cool, Marie. Moi, je lui proposerais carrément qu'elle me suce. Non, mais car du 69. Non, mais j'avais de la vie, c'est quoi? Vas-y, on se retrouve dans le bois et tu me suces. Non, mais c'est ça, c'est classe. C'est un peu direct, oui. Non, mais c'est pas mal l'idée de Samy, ouais. Un petit truc shopping. Une sortie animalière. Voilà. Ouais, il y a un but. Après, Elisa, elle dit un truc qui est pas con. Et tu l'enquides. Parce que là, pour les animaux, c'est vrai. Ouais, mais après, si ça sonne toujours trop autour des chiens. C'est un peu relou. Non, mais là, il n'y aura pas les chiens, vous allez faire du shopping. Faudrait peut-être essayer de lui faire comprendre. Ouais, mais non, mais bon, de toute façon, le chien, c'est le prétexte. Si la meuf, elle est intéressée. Bien sûr que oui. T'sais, chien ou pas chien. De toute façon, à mon avis, si tu lui proposes ça, déjà, tu vas avoir sa réponse. Si la meuf, elle te dit, ah non, vas-y. Non. Bon, bah là, tu peux te dire que ça va être compliqué, quoi. C'est ça. Bon, elle a quel âge cette meuf? Toi, t'as 23, hein, Flo, hein, c'est ça? Ouais, bah, elle doit avoir à peu près mon âge, je pense. Elle fait quoi dans la vie? Tu lui as demandé tout ça déjà? Ouais, bah, on parle pas que du chien quand même. Hein. Ah, quand même, oui, c'est ça. Non mais vas-y, par contre, moi, je vais bien venir te voir pour les viennoiseries. Je vais pas faire le mec relou, hein, mais... Romano. Non, pas le mec relou, juste l'espèce de grosse crevure qui veut récupérer à bouffer gratuit. Non, crevard, ouais. C'est crevure, non mais attends. Elle est célibataire au moins, tu lui as demandé? Ouais, elle est célibataire. J'ai demandé, et du coup, le chien, tu l'as pris avec qui et tout. Ah, t'es malin, toi. Ouais. Non, mais c'est bien, oui, comme ça, t'arrives à savoir un peu plus pour elle. Bon, ouais, t'as déjà envoyé un message pour te dire que c'était cool, donc elle doit attendre un rendez-vous. C'est elle qui a fait le premier pas. Hein, bah, Yata, elle nous dit ça, mais elle a raison, Yata. C'est vrai que c'est plutôt bien engagé. Hein, c'est non, plutôt... mais en plus, c'est vrai que souvent, c'est elle qui fait le premier pas. Eh ben, Anquille derrière. Bah oui, Anquille. Faites-vous une gamelle de croquettes. Voilà, c'est nous, on fait ça dans la ZAD. Vous voyez de la pâtée directement. Vous voyez de la pâtée aussi, on adore la pâtée. On fait ça, on en met sur du pain. Assis. On fait des tartines. De pâteau de pain. De pain assis. Qu'est-ce que ça pue, ça, putain, quand je mettais ça à Kawa quelques fois le matin. Non, le pâté de Medellin, ils sont bons.
Moi, c'est leur fil de la chiasse direct. Ah ouais, direct. Ah ouais, j'aime pas du tout. Faut les manger avec les, faut les mélanger avec les croquettes. Ah, c'est très bon. Ouais. Ça, il a raison. Tu vois, Flo. Putain, j'ai mangé ça, mais un régal. Alors, comme un ragoût. Bon appétit. Un ragoût de pâté. Si vous êtes en train de bouffer à cette heure-ci, on vous salue, là. Ah ouais, putain. Bon, vous nous avez. Donc, vous avez des conseils à donner à Flo. Ouais, tu voulais demander quoi aux auditeurs de Skyrock, ce qu'ils feraient s'ils étaient à ta place? Ouais, c'est ça. Bon, les dragueurs fous, on vous attend. Et les filles aussi, on vous attend également. Hein. Laissez-nous vos messages, appelez-nous. En plus, ce qui est ouf, c'est que. Que tu vois, j'étais sur Tinder et tout avant et j'ai arrêté parce que j'en avais marre de parler. Mais t'avais crush pour elle. Bah. Mmh. Et vraiment, juste après avoir désinstallé, 2-3 jours après. Hop, tu la rencontres. C'est le destin. Tu la rencontres dans les bois. C'est un signe. C'est bien. C'est un signe. Putain, mais la meuf, elle a pas peur d'aller dans les bois en pleine nuit. Bon, elle est avec son chien, elle a un malinois, donc elle est tranquille. Ouais, mais bon. Avec un malinois. Après, ça dépend si le chien est gentil. Avec un malinois, t'as moins de risque de te faire agresser en général. Ça passe. Donc, quitte pas Flo, on va revenir avec toi. Vous avez un truc à dire, n'hésitez pas vous aussi, vous réagissez pour Flo, puis pour tout le reste aussi, si vous avez besoin de nous, on est là. 01 53 40 30 20, l'appli, le skyrock.fm, le 41 759. Et est-ce qu'on est prêt pour les doubles appels? Ouais. Eh bien on est prêt, ça roule, c'est parti. C'est l'heure du double appel, on fera de la drague aussi tout à l'heure avec le clash de la drague, avec vous deux, Cédric et Romano. Ouais. Pour une nouvelle semaine de fight et d'amour en direct. Mais là, c'est parti, c'est l'heure des familles. Je sais pas c'est qui, c'est moi qui viens de l'appeler. C'est vous qui m'appelez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bah ça a téléphoné et puis voilà. Le double appel de Default sur Skyrock. De mort. Eh bien c'est parti, c'est l'heure du double appel avec les numéros que vous nous avez envoyés depuis 21h. Merci pour tous les numéros, j'espère qu'on a du lourd ce soir et puis j'espère qu'on va arriver à les connecter les uns avec les autres. C'est parti, ça sonne déjà. Allons-y. Est-ce que Patrick est prêt? Est-ce que Patrick est là ce soir? Absolument, oui. Absolument, bon, il peut venir nous aider. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie. On est sur la messagerie. Allez, un autre, c'est reparti. Ça sonne. Qu'est-ce qu'il y a, un problème de standard? Bonjour. Ah oui, en effet, il y a un problème de standard. Allez, hop là, vas-y. J'ai un problème de Patrick. Moi. Voilà, t'as plus de Patrick, toi, Romano? Non, le truc s'est éteint. Ah bah dis donc, faut le rallumer. Tu veux que Marie te file un petit coup de main technique? Je vais essayer de m'en sortir sans elle. Très bien. C'est mieux. Allons-y, c'est parti. Allez. Le double appel. Allez, go. On y va, ça sonne. Ah bah ça y est, il est revenu. T'as retrouvé. Il arrive là. Il est là. Il est de retour. Allons-y, on les a testés juste avant, on a gardé ceux qui répondaient. Vas-y. Ah. Allô. Allô. Qu'est-ce que c'est? Téléphone. Ils sont deux. Allô. Oh bien sûr le chien. T'entends mes délignes, chien. Qu'est-ce que c'est, là? Ah, allô. Oui. C'est pas tout à fait le même... Allô. Allô. Oui. Dites-moi, qui c'est? Oui, bah, c'est moi. On m'appelle, moi. Alors je voudrais bien savoir qui est-ce qui m'appelle. Ah, alors qui c'est qui vous appelle? Mais c'est pas moi. Vous êtes sûr? Ah, bah alors qui c'est qui appelle? Qui c'est qui appelle? Moi, j'en sais rien. Moi, je sais pas. Bon, c'est marqué appel protégé. Qui c'est qui est au bout du fil, là? Ah bah non, bah alors si ça appelle protégé. Non, moi j'ai rien fait du tout, on vient de m'appeler, je réponds au téléphone, je ne sais pas qui c'est, vous voulez pas donner votre identité, alors je vous dis bonsoir. Attendez, allô. Non, moi j'ai pas appelé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me feras une pipe au champagne? Ouais, et toi va-t'en faire tailler une. Ok, d'accord. Non, bah écoute, voilà. Bon, vous nous faites chier, tu me dis ton nom ou autrement je raccroche. Allô. Mais vous êtes un grand malade sans déconner quoi. Vous avez que ça à foutre? Mais je vous emmerde. Non, mais c'est une blague, là, hein. Allô? T'as que ça à faire de tes journées, toi. Tu veux baiser tout le monde, mais t'as pas de couilles, t'es pas capable de venir ici. C'est qui? Et là, j'ai réussi à te localiser. Donc là, c'est super bien. Comme super. Ça, je vais aller au flic et tu vas voir. Bah oui, c'est ce qui fait le bourrin quand tu te fais enculer par lui. Bon, dis-moi qui t'es. Espèce de blaireau, va. C'est qui? Bonjour, le chien. Qui est blaireau, ce fouteur de merde, là? Fils de pute. On a un bon avocat, t'inquiète pas, je vais bien. Tu me dis ton nom ou t'as pas les couilles pour? Mais oui, t'as le sida, tu meurs dans 6 mois. T'inquiète pas, tu vas mourir avec les flics. J'en ai rien à foutre, moi. Que tu peux crever tout de suite, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas notre problème, nous. Dis-moi ton nom. C'est ta vie. Si tu te fais dévoncer par tout le monde et puis que tu chopes des saloperies, c'est ton problème. Dis-moi ton nom. Nom, prénom. Tu fais ce que tu veux avec ton cul, moi, c'est pas mon problème, moi. C'est pas une raison pour faire chier le monde. C'est pas une raison pour faire chier le monde, mais là... Dis-moi ton nom. Là... On va pouvoir t'attaquer jusqu'au bout et tu vas cracher. Voilà. Pourquoi le gouvernement, ils ont inventé BlockTel, hein, justement? Alors ça va durer longtemps, ta connerie, ou tu vas parler?
Renseignez-vous. Ben justement, je vais pas bloquer parce que moi j'ai des appels de plusieurs gens, donc je suis bien obligé de d'avoir le numéro de téléphone qui soit pas bloqué. On les a pas bloqués. Et j'ai pas bloqué justement pour pouvoir vous enregistrer. Oh, espèce de fils de pute. Wow. C'est les seules répliques que tu as, là? Non, mais sérieusement, c'est les seules répliques que tu as? Et, oui, pour vous piéger, donc c'est bien. Toi, écoute-moi, enfant de putain. Wow. Toi, tu m'appelles. Donc, tu as mon nom, tu as mon numéro. Tu as mon adresse, parce que... Écoute-moi bien, enfant de pute. Tu as mon nom, tu as mon numéro, tu as mon adresse, parce que tu me téléphones. Derrière ton téléphone, tu fais le barbeau, t'es même pas capable de donner ton nom ou de venir chez moi. Viens toquer, tu sais qui je suis. Voilà. Free voulait tout, ils nous ont proposé de vous bloquer, mais nous on a dit non, et on va bien rigoler. Va te faire enculer, moi j'ai les couilles, moi, de te dire, toque. Vas-y, viens devant chez moi et toque. On va bien rigoler. Attends. Alors continue à parler parce que je suis en train d'enregistrer. Il me faut encore des preuves. Vas-y, joue. Viens toquer. Hein? Tu ramènes ta gueule. Viens toquer. Non, continuez. Allez-y. Vas-y, viens toquer. Allez-y, continuez. Et puis dites les petites insultes encore. Fils de pute. Voilà, suffisait de demander. Ça t'a plu? Viens toquer. C'est parti. Allô? Ça t'a plu? Allô? Ah, il est parti. Allô? Ah, il est parti. Je sais pas ce qu'il racontait avec son bloc de tel. Il répétait tout ce que disait sa meuf derrière. Allô, c'était le perroquet de sa meuf. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, comment vas-tu? Vous êtes. Bah devine. Accroche, chérie. Allô, y a quelqu'un qui veut vous parler, madame? Oui. Accroche. Monsieur, parlez. Bienvenue sur la boîte vocale du 0. Allô. Allô. Oui, comment vas-tu? C'est quoi ce bordel? Patrick. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Patrick. Là, je suis à poil, là. Allô? Ouais, eh ben. C'est bon, c'est fini? Allô? C'est bon, on les a achevés? Non, pas non. Du tout, là. Ah, si, je crois, Patrick, on les a achevés. C'est pas un travesti. Tu es un travesti. Est-ce que tu es travesti? Ouais, eh ben. Ah, il est travesti. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Allô? 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 Bah, moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. Allô? Allô? Tu peux dire. Comme une fois, allô, il y a personne. Ah, si, il y a quelqu'un, vous parlez, monsieur. Allô? Allô? The Voice. Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Elle a bien, elle tient. The Voice. Ouais. Qu'est-ce que vous pourrez vous nous appeler, madame? Oui. Oui, absolument rien. Elle est morte. Oui, Marie, essaie peut-être de lui parler. Elle est dans le même état que toi. Mais c'est ma sœur. Salut, ma chérie. C'est ta sœur au téléphone. Allô? Je crois qu'on est dans le même état, madame. Bonsoir, ma sœur. Je suis ivre morte. Il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Autrement dit, décabanée. Il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Démonté. Eh bien oui. Rouflé comme elle. C'est le principe du double appel. Eh bien voilà, double appel, une fois de plus, rondement mené. Merci aux familles, merci à vous qui nous avez laissé les numéros. Je suis déglinguée, madame. Eh bien tu vois. Détends-toi. Ah, vous avez eu ma sœur, ça faisait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Bah, ça tombe bien, tu vois, pas cher. Parce qu'à la ZAD, on n'a pas le téléphone. Ah, bah, c'est pour ça, tu viens de passer le coup de fil à Sky. Mais c'est branché sur les fils, mais ça marchait pas. Eh bien profitez de Skyrock tous les soirs. Oui, bonsoir. Vous êtes ma sœur. Allô? C'est moi qui rêvais ou il y a un mec qui a parlé? C'était une femme. Une femme, non? C'est une femme. Ouais. C'était ma sœur. Ah bah c'est, on fait plus la différence, Marie. C'est Kiblo, quoi. Allez, Radio Libre, profitez-en, appelez-nous. 01 53 40 30 20, l'appli, le skyrock.fm si vous avez besoin de nous, si vous avez envie de parler d'un truc, que vous avez un coup de gueule à pousser, que vous avez envie de résoudre un problème que vous avez. On est là et on va s'occuper de Flo, là, d'amour, de rencontres, du clash, de la drague et des Ouais. Et de vous tous et vous toutes en direct jusqu'à minuit. Profitez. Foul. Je vais peut-être me taper un travesti. Romano. Non mais je n'arrive pas à me tout sucer, j'ai essayé. Marie. Ouais bah ouais, je trempe ouais.
Cédric, Samy, Karim, allô, Thierry, Guigui. Attention quand même. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre, radio libre, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, on est en direct sur Skyrock. Vous aussi, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. 01 53 40 30 20. L'appli Skyrock, le skyrock.fm. Bonjour à Coco qui vient d'arriver. Merci beaucoup de me rendre heureux tous les matins et tous les soirs. C'est gentil. Merci à toi. Je suis en train de boire une bière et je vous écoute. Ah, mais c'est génial. Petite pensée à la Marie, justement. C'est le message. Bah, la mienne est vide. Gagas sur l'appli Skyrock. Salut à toi, Gagas du 13. Bonjour, Gagas. Bonjour à Exomu qui vient d'arriver. Bonjour à Charles Villeneuve qui est là. Fesse de Babouin qui est là. Je suis dispo, tu peux rappeler. Tu veux qu'on t'appelle. Vous nous laissez vos messages. Vous avez envie de parler d'un truc. Vous avez un truc à dire. Vous voulez réagir à la radio libre. 01 53 40 30 20. L'appli Skyrock, le skyrock.fm. Et puis donc le 01 53 40 30 20. En parlant des messages, tiens d'ailleurs, bonjour à Baptiste sur l'appli Skyrock qui nous laisse un message et qui dit: j'ai rencontré une meuf en début d'année. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle arrête pas de me lécher les couilles. Et j'aime pas ça. Ah, t'as dit lui? Bah oui, faut lui. Bah c'est ouais, oui, t'es pas con, c'est pas Romano. Tu vois, on trouve une solution. Voilà, hop, réponse express. À chaque problème. Une solution à chaque problème. Bah, tu dis gentiment. Ouais. Laisse-moi plutôt le gland. Ouais. J'étais tombé sur les zones érogènes d'ailleurs, sur un espèce de sondage. J'ai essayé de vous le retrouver. Sur les zones érogènes que les Français. Les zones érogènes des garçons et des filles. Que les Français préfèrent se faire titiller. Si vous avez une zone érogène préférée, vous pouvez nous dire. Samy, c'est l'anus, il nous l'a dit l'autre fois. Ah, Samy, c'est vrai. Il se faisait sucer. Zone érogène, l'anus, non, pas trop, gros. Bah, t'as dit l'autre fois, tu te faisais toucher l'anus. C'est ton fantasme, toi, Karim, un peu, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est toi qui l'as dit, gros, c'est pas moi. C'est une démonstration, mon mignon. Mais si tu veux, y'a pas de souci, mais tu kiffes ou pas alors? Voilà, tu veux pas me la faire à moi également? Ah, ça va aller. Non, mais vous serez mignons tous les deux, un couple de Parisiens marseillais. Non, mais c'est le gars de tes fantasmes, du fou, le. C'est mignon tous les deux, j'aimerais bien, moi. Je crois qu'il y en a, du fou, laisse se placer en mode voyeur, tu sais. On accepte Karim ou pas dans l'autre? Putain, gros, non, non, toi et moi, gros, non. Il y a déjà Romano et Cédric. Ah, non, mais surtout, ils sont chauds tous les deux. Non, mais Samy et moi, on est toujours chaud, gros, ensemble. Ouais, t'inquiète. Ah, Cédric et Karim. Cédric et Romano. Non, putain, non, mais peut-être avec tout le monde. Je vais faire une tournante avec moi, gros. Je vais faire tourner, gros. Moi, mon dernier plan, il fallait que je lui passe les tétons et j'ai mis ses graves. C'est Patch qui nous laisse un message. Ah oui, ah, mais dis pas mon nom. Oui, Patch préfère les garçons. Toujours pas moi, non. Patch le Normand qui nous envoie un message. Et Lilia TL qui nous envoie un message pour nous foutre les boules. Je vous écoute depuis la Floride. Je suis face au golfe du Mexique. Ah ouais, tranquille. Ah, et toi, t'aimes pas lécher les couilles, toi, Lilia? Eh bien, on t'embrasse, Lilia. Hey, tranquille. Non, mais elle nous dit Burke, la lécheuse de couilles. Donc, c'est qu'elle aime pas lécher les couilles. Ouais, bah oui, je pense. T'aimes bien lécher les couilles, Marie, toi? Bon, non. Ouais, bon. Ça va faire une bonne bite, toi. Ah, c'est bon, ça. Hein. Ouais, ouais. Un bon gland, toi. Non, mais ça lui fait plaisir, c'est comme le cul, hein, tu vois. Préfère lécher le gland, quand même. Ouf. Tu préfères quoi, les couilles ou un gland? Ah non, un gland. Un gland. Ah, très bien. Ah, c'est trop bon, le gland. Ah, tiens, je suis retombé sur mon truc. Que je vous disais. Les hommes, les zones érogènes préférées des hommes. En un, le pénis. Ah bah, évidemment. Ouais, bah, normal, ouais. Pas étonnant. En deux, la bouche et les lèvres. Ah ouais, j'aurais pas pensé à répondre ça. Ouais, bon, tu roules des pelles, bon, si ça peut te chauffer, quoi. En trois, les testicules. Ah, donc les couilles quand même, en trois. Ouais, bon. Vous aimez bien vous faire bouffer les couilles? Qu'est-ce qui aime bien se faire bouffer les couilles dans les couilles? Moi, j'aime bien, moi. Ouais, ça va. Ça fait partie du package. Ouais. Cédric, toi, tu tombes sur une meuf qui adore bouffer les couilles avec toi, mais c'est la plus heureuse. Ah, bah, avec Cédric, c'est buffé à volonté, quoi. Ah ouais, bah, grave. T'as des couilles, mais c'est un truc de ouf. Tu les bouffes? Des melons. Non, merci, Cédric. Ah, je sais pas. Des melons, mais pourris. On parle avec les yeux. Des melons frites. Ouais, bah grave. C'est pas moi qui ai vu tes couilles en plus, hein. C'est Karim. Excusez-moi. Ah ouais, c'est vrai. Il avait kiffé. Ça m'a choqué surtout. Il avait kiffé. Je te vois autrement là. C'était excité. Ah, mais t'es ouf. En 4, l'intérieur des cuisses. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. En 5, les couilles, moi, le haut, c'est juste en dessous, l'intérieur des cuisses. Ah, mais couilles. Putain, ouais, non, mais c'est quand tu t'approches tout doucement, l'intérieur des cuisses. Non, mais aucun. Ah ouais, moi, aucun intérêt. L'intérieur des cuisses. En 5, pour les mecs, hein, les zones érogènes préférées. En 5, le haut de la nuque. Le haut de la nuque? Là, ici, ouais, bon. Ah, mais pareil, je m'en bats les couilles. Ça me fait des frissons, moi, un peu. Ah, t'aimes bien? Ouais, ça fait des frissons. En 6, seulement 6e, les mamelons. Ouais, ah, ça, je déteste, gros. Ouais, mais je suis pas fan des mamelons. J'ai des petits tétons, moi, tout petit. Il y a Goran qui dit: mais c'est quand que Karim a vu les couilles de Cédric? Ah, bah, très bonne question, Goran du 67. Ce matin, je prenais ma douche à l'appart. Oh là, j'invitais Karim, j'ai laissé la porte. La porte entre ouverte. Jamais de la vie, Karim, il a forcé la porte. Oh, Karim, au secours, viens. Oh, non, je me noie. Je me noie dans la baignoire. Ça, cette espèce de
Sadik Mater est venu me battre sous la douche. Sadik Mater. Mais t'es complètement ouf. Ah si si. Mais t'es un ouf. Hein. Ah non, je suis pas t'as ouf. T'avais laissé la porte ouverte, gros. Tu prends des douches la porte sûr, ouverte. Bien sûr. T'étais là, tu te lavais les couilles dans. T'étais debout dans la baignoire, tu te lavais les couilles dans le lavabo. Tu m'as appelé, tu m'as dit, oh, Karim, stop là, tu peux me passer le savon. Ah, tu peux me passer ma deuxième couche, j'arrive pas à la mettre dans le lavabo. Ouais, bah grave. Elle est tellement lourde. Pas la frotter. Ah, Yata, elle nous dit l'intérieur des cuisses, ça fait des frictions incroyables. Ouais. Samou adore lécher les aisselles des filles. Attendez, je continue mon truc des zones érogènes. Donc le pénis, en 2 la bouche et les lèvres, en 3 les testicules, en 4 l'intérieur des cuisses, en 5 le haut de la nuque, en 6 les mamelons, en 7 le périnée, c'est-à-dire entre les couilles et le trou du cul, ouais. En 8 la nuque. Bah, c'est quoi la différence entre la nuque et le haut de la nuque? Pas l'anus plutôt, non? Ouais, c'est l'anus. Ah, ils sont trompés, ça doit être l'anus. C'est l'anus, voilà. Et en. Ah ouais, donc l'anus en 8 et en 9 les oreilles. Ah putain, j'aime pas du tout qu'on me touche les oreilles. Ah ouais, les oreilles. Pas qu'on me les touche, m'en fous. Putain, mais tu sens quand même que les mecs, on a galéré à répondre au sondage, quoi. Ah ouais, ouais, parce que. Si y a des trucs, s'il te plaît. Mais c'est classé. Ça arrive 8ème, Marie. Ouais, mais ça arrive. C'est bon, après le haut de la nuque, c'est bizarre. Ah, mais ça va, tu sais, ça va pas t'empêcher de dormir quand même. Ah non, ça va pas m'empêcher de dormir. Ah, parce que t'as l'air traumatisé. Ah non, je suis pas traumatisé. Ah, je suis pas traumatisé, je suis étonné, Romain. Ah, sur les messages que vous nous envoyez, toi, étonné, là, ce qui revient le plus, les gars. Ah, mais je vais m'en remettre, hein, moi. Tu sais, je vais me faire titiller le trou de balle. C'est quand même si les autres mecs aiment pas, bon, bah, qu'est-ce que tu veux. D'ailleurs, Yashoumi, apparemment, ce week-end, il nous dit, moi, elle m'a léché le cul et un petit doigt pour la première fois, c'était trop bon. Ah, bah voilà. C'est bien ça, c'est mignon. Ouais. Lucas, moi c'est la bite. Voilà, ben oui, c'est ça. Wassim, exactement la même chose. Enzo, lui aussi. Moi j'aime qu'elle me suce. Donc en gros, toi c'est la bite. La zone érogène, c'est tout mon sexe. Des couilles jusqu'au gland pour le message de Amir sur l'appli. Bon, et les zones érogènes des femmes, alors les filles, pour vous, en 1. Ah, d'après toi, Marie, en 1, c'est quoi? Bah, le clito. Ouais, le clitoris. Bah ouais. Numéro 1, le clitoris. En 2. Le clitoris. Bah, le vagin. Ouais, le vagin, bien, Marie. Ça, autrement dit, la grosse chatte. Ah, bah, donc, c'est bien dit ça. Donc, en le clitoris, en 2, le vagin, en 3, la bouche et les lèvres, en 4, les seins, en 5, les mamelons des seins, plus précisément. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose que de prendre le sein dans la main, que de titiller le mamelon. Ouais. En 6, la nuque. En 7, l'anus. Ah, l'anus est mieux classé chez vous, les filles, que chez nous, les garçons. Ouais. En 8, l'intérieur des cuisses. Et en 9, le bas du dos. Et en 10, les oreilles. Voilà. Encore les oreilles. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les oreilles soient classées dans le truc. Mais non, mais parce que je pense que le sondage qui a été fait, c'était une proposition. Parce que, moi, pareil, c'est l'intérieur des cuisses, mais qui va répondre ça, tu vois? Bah, les gens, ils répondent. Oui, mais parce que ça leur a été proposé. Ah, ouais, peut-être, je pense peut-être. Il n'y a pas la langue. Non, c'est pareil, les oreilles, qui se t'en bat les couilles des oreilles. Ah, mais... bon, après, il y a des gens. Toi, Marie, t'avais un mec qui bandait, ouais. Oui, mais un mec, tu vois. Ah, un mec sur combien t'en as eu? 78 742. Voilà, au dernier comptage. Oui. Au moins. Ouais, ouais, au moins. Le mec, il me faisait halluciner. En plus, j'étais au début de ma vie sexuelle, il me disait, ouais, bouffe-moi l'oreille, et il bandait, mais comme un salaud, quoi. T'as rien quand tu lui touches l'oreille. Ah ouais, mais j'en ai rencontré. Et le mec, il disait ça comme ça? Ah ouais, il me le disait. Ouais. Encore un mec très équilibré. Encore un malade mental. Malade mental. Bah non, mais le mec comme ça. Tu sais, moi, je sais pas, je rencontre une meuf. Elle me dit, ouais, lèche-moi l'oreille, ça me fait jouir. Je dis, oh là, attends, du calme. Je vais déjà prendre tes cachets. Bon, c'est surprenant. Non, mais tu parles de l'intérieur des cuisses, mais il y a beaucoup de messages, surtout des filles d'ailleurs, qui nous disent intérieur des cuisses, c'est jouissif. Nous dit Nonette, il y a pas les pieds. Ah, il y en a qui sont déçus. C'est Esteban qui trouve que les pieds, bah, a priori, toi, les pieds, ça te plaît, Esteban. Ah, il y en a nous aussi. L'intérieur des cuisses, ça m'excite grave quand on m'embrasse. Je sais pas, ça me rend dingue. Ouais, non, mais c'est normal parce que tu t'approches de la minette. Du sexe, quoi. Moi, c'est bon, je tape direct dans la chatte. Hein. Ah, bah d'accord. Tu as raison, c'est la zone érogène numéro 2 après le clitoris, Romano. Hein. Non, mais avec la bouche, je parle. Ouais. Ah oui. Tiens, mon ex, elle kiffait me sentir. Écarte ça, fais-moi voir tes bavettes. Ah, putain, c'est classe si tu lui dis ça, c'est très sexy. Message du grec. 27 ans, le grec, il nous dit, moi, mon ex, elle kiffait me sentir et me lécher les poils des aisselles. Ah bah je peux. Ah ça c'est vraiment dégueu. Ah là bah je peux te dire qu'elle le ferait pas deux fois. Ah là moi là, bam, je la sèche. Salut, c'est Colonel Charlie. Moi j'ai doigté Cédric tout le week-end. Bah jamais. Non, j'ai pas eu du tout. T'es fait doigter? Non, du tout, non.
Non, j'ai pas croisé. Tu t'es refait pluguer depuis les vacances de Noël? Non, il se fait pluguer qu'à Dubaï, a priori. Ah, ça c'est qu'à Dubaï. Avec des potes à Dubaï. Non, c'est que c'est marrant, cette nouvelle expérience que t'as eue. C'est bien, c'est vrai, comment tu découvres des trucs. Ouais. Tu devrais essayer du foot. C'est éclaté le petit. C'est fait éclater le petit à Dubaï. Je vais pluguer le petit, Cédric. C'est quoi la zone érogène chez toi, Cédric? T'es gros maman, mon trou du cul. Non, c'est quand même sus, t'as vu, ça m'excite, voilà quoi. Donc la bite, toi. Ouais, la bite. Ouais, Samy, ta zone érogène. Ouais, j'aurais dit le sexe aussi, tu vois. Karim, ouais, pareil, le chibre. En même temps, c'est le chibre, plus que les couilles. Ouais, c'est pareil, les deux, je les mets ensemble. Ouais. Et Romano ? Oh, la bite, ouais. On est très basique à Le trou de balle. C'est clair. Ouais. Et toi, full. Et bah, pareil, la bite. Ouais, la bite. Et le trou de balle ? Non, pas trop, le trou de balle. Voilà, oh là, tu devrais te faire plugger. Tu fais pas aller chez trop de balles, dis full toi. Non. À Dubaï ou à Hawaï. Où tu veux, c'est le rapport, mais... Vas-y, où tu veux. Et toi, Marie? Oh putain, mais moi j'en ai plusieurs. Hein. Non, bah le clito, je vais dire quand même. Le clito, donc comme les filles, c'est numéro 1, le clito pour toi. Bon, et bien voilà, donc pour les messages. Rapport à celui qui en avait marre de se faire lécher les couilles. Bah dis-le à ta meuf si t'en as marre de te faire lécher les couilles. Ouais, faut dire un peu ce qu'on aime ou ce qu'on aime. Bah ouais, tu la guides. Après, peut-être que pour elle, c'est un super kiff. Hein. Ah, peut-être que c'est une gobeuse de boules. Ouais, elle adore gober les boules. Bah peut-être que son ex adorait ça. Dites-nous les filles, si vous êtes des gobeuses. N'hésitez pas à témoigner en direct, on vous attend en direct. Bah ouais, vous avez le droit de voir gober des boules. Ah oula, gober des boules, des boules. Moi, c'est le ventre. Alors, on galère à parler. Ah, je t'attendais. Tiens, il y a le Mowgli là qui nous envoie un message. Dis-moi, c'est le ventre. Qui fonce une fille, Mowgli, elle a 28 ans. Et Lone Wolf, c'est un garçon qui dit: moi j'adore quand on me mord la nuque. Moi les tétons j'aime bien, mais j'ai peur que ça fasse un peu gay. Non, mais tu t'en fous. Bah, quel rapport? Bah, je sais pas, c'est le message de Dave. Chelou, hein. Dave, t'aimes ça. Hein. Dave77 qui nous envoie un message là. Bah oui, si t'aimes te faire titiller les tétons, pourquoi ça ferait gay? Parce que tu fais la même chose. On s'en fout. Parce que tu fais la même chose à ta meuf, c'est pour ça. Bon, allez, on y reviendra. Se faire lécher le trou de balle, c'est top. Merci pour la déclaration. Il y a un peu pour tous les goûts. Ouais, beaucoup de messages. Avec l'appli, vous nous envoyez tout ça. Appli Skyrock 41759 et skyrock.fm pour les messages. Et sinon, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Ouais. On va revenir à Flo et sa rencontre avec la meuf qui a un chien. Flo, il a un chien, la meuf, elle a un chien. C'est ça. Ils discutent ensemble, ils s'entendent bien. Comment on passe à la suite? Parce que bon, c'est bien gentil de discuter des chiens. Et faire des promenades dans les bois. Voilà, Flo, il aimerait passer à la suite. Et on a Pascal aussi au téléphone avec nous en direct de Toulon. Salut à toi, Pascal. Ouais. Pascal. Ouais, Pascal. Ouais, Pascal. Oui. Ça va? Ouais, bonsoir, coucou l'équipe, bonsoir. Ça va bien? Salut. Bien. Et toi, comment ça va, Pascal? Bah, ça va, écoute, tranquille, quoi. Allez, ce soir. Bon, très bien. On se prépare pour le clash de la drague qui arrive dans un instant. Préparez vos méthodes, Romano et Cédric. Elle est prête. Moi aussi. Ah, et il y a Flo qui a d'ailleurs du nouveau à nous annoncer par rapport à la meuf dont il nous parlait, la meuf avec le chien. Il y a eu du nouveau depuis qu'il est passé à l'antenne, il y a une petite demi-heure. Donc on va le retrouver dans un instant avec du nouveau à vous annoncer. Et c'est bien, la Radio Libre se fait en direct et il y a à chaque instant des surprises. Le chien de la meuf l'a niaqué. Et des nouveaux. Ah, lui a arraché un bout de la cuisse. Il est aux urgences. Vous n'avez pas entendu l'histoire dont on parlait ce matin là? Laquelle histoire? L'histoire avec le mec qui a été retrouvé. Alors, en fait, il y a un chien qui a... C'est en Allemagne, ça s'est passé. T'as pas entendu, Pascal, ce matin, dans le morning? Si, j'ai entendu, oui, j'ai écouté, ouais. Ah, une histoire qui fait... En fait, on a fait une grande enquête, comme dans Faites entrer l'accusé. Ah, Cariole, elle a kiffé, ouais. Ah, Cariole était surexcité, c'est une grande enquête judiciaire, je peux dire que ça l'a mis dans tous ses états, la dingue. Mais avec des chiens? Ah bon, oui, en plus des chiens... Ah ouais, c'est la totale. Des chiens, un mec qui a failli mourir et tout. Ouais, en fait, c'est en Allemagne, les keufs, ils sont intervenus parce qu'il y a un chien qui aboyait dans une maison. Oui. Bouf. Exactement. C'est ça, un peu comme ça. Et quand Médéline, viens voir, fais le chien allemand qui aboie. Viens voir, Médéline. Waffe. Allez vers moi. Si j'ai fait wouf. Médéline. Ah ouais, elle te cherche. Elle cherche le chien. Ouais, je suis là. Et oui, je suis un chien. Tu n'es pas un chien. Il est où le chien, Médéline? Elle me dit, il y a un chien avec une perruque dans le studio. Elle me dit ça. Ouais, elle vient de me dire qu'il y avait un chien avec une perruque. C'est ouf ça. Vas-y, Karine. Et donc, ouais, les keufs, ils sont intervenus, ils ont défoncé la porte. Parle bien au chien, gros. Crache dessus. Ouais, parle bien à Marie, gros. Bah, c'est pas Marie. Non, c'est pas moi. Écoutez bien l'histoire avec le chien, là. Donc, les keufs, ils sont intervenus, ils ont défoncé la porte, ils ont trouvé le chien avec le mec, et le mec avait la bite coupée. Bite et les couilles coupées. Hein? Par le chien? Alors, justement, c'est ça l'enquête qu'on a lancée ce matin dans le morning. Non, mais il coupait. Mais coupé net? Alors, justement,
Les Allemands, la police allemande fait une enquête. Ils ont découvert le mec en sang et sans bite. Sans couille. Et l'animal qui aboyait à côté de lui. Bon, il a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Il n'a pas pu témoigner parce qu'il est dans un état grave à l'hôpital. Donc, ni le pénis, ni les couilles n'ont été retrouvés dans la maison. Alors, il y a plusieurs. On a élaboré plusieurs hypothèses. Première hypothèse, le chien avait faim. Il lui a bouffé les couilles et la bite. Ouais, moi je dirais c'est sa meuf. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est sa meuf, elle a cramé qu'il a fait cocu, elle lui a coupé la bite. Ça, c'était la deuxième hypothèse. Ouais, et elle est partie avec tout le matos. Ouais. Ou alors elle a donné à bouffer au chien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Troisième hypothèse, il a voulu ken le chien. Et le chien s'est rebellé. Et le chien, il voulait pas se faire ken, et il s'est rebellé et il lui a bouffé la bite. Comme ça, il peut plus le ken. Ouais. Et il y avait une quatrième hypothèse, c'était quoi la quatrième hypothèse? Je sais plus. Bon, enfin, il avait de l'argent à la mafia lui a coupé. Ça y est, il est parti. C'est Gomorra. C'est lui, dans Gomorra. Il est parti. Donc, le chien a sauvé la vie de son maître quand même en aboyant. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit le chien qui lui a bouffé la bite. Bah, ça, je pense qu'ils peuvent vite savoir. Bah, suivant comment c'était coupé, tu vois. Si c'est vraiment coupé net, c'est coupé avec un couteau ou, tu vois. Moi, je pensais. Le chien a pas pris un couteau. Moi, je pensais que la meuf a découvert qu'elle était cocu et qu'elle a voulu se venger, elle lui a coupé la bite. Moi, j'ai pensé à ça aussi. Ah, pareil. Et soit le chien a bouffé le bordel, soit elle est partie avec tout le matos. Mais je pense qu'elle a dû partir avec tout le matos. Non, mais moi, je pense que c'est plus ça. Ou alors, effectivement, elle a donné. Mais ça, pareil. Tu dois pouvoir retrouver. Ouais, tu vas me dire, le chien, entre temps, il a dû chier, quoi. Bah, justement, il faut faire une analyse du caca du chien pour savoir si elle a la bite du monsieur dans le caca. Ouais, bah ouais, ils peuvent. Mais c'est horrible. Non, mais ils peuvent découvrir s'il y a des restes humains, ouais. Non, mais après, la meuf peut avoir coupé la bite du mec et l'avoir donné à bouffer au chien. Bah, alors, ouais. Pour accuser le chien. Ouais, mais le chien, tu peux pas l'accuser, je te dis. Ouais, la bite, quand elle est coupée, tu vois direct. Un médecin légiste en 2-2. Ah, bah ouais, vous voir les entailles. Bah, direct. Non, bon, après, il voit si c'est arraché ou coupé droit. C'est des crocs ou si c'est. Après, le truc chelou, c'est que si le chien avait commencé à bouffer son maître, il aurait pas bouffé que la bite et les couilles. Bah, ouais. Ah, mais il y a une histoire en France, là, une femme qui était morte chez elle et le chien avait commencé à la bouffer. Ouais, parce que le chien avait dû à manger au bout d'un certain nombre de jours. Mais bon, c'est glauque. Un peu. Bah ouais, c'est glauque. Bon, voilà notre enquête du morning, elle était super, hein. Ouais, pas mal, ouais. C'est super. Bon, Pascal, on va passer à toi maintenant. Oui. Donc, toi, t'es à Toulon et tu nous appelles pourquoi, toi, Pascal, ce soir? Et moi, je vous appelle parce que j'ai eu deux copines de longue date. Qui est chaude du cul. Mais c'est une copine, une amie, ou alors c'est une copine, genre un plan cul? Non, c'est une amie. Une amie, ouais. Une amie, d'accord. Pour l'instant, il s'est rien passé entre vous. Si, mais il y a quelques années de ça, enfin, vite fait. Après, je vous planterai le décor, si vous voulez. Oui. Mais du coup, bon, elle est chaude, qu'elle en peut plus. Et le problème, c'est. Mais comment ça se manifeste qu'elle soit chaude du cul? Elle te parle de ses histoires de cul? Comment ça se passe? Oui, elle m'en parle ouvertement, quoi. Mais toi, tu l'as niqué, cette meuf? Ouais, il y a quelques années. Oui, il y a quelques années de ça, ouais. Et depuis, tu la niques pas? Non, depuis mais non, parce que. C'est confident ou quoi? Mais c'est quoi? C'était un accident quand tu l'as baisé? C'est quoi? Non, pas du tout. En fait, c'est une nana qui... Enfin, on travaillait ensemble à l'époque. Mmh. Elle avait déjà un mec. Donc, en gros, elle trompait son mec avec moi. Mmh. Sauf que elle s'est faite choper. Par son mec. Ouais. Par son mec, ouais. Forcément, elle s'est calmée un peu après. Ouais, logique. Voilà. Et donc, déjà, le mec, vous pensez bien qu'il peut pas m'encadrer, quoi. Mais il est venu te voir, le mec, à l'époque? Ça peut être ton pote. Mais il était venu te voir, le mec? Non, il est jamais venu me voir. Non, c'est elle qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle s'était fait choper un soir. Non, parce que le mec, il aurait pu péter un plomb et venir te voir pour te péter la gueule, éventuellement. Ah, complètement, ouais. Après avoir pété un plomb, il te pète ta gueule, ouais, c'est vrai. C'est possible. Oui, tout à fait, ouais. Ça se tient. Non, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, bon, cette nana, elle a quitté le travail et on est resté en contact. D'accord. Et donc maintenant, c'est devenu une bonne pote. Ah oui, c'est devenu une bonne pote depuis plein d'années, quoi. Donc elle s'est mariée avec ce gars. Ouais. Et on continue nous à se... Ouais, elle est mariée, ouais. Hein? Enfin, elle était mariée, du coup. Et nous, on continuait à se voir, mais sans que le gars soit au courant. C'est-à-dire que le pacte qu'il y avait entre elle et moi, c'est que moi, je l'appelais jamais. Ou j'envoyais jamais de SMS. Ouais, pour pas vous faire crier, quoi. Voilà, c'est tout le temps elle qui me contactait. Et puis, bon, ben, si l'occasion le faisait, on se voyait. Pour baiser? Non. Non, vous avez plus baisé depuis la première fois. Juste depuis qu'elle qu'elle s'est fait choper, elle est... Ah, c'est chelou, ça. Elle est retournée dans le droit chemin, comme on dit. Dans le droit chemin. Bon, en tout cas, avec toi, peut-être qu'elle se fait dégommer par d'autres. Hein. Exactement. Dégommer. Ah, elle s'est fait dégommer par d'autres. Ah, c'est pour ça que tu dis qu'elle est ultra chaude du cul. Oui, et d'autant plus que donc là... Le mec a eu le nez, en tout cas, de se marier avec elle. Oui. Bon, déjà, le mec est cocu et se marie. Bien courageux, mais bon. Ouais, mais il a pardonné, peut-être.
Ouais, bah, je écoute, cache pas, quoi. Il est bien con-con. Ah bah oui, oui. A priori. Il est bien con-con, mais surtout, il est bien cocu, dis donc. De le voir comme ça. Oui. Donc, il se trouve que, là, en décembre dernier, elle s'est séparée de son gars. Ah, elle a peut-être eu marre d'être cocu, lui. Elle a pris maintenant, c'est elle qui est partie. Elle en avait marre de la routine. Le mec, il est vraiment con-con. En plus, le mec se fait larguer. Ah bah, total. Le mec, waouh. Ben, je te jure. Et donc, elle a pris son propre appartement. Et moi, tout ça, si tu veux, j'étais au courant parce que, ben, forcément, j'étais toujours en contact avec elle, ne serait-ce que téléphoniquement parlant, quoi. Ouais. Et donc, quand j'ai appris qu'elle allait se séparer, elle m'avait dit, mais tu vas voir, ça va être super, du moment que je vais avoir mon appartement, on va pouvoir se voir. Et toi, tu t'es dit, allez, c'est reparti comme à l'époque, comme à l'époque, comme à l'époque. Exactement. Ouais, donc, en gros, je vais lui remettre des petits coups, quoi. Oui. Voilà. Sauf qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ah, vous c'est-à-dire pas. Que elle venait me voir un peu chez moi. Alors c'était très très câlin, entrelacé. Il y avait plus qu'à faire, mais sauf que elle a jamais voulu, quoi. Ah ouais. Donc toi, tu devais bander comme un ouf. Tu la prenais dans tes bras et il se passait jamais rien, quoi. Exactement. Ouais. Ou même tu marches dans la rue et elle te tient, elle te tenait par la main, quoi. Elle est chelou, elle. Ouais, mais, c'est... mais les filles, parfois, vous êtes comme ça, hein, c'est mon ami, je le prends par la main, mais alors il se passe rien du tout, alors que nous, on pense qu'il y a une chose, c'est, vous baiser. Non, mais bon, je suis pas le seul à être comme ça. Ah, moi, ça me plaît, les meufs comme ça, moi. T'aimes pas, t'as tout, ah, pourquoi? Ah ouais. Bah non, parce que toi, t'espères trop, tu vois. La meuf, elle te... Ouais, t'es balade, en fait. Ouais, quoi. Non, mais elle te chauffe. Elle te chauffe, et au dernier moment, elle a pas envie de se faire ken, quoi. Donc en gros aujourd'hui c'est quoi, ça fout la haine. Toi t'aimerais repasser le cap et t'aimerais recoucher avec elle et tu sais pas comment passer le cap, c'est ça? Oh c'est même pas ça, moi en fait j'aimerais passer le cap mais bon c'est mort quoi. Pourquoi c'est parce mort que, parce que entre temps elle s'est remis avec un autre gars quoi, si tu veux. Ah ouais, t'as pas de chance, ah putain. En fait t'es devenu le... Il y en a qui disaient il va tomber dans la friend zone, mais je pense que t'es en plein dedans. Ah bah ça y est. T'es en plein dedans, en fait t'es devenu le bon confident, le bon pote. Mais elle te raconte comment elle se fait baiser? Ah complètement ouais. Attends, moi j'avais un pote comme ça moi. Il te racontait comment il se faisait baiser. Non ouais c'était ça. Oh là, Romain de Noir, j'ai un truc à te dire. C'est vrai, comment j'allais baiser. Il me racontait comment il se faisait comment il se faisait plugger à Dubaï. Oh je me suis fait démonter le cul à Dubaï, l'autre il avait un plug, on aurait dit un bras. Oh là il m'a ramonné, t'imagines pas, j'avais le trou de balle, il était ouvert. Je sentais le bout du plug sur mes poumons. Ah là c'était trop bon. Ouais, après voilà, il m'a tous mis la bite dans mon cul. Non, j'avais un peu. En fait, on avait une pote en commun, ouais. Une meuf qui à l'époque j'aurais bien niqué, tu vois. Ouais. Et pareil, j'ai eu moyen, si on s'est roulé quelques pelles, mais c'est tout. Jamais moyen d'aller plus loin, quoi. Mmh. Et elle, donc lui, bon, il aurait pas dit non plus. Mais en fait, lui, il est devenu le confident de la meuf. Et la meuf, en fait, elle se faisait mais dégommer, mais à toute patate. Et en fait, elle lui racontait tout dans les moindres détails. Mais genre, tu sais, il me disait, tu sais, il m'appelait, il me disait, ouais, putain, elle s'est encore fait ken hier. Il était dégoûté. Tu sais, mais il me raconte, mais genre la meuf, elle lui racontait tout. Mais quand je te dis tout, c'est genre ouais, j'ai pris le sperme dans la bouche, ça dégoulinait. Le mec qui m'a baisé, tu sais, ça coulait de ma chatte et compagnie. Donc le mec, lui, bon, mon pote. Oh là, le mec, il m'a baisé, c'est classe. Ça coulait de mon cul, ça s'est mélangé avec ma merde, Romano, t'imagines. On aurait dit un chocolat au lait. Jamais de ta vie. Un café liégeois. Jamais je me fais baiser. Avec la crème chantilly. Oh là, c'était merveilleux. Oui, voilà, après, je lui ai posé un muffin sur le gland. Ah, c'était merveilleux. Merveilleux, l'autre. Non mais et donc moi et salopard tu vois moi des fois je disais vas-y putain raconte et moi il me racontait et moi j'étais en train de bander parce que parce que la meuf elle c'est comme pornu pour toi. Ah ouais non, mais c'est images. Clair mais la meuf elle me faisait et lui je disais putain mais quand elle raconte ça elle me dit ah laisse tomber il me fait je suis obligé de m'écarter d'elle parce que je bande comme un porc. Lui qui mais il m'a dit une fois ouais, tellement elle me racontait les trucs j'ai craché dans mon bed et moi et après des fois ce bâtard il me disait non vas-y ça se fait pas je peux pas te raconter bon le mec je te raconte non mais je lui disais tu sais je lui disais non il était là ouais jure-moi que tu
vas rien lui dire. J'étais là, mais non, t'inquiète, je vais rien lui dire. J'étais là, raconte-moi. Et donc, il me racontait, la meuf, elle lui disait, ouais, hier, j'ai rencontré un mec, il m'a fait ça, ça, on a fait ça. Et tout dans les moindres détails. Et le, parce qu'en fait, la meuf, elle avait une confiance aveugle dans ce mec. Mais je pense que toi, c'est pas. Et, non, mais toi, je pense que c'est pareil, en fait. T'es, lui, mon pote, je te dis direct, il ne l'a jamais niqué. Hein. Mais ah bah voilà, rien de rien. Ah bah bien, voilà. De l'espoir. Voilà Pascal. Que dalle. Hein. Elle lui a raconté. Le mec, c'était des films de cul, mais c'était. Elle lui racontait. Hein, mais sitôt qu'elle se faisait niquer, des fois, elle sortait de chez le mec. Elle appelait mon pote. Hein. Elle lui racontait la totale. Pareil. Ah mais jamais il a jamais s'est passé le moindre truc. Non mais moi je suis d'accord. Tu la niqueras pas. Hein. Je crois que c'est mort. Il a jamais dit. Ouais mais là de raconter ce genre de truc. Oh, enfin, moi, quand je raconte ce genre de truc à un pote, c'est sûr que je le nique pas. Et tu racontes quoi, Marie? Bah, mon meilleur ami, quelquefois, on raconte ça. Alors, dans la ZAD, je me suis fait niquer. Mais un truc de ouf. Bah, t'es avec la ZAD, là. C'était sur un matelas avec des punaises de lit dessus. Non, qu'on avait récupéré, là, en bas, chez un mec. Non, mais je raconte certains détails, tu vois, et je sais pertinemment. Mais quoi, par exemple? Bah, certains détails. Bah, vas-y, bah, donne-nous en un. Allez, donne-nous un détail. Ouais. J'en sais foutrement rien, moi, je vais pas t'inventer un muqué. Truc. Ah, j'ai muqué. J'ai muqué, ça a taché les draps, il y avait comme de la merde. Non, mais t'es con. Hein. Non, si, il y a. Il y a Wahid. Fait un nappage sur le gland. Wahid aussi, je lui raconte quelquefois des trucs, il est choqué. Ah, Wahid que vous retrouvez sur les réseaux sociaux tous les soirs avec nous, le grand Wahid qui est là. C'est ça. Viens voir, Wahid. Pourquoi tu racontes pas l'antenne? Bah oui. Ouais, mais non, mais je raconte des trucs et ça rentre entre nous deux. Non, mais vas-y, bah, raconte un truc. Ouais, mais non, raconter, là, Wahid, là, j'ai rien à te raconter. Vas-y, installe-toi, là, il y a de la place. Vas-y, mets-toi à la place de Guigui. Tiens, voilà. Tu fais la même taille. Viens, on va voir. T'es même plus grand que Guigui. J'ai expliqué que je te racontais quelques fois. Vas-y, Romano et Wahid, mettez-vous côte à côte, les deux, là. Oui, bah, du coup, tu fais pareil à côté. Non, vas-y. De toute façon, je m'en fous, moi, j'ai grandi, j'ai des cheveux. Je fais pas 1m54. Ah, bah ouais. Putain, ouais. En fait, si vous avez pas l'image, mais en fait, le Romano arrive au niveau du nombril de Wahid. Ouais, j'ai le souci. C'est le nombril. Si, ouais. J'ai dit quoi? Nombril. T'as dit du nombril? Bah oui, au niveau du nombril. Ça veut dire que si Wahid dit bande, Romano, il a la bite dans la bouche. Ouais, mais c'est ça. Vivement que tu bandes. Alors bon, Marie, qu'est-ce qu'elle t'a raconté, par exemple? Est-ce qu'elle a déjà, avant de nous dire, est-ce qu'elle t'a déjà raconté des trucs qui t'ont choqué? Ouais, quand même. Ouais, je me lâche avec Wahid. Non, mais genre un truc dark. Vas-y, Wahid. Dark, je sais pas. Mais... Marie, elle lui fait des signes, tais-toi. Je sais le dernier truc que je t'avais dit. Vas-y, raconte quand j'ai muqué. Attends, c'était quoi? C'était par rapport. Dis pas que j'ai chié dans le lit. Non, mais un truc tout con, par exemple, quand tu m'as raconté que tu rasais les couilles de ton meilleur ami. Ah, mais ça nous l'a dit. Ça on savait. Donc, autre chose, ça c'est non valable. Autre chose, ça compte pas. C'est déjà là. Vas-y, oui. Non, mais je crois, un soir, j'avais dit, putain, j'entends plus rien. Il m'a giclé dans l'oreille. J'ai un bouchon de sperme. Non, mais je lui avais dit justement que j'avais avalé et que peut-être c'est ressorti par mes oreilles. Il m'a regardé, il fait, mais ça va pas. J'ai avalé, ça m'est ressorti par les oreilles. Ah, mais qu'est-ce que j'ai pas dit ça? Marie, t'as déjà pris dans la bouche, genre ça a coulé par le nez? Mais non, mais t'as jamais de la vie. Non, mais jamais de la vie, mais je sais que je t'avais dit ça une fois, tu m'avais regardé. Toi. Les oreilles bouchées. Ah oui, non, mais ouais, non, mais. Non, c'est pourtant pas le sperme qui reste. Non, mais j'ai des bouchons de sperme, mais j'avais sorti. Pas. Non, mais elle dit tellement de dingueries que. je les oublie, c'est mieux en fait. Ouais, Cédric, il y a Colonel Charlie qui nous envoie un message et qui vient te défendre. Ouais. Et qui dit: je dément tes propos, dit Foul. Cédric a horreur que je lui crache dans le cul, il préfère avaler mon foutre. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Merci Colo de nous avoir laissé un message par rapport au chocolat liégeois de tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est en, ça. En même temps, pour revenir à Wahid, il m'a déjà envoyé aussi des vidéos. Il y a une vidéo d'un mec là qui joue avec sa bite. D'ailleurs, il a une bite Un mec qui joue avec ta bite, Wahid. Pas avec ma bite, pas avec sa bite. On découvre des choses. Oh, le dossier. Oh là, mais dis pas mon nom. Eh ben, sur des dossiers normaux, tu sors pas les dossiers. Non, mais c'est pas ma bite. Non, mais c'est pas lui. Non, c'est pas moi. C'est pas lui. Mais comme elle l'a dit, c'est vrai que c'était bizarre. C'était ouais, moi j'ai non, pas elle ça. Jamais vu ma bite. Oh là, mais dis pas. Oh là, mais dis pas mon nom. Quel rapport avec vous? Tu vois, c'est ce que je disais. Quand tu parles comme ça à des potes, tu sais que tu n'y crains jamais avec, quoi. Ah bah voilà, Wahid. Ouais, là, tu viens de voilà, te Pascal, faire. Voilà, Pascal, calme. Non, mais encore heureux. Non, mais... Bon, bah dommage. Arrête. Je repars. Tu pourras aller branler. Il est con. En même temps, j'ai l'âge de ta grand-mère. Ah non. Bon, Pascal, a priori, c'est mal. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Sky, Pascal? Mais moi, en fait, je voulais demander que, bon, si. En fait, moi finalement, j'en ai vraiment plein le cul de cette situation. Oui. Et je fais,
J'étais en train de me dire que, limite, je ne voudrais plus avoir de ses nouvelles. Lui demander qu'on ne s'appelle plus et de plus avoir de ses nouvelles. Wow. Mais je me demande si c'est pas trop, trop trash. En fait. Bah, est-ce que c'est une bonne amie, déjà? Est-ce que toi, tu te vois vivre sans les rapports que t'as avec elle, même si c'est pas des rapports sexuels et que c'est ça que tu veux? Ouais, mais en fait, l'amitié de base, elle est déjà biaisée, ouais. Bah, parce que toi, en fait, de base, cette meuf, tu lui parles en espérant la niquer. Parce que sinon, oui. Non mais c'est bien, c'est franc. Ouais, parle-nous franchement. C'est sinon la meuf en soi, tu t'en bats les couilles de ces histoires. Ah oui, complètement. Ouais. Oui, donc c'est pas, en fait, c'est pas vraiment une amie, quoi. Voilà, c'est ça. Après, peut-être, il y a peut-être t'éloigner d'elle, mais pas, t'es pas obligé d'être méchant non plus, tu vois, et lui dire, ouais, vas-y, je m'en bats les couilles de comment tu te fais niquer, tu vois. Bah, au fond, il plus. Dites-nous ce que vous feriez si vous étiez à la place de Pascal. Là. Vous arrêtez l'amitié parce que vous avez trop envie de niquer. Ah, bah, moi, si la meuf, je parle avec elle parce que j'espérais juste la niquer, que je vois que je peux pas la niquer. Après, bon, ça fait longtemps que tu la connais. Oui, mais il s'en bat les couilles. Elle fait quelques pas. Non, mais il l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Elle fait quelque part partie de ta vie un peu. Ah, oui, c'est un peu ça, ouais. Puis, bon, là, en fait, dernièrement, les deux derniers mois, en fait, j'ai l'impression de passer pour une bouche-trousse, tu vois, quand on se. Ah, bah non, t'en bouges pas des trous, t'aimerais bien, mais ouais. Non, mais quand on se voit, c'est par exemple parce que, là, deux heures à tuer, admettons, elle va prendre un train. Ouais. Et puis, elle doit prendre un train à 15 heures, je te dis n'importe quoi. Ouais, moi, ça, je le prendrais mal, ouais. Si la meuf, elle t'appelle quoi, elle en galère. Bon, dis-moi. Oh, tiens, j'ai deux heures à tuer, je me fais chier à la gare, tu veux pas venir. Ouais, mais c'est son pote, donc. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais si la meuf. Non, mais moi, pour moi, c'est pas ça, l'amitié. Moi, je sais pas, un pote, je l'appelle pas juste quand j'ai un moment à tuer, tu vois. Oui, c'est genre, c'est à un moment donné parce que j'ai envie de le voir. Je vais pas l'appeler parce que, tiens, j'ai rien à foutre. Tiens, vas-y, je t'appelle parce que là, j'ai vraiment rien à branler, donc je me fais limite un peu chier. Donc je t'appelle. Sinon je t'appelle pas quand j'ai pas besoin de toi. Oui, bah vu comme ça forcément. Allez, comment vous réagissez si vous êtes à la place de Pascal? On vous attend en direct. Vous laissez vos messages avec votre appli, l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm, et vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Vous faites quoi à la place de Pascal? Les conseils des gars, les conseils des filles. Dans un instant, les nouvelles de Florian. Ah oui, il y a du nouveau dans ton histoire, Flo. Flo en direct de Vanves. Et t'as 23 ans, voilà, c'est ça. Je me disais, il y a 23 là-dedans. Et donc, c'est l'histoire du chien, la meuf que t'as rencontrée, qui a un chien elle aussi. Ouais. Et il y a donc. Dans les bois, c'est ça, ouais. Dans les bois. Et donc, il y a des nouvelles, parce que vous voulez aller plus loin, tu voulais des conseils pour aller plus loin. Des nouvelles. Ouais, bah, du coup, elle vient de m'envoyer un message pour qu'on se voit demain, demain, pareil, à la même heure. Mais elle t'a entendu sur Skyrock? Ouais. Je sais pas, non, je pense pas. Demande, demande. En tout cas, le hasard fait bien les choses. Exactement. Tu bouges pas, Flo. On va y revenir dans un instant avec un petit bilan pour toi. Et puis, vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. On vous attend en direct, hein, 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil. On va attaquer le clash aussi. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, Skyrock en direct tous les soirs, Radio Libre, avec dans un instant le clash de la drague. Vous l'attendez, il est là. Le clash. Et les clashs sont là aussi. Sinon, il n'y a pas de clash, c'est pas de clasheur. C'est logique. Ça coule de source, comme on dit. Bon, pour le reste, vous nous appelez 01 53 40 30 20. Vous avez un truc à dire, vous profitez, vous nous laissez vos messages avec l'appli, le skyrock.fm et le 41759. Les méthodes du clash de ce soir, tiens, on va les découvrir tout de suite. Et on reparlera de l'histoire de Pascal qui est chauffé par sa meuf qui lui raconte plein d'histoires de cul. Il y a plein de messages d'ailleurs, hein, quand on raconte trop d'histoires de cul, c'est jamais très bon, c'est ce que nous dit Johanna la semaine. Ah non, mais on est d'accord. Ah bah pour moi t'es le confident, jamais tu la baiseras. Johanna du 93, salut à toi Jojo. Alors les méthodes du clash, Romano, c'est quoi ta méthode? Non, je voulais laisser mon adversaire perdant. Ah, honneur à ses. Perdant en titre. Ah c'est non, bien. Parce que le dernier clash c'est dimanche et c'est moi qui ai gagné. Donc c'est toi le perdant en fait. Ouais, mais en direct, quoi, tu vas me dire c'était en direct hier avec Vincent, oui. Bon alors, et si tu veux, je vais donner ma méthode. Bon, la femme m'a laissé un petit mot dans ma boîte aux lettres avec une de ses petites culottes. Oh. En me disant qu'elle voulait me voir. Donc ce soir. L'état de la meuf pour te laisser sa petite culotte dans ta boîte aux lettres. Au fond de la petite culotte, elle avait mis son numéro de téléphone. Est-ce qu'il y avait du mucus? Non, parce que sinon j'aurais pas vu du coup le numéro. Ah oui, c'est vrai, le mucus c'est également défaceur. Ça aurait brouillé les pistes. Donc ce soir j'appelle pour prendre rendez-vous, quoi. Très bien. Bon, si je tombe sur un mec, je dirais qu'il m'a laissé un caleçon, quoi. La méthode de la culotte ou du slip dans la boîte aux lettres. Et toi, Cédric, c'est quoi ta méthode? Moi, j'ai très original, t'as jamais fait celle-ci? Non. Ah, original, j'ai bien. Moi, j'ai très mal à la gorge et le médecin il m'a dit que pour me soigner, il fallait ou du sperme. Du sperme. Ou du mucus de la femme. Tu vas manger du sperme?
Bah écoute, si c'est un mec, ouais. Puis si t'as c'est une raison femme, de te faire plaisir, Cédric. On est là pour se faire plaisir tous les soirs. Non, mais enfin, tu te révèles, c'est bien. Mais c'est bien. Ce sera ça, en fait, c'est un clash coming out. Ouais, grave. Bon, le clash, on va attaquer tout de suite. Juste avant, on va prendre des nouvelles de Flo, là, ouais, avec la meuf et le chien. Ah oui. Est-ce que vous en pensez? Donc, t'as rencontré une meuf, elle promène son chien. Je regardais les messages, c'est une super méthode pour faire des rencontres. Sauf quand il y a que des vieilles dans ton quartier. Ça, c'est le message de Titi sur la piste Skyrock du 38. Salut à toi, Titi. Tu changes de quartier. Lui, il y a plus de vieux quand même. Hein. Voilà. Donc, lui, il fait des rencontres, mais avec des vieux. Bon, si t'aimes les grannies, c'est un bon plan. Hein. Ouais, mais... Si t'aimes les grannies, ça peut fonctionner. Ouais, bon, après, les chiens, il y en a tout... des chiens. Moi, je vois vers chez moi, il y a un peu de tous les âges. Hein. Putain, moi, il y a un mec chelou, il a des chiens. Ses chiens, ils jouent avec Medellin, parce que les aime bien. Et le mec, il ouvre pas la bouche. Alors, je sais pas, peut-être qu'il est muet. Ah, moi, il y a un mec. J'ai jamais entendu le son de sa voix. Ah, bah, moi, tu vois, il y a un mec. Ouais, ouais, il dit bonjour. Si, il dit bonjour. Donc, j'ai entendu le son de sa voix, mais. À part ça, pas grand chose. Ah, bah, moi, c'est le contraire. Il y a un mec, moi, je l'esquive maintenant. Parce que, laisse tomber, il me parle. Il est gentil. Ouais, mais il fait mal à la tête. Tu sais, tu viens de te réveiller. Vas-y, laisse-moi tranquille, quoi. Le mec, tu sais, genre, non, mais tu sais, tu vois qu'il gratte trop l'amitié. Tu sais, le mec, il a que ça à faire. Bah, il sert. Ouais, non, mais il est sympa, mais c'est un retraité, tu vois. J'ai autre chose à foutre que d'écouter sa vie, tu vois, pendant une demi-heure. Si tu aimes les granillums. Non, mais surtout, il te raconte quoi? Non, mais il parle, c'est des trucs du quartier, machin, mais tu sais, quand tu viens de te réveiller, t'as pas envie de parler. Moi, je les sors, moi, elles font leur truc, elles jouent un peu, et puis après, tu sais, je les rentre, et puis terminé, tu vois. Ouais. Ça, il y a une technique, si tu veux pas qu'on te parle, parce que moi, dans le train. Il y a les écouteurs, oui. Ouais, ça. Moi, ça m'arrive souvent, tu sais, tu t'installes à côté de quelqu'un. Au bout de deux minutes, l'autre commence à taper la causette, tu dis, ouais, il reste 3h30 de train derrière mon pote. Tu vas me faire chier, tu vas pas me parler pendant 3h, ça va pas le faire. Tu mets les écouteurs direct. Ouais, ça, c'est vrai que c'est assez efficace. Dans les taxis. Ouais, tu sors avec les écouteurs, c'est vrai que c'est assez pratique. Non, mais moi, même dans la rue, j'ai mes écouteurs, même si j'écouterais. Même si tu écouterais, tu les mets, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. T'entends la personne, tu tournes pas la tête, rien, tu traces. C'est une bonne technique, c'est vrai. C'est pas grave. Ouais, ça marche bien. C'est pas mal. Bah ouais, le problème, c'est que j'ai plus d'écouteurs parce que la petite, elle les a bouffés, donc. Ah ouais? Elle les a encore. Elle a bouffé. Non, mais elle a bouffé le câble. Ah ouais? Non, mais quand elle était vraiment toute petite, là, j'avais. Carriole avait, tu sais, à l'ancienne, les oreillettes, la Beats by Dre, là. Ouais. Et tu sais, au bout, il y avait un truc en caoutchouc. Tu sais, le truc pour tenir, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et un jour, putain, je dis, putain, le truc a disparu. Et le lendemain, je vois un truc violet dans la merde. Et mais le truc était intact, hein. J'aurais pu limite, je l'avais, je pouvais l'avoir. Encore la musique qui sortait, quoi. Le pire, c'est les lapins. Le chien, en fait, il avait de la musique à l'intérieur. Non, mais la petite, bah, maintenant elle le fait plus, mais quand elle était vraiment petite, tu sais, elle aimait bien niaquer des trucs. Et un jour, j'avais laissé, tu sais, mes oreillettes traîner sur le canapé, et bon, elle a coupé le câble. En même temps, bon, le câble est pas bien épais. Hein, donc, non, c'est clair. Ouais, le pire, c'est les lapins. Moi, j'ai une copine qui avait un lapin, bon, qui est mort, mais elle en a racheté un pour sa fille. Pour le manger. Oui. Non, mais il lui a bouffé tous les câbles. Ouais, bah, lapin, si tu le laisses en liberté aussi. Une nuit, il était sorti de sa cage et il y avait la télécommande, tu sais, qui était par terre. Elle dormait à l'étage, elle est dans une maison. Mmh. Et en fait, le lapin a allumé la télé, c'était sur un truc, tu vois, avec des coups de feu et tout ça. Elle a flippé sa mère, elle croyait qu'il y avait des gens en dessous. Elle a appelé les flics et tout. Oh merde. C'était juste le lapin. Ouais. Bon. Encore une fille assez bien équilibrée. Mais en fait, c'est un asile, tes amis. C'est un asile. Mais tu vas aller voir où à l'hôpital Sainte-Anne, là. Le truc des zinzins à Paris, là. Mais arrête de raconter. Ah si, elle est dans la chambre 28. Ah bah c'est bien ça, dis donc. Elle est à l'étage. Ah ouais. Mais non, et elle a un ami qu'elle appelle Lapin qui lui vit au rez-de-chaussée. Non, mais parce qu'il se prend pour un lapin. En fait, c'est un mec, en fait. Non, mais même Cédric la connaît. C'est Louis Perret. Ah bah tiens, la référence. Bah, tu vois, ça c'est. Ouais, je la connais. Ouais, tu l'as déjà rencontré. C'est ta meuf, Cédric. Bon, allez. Bon, je pense que ça va, elle. On va donc, ouais, bon, Flo, les messages que vous avez laissés là depuis tout à l'heure, je suis en train de remonter la soirée. Non, mais si la meuf, elle est demandeuse de te revoir, c'est plutôt bon signe. Mais oui. Ouais, bah ouais, elle vient vers toi. Alors, elle est complètement gaga de son chien et il y en a que pour le chien, quoi. Elle vient de me demander mon snap là aussi. Ah ouais, bon, voilà, mon pote, c'est bien engagé là. Je pense que si on prend des nouvelles de toi dans quelques jours. T'as pécho. Je pense que t'as pécho. Si tu fais pas de la merde, ouais, ça devrait le faire. C'est dur de rencontrer des gens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens d'une vingtaine d'années qui ont des chiens. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de vieilles ou autres. Ouais, enfin bon, les chiens c'est assez varié, hein, t'as de tout qui ont des chiens. Ouais, oui, c'est vrai. Mais
Non, mais je pense que c'est bien engagé ton histoire là. Ouais, ah ouais, ouais. Ça pue bon. Peut-être pas trop de faire de faux espoirs. Mais non, mais ça va. Invite-la chez toi. Invite-la chez toi direct à la maison. Ça c'est. Ça, donc ça c'est ouais bah tu sois peut-être pas non plus trop cash ouais, c'est ça c'est qui tout double hein. Non mais attends la meuf elle t'a demandé son snap là, elle a pas dit je te paye mon cul ouais. Non plus tu vois ouais non, bah, non, c'est peut-être mollo tu c'est vois trop direct, c'est trop direct ça. Moi je pense que le premier rendez-vous faut le faire dans un endroit neutre genre un café ou bon c'est ce qui revient le plus hein, après le la balade vous allez prendre un petit verre tu vois un truc parce que la meuf direct si tu lui dis vas-y on va chez moi bon non ouais ça va pas ça fait un peu mec c'est vraiment le mec en chien c'est le cas de le dire mais peut-être ça peut marcher si elle te dit oui là si elle te dit oui t'es sûr que ça va ouais mais ça peut la meuf non mais ouais faut pas le faire ouais. Bon, le doute. Tu prends un petit café, je sais pas, envoie-lui un petit ouais, message. Ouais, on va se poser un truc dans Paris. Même quand tu fais la promenade avec le chien, ouais. Tu dis bah tiens, on va se prendre un petit café tous les deux. C'est une bonne idée l'idée de Samy là. J'ai pas déjeuné ce matin, tout ça. Un petit plan shopping pour les animaux. Non, c'est l'idée de Tifoul ça. Je vais chercher les croquettes. Ouais, mais à la limite maintenant, il y a même plus besoin là, parce que là c'est, bon. c'est cuit, hein, donc. Là, tu prends un verre vers le bois. Il y a un café vers le bois. Ah oui, c'est dans le bois, il y a pas de fou, mais il y en a. Bah, tu vas trouver à côté. Tu me proposes n'importe quoi, va accepter de toute façon. Bah oui. C'est du tout cuit. Bon. Oui, non, je pense qu'on fera un truc. T'amènes la thermos de café, tu bois ça sur un tronc d'arbre. Avec un plaid, là, sur un tronc d'arbre. C'est vrai, c'est moins cher. Bon, tu nous tiens au courant, on te repassera un petit coup de fil. Hein. Ouais, pas de soucis, je vous tiens au jus. Et puis, moi je te dis que ça va marcher, moi, ton histoire. Ouais. Tu vas ken dans le bois, t'inquiète. Merci en tout cas du coup de fil, Flo. Pas de soucis, allez, tu bonne soirée. Et on prend des nouvelles très très vite. Là. Ciao, mec. Allez, à demain moi, matin. Je fais à Paris d'ici la semaine prochaine, c'est fait. Si, ouais, et puis à demain matin, exactement, Flo. Bon, on t'embrasse. Salut, allez, Flo. On t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. Oui. Salut à toi, Flo. Et bisous à ton chien. Et bisous à la meuf aussi, tant qu'à faire. Bon, on revient dans un instant à Pascal de Toulon. À vous tous et vous toutes en direct tout au long de la soirée. Vous avez la parole, vous nous appelez, on vous attend. Et puis là, on va clasher, clash de la drague, comme promis, on y va. Chevelu à moumoute, Cédric. Quatre moutons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Tiens, on salue Paul qui va passer un bac blanc demain. Viens de détendre en écoutant le clash, tu vois, ça va te faire du bien. Oh, bon courage, quelle horreur. Ouais. L'angoisse. C'est la pire année de ma vie, moi, la terminale. Le bac blanc, t'aimais pas? Ah, la terminale tout court, j'ai détesté. C'était la pire année de ma vie. J'en pouvais plus de l'école. C'était l'enfer. Romano te motive, Paul. Merci pour ton message. Bon, vous avez les méthodes du clash. On a les méthodes. On va passer directement à l'attaque là, à l'attaque des familles. Cédric, c'est à toi. C'est parti. Bonne chance, Cédric. Bonne chance, Romano. Romano, c'est la méthode du slip ou de la culotte dans la boîte aux lettres. C'est ça, avec le numéro. Donc j'appelle pour le rendez-vous. Et Cédric, ta méthode? J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge et je veux du sperme. Si elle dort. S'il y a une femme, je fais un cunis et si c'est un homme, voilà. Allô? Allô? Oui? Eric? Oui? Bonsoir, comment ça va mon petit Eric? Mais c'est qui? C'est Dominique? C'est Dominique. Bah ça va toi? Bah ça va ouais. Pourquoi? Ouais. Dis-moi, je t'appelle parce que là, tu sais, je suis enrhumé, là, je suis malade. Et je suis allé chez le médecin, ils avaient plus de sirop à la pharmacie. Du coup, la pharmacienne, elle m'a dit que si je faisais un cunis à ta femme, ça pouvait faire l'affaire. Pour ce soir. Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? T'as bu ou quoi là? Ah non, j'ai pas bu, je te jure, j'ai super mal à la gorge. J'ai, comme ils ont pas de sirop là avant 2-3 jours, ils m'ont dit. Non, mais moi j'ai pas de sirop là, y a pas de sirop chez moi, c'est bon quoi. Non, ah, mais je fais un cunis à ta femme. Hein? Ma femme est morte. Donc, écoute. Désolé, sinon je te fais l'amour. Je te taille une pipe à toi, tiens. Non, mais oh, vous avez un autre affaire là? Qui faire des conneries comme ça là? Je veux venir à la maison, Eric. Ouais, sûrement pas, non. Pourquoi? Parce que. Ah, je suis malade, tu peux me soigner ou moi? Qui a m'appelé, vous allez voir les putes, ou ce que vous voulez, arrêtez de me faire chier. Très bonne idée, d'aller voir la pute. Moi, je vais te faire un câlin à toi. Non, parce que moi, je rigole pas, là. Je rigole pas avec des blagues comme ça, alors. Mais je vais te faire un câlin à toi. La prochaine fois, j'appelle les flics. Hein, ça va te faire drôle, un petit peu. Bah, on peut faire l'amour avec les flics, si tu veux. Eh, pauvre con. Ouais, oh, ça va? Non, il n'y a pas d'Eric, parce que moi quand on me parle comme ça, il n'y a pas d'Eric. Bah, je vais te faire un câlin. Surtout quand tu parles de ma femme. Bah, j'ai besoin de te faire l'amour, Eric, moi, tu sais. Je suis malade, tu sais, je perds la tête, moi. Ah, perds la tête, sûr. Et c'est tout. Bah, j'arrive à la maison, je te fais l'amour.
Putain, elle va te palucher, gros con. Ouais, oh, pourquoi? Elle va te palucher, man. Et bam. Voilà, et bam, et bim, et bim. Ah, et boum. Flip, flip, flap, flop. Boom. Et flop, le Cédric. Gros ratage. Ouais, ouais. Bon, pour vous rassurer, on avait eu sa dame juste avant. Hein. Ouais. Ouais. Et quand on fait les tests au téléphone, on demande ton mari est là, ta femme est là. Oui, bien sûr. Bah, les vérifications ont été faites. Ont été faites, bien sûr. Bah, toujours. Et le flop, le flip, flap, flop du jour a été fait pour le premier de la soirée. Ouais. Pif, plaf, plouf. Ah, ça arrive, qu'est-ce que je te dis? Et flop, et flip, flap, flop. Ah, elle voulait pas faire l'amour. Non, non, ça va. Mais mouche-toi aussi. Mais non, mais j'arrive pas, j'ai. Tu sais, même t'arrives pas, mais prends un mouchoir. Même les gosses, ils s'arrêtent de moucher. Ah là, mais quand je me bouge, ça sort pas, rien. Oh non. C'est quoi? Mais fais pas de bruit avec ta bouche. Rien qui sort. C'est mon cul. Karim, avec ta gosse, la Liliane. T'as pas un tire-morve? Non, j'en ai pas encore, gros, elle a pas de morve, gros. Pas ah ouais, ouais. Bah, chez-en un pour Cédric. Ouais, ouais, tu peux le traiter, après pour ma gosse. Non, mais Marie, toi, t'as été mère, tu sais faire les tirs morves. Non, mais il n'y en avait pas. Allô, allô, allô. J'en avais pas, moi. Allô. Elle faisait à la bouche. Allô, Sébastien. Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va? C'est Jean-Louis là, l'appareil. Là, j'habite dans le quartier. Excuse-moi de te déranger. En fait, je t'explique la situation brièvement. Là, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une culotte de ta femme avec, avec ton numéro. Allô? Ouais. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'elle a envie de moi. Tu crois que je peux passer ce soir pour la satisfaire? Ouais, viens. Ouais, je vais venir. Comme ça, je vais m'occuper d'elle. Bah, je, avant de lui remettre sa culotte, bah, je vais bien lui faire l'amour là. Mmh. Et puis après, une fois qu'elle est pleine, bah, je lui remets sa culotte. Comme ça, ça coulera dedans. Ok. Vas-y. Tu veux que je t'enfile toi aussi? Ouais, ouais, vas-y, bah écoute, c'est super sympa. Mais Sébastien, c'est vraiment cool de ta part. Bah, je suis là dans 5 minutes, le temps que je me lave le sexe. Tout de suite. À tout de suite, bisous. Bon, bisous, bisous. Ah ouais. Double serrage. Et bim, et bam, et boum, et bim, bam, boum. C'était clair. Après le flip, flap, flop de tout à l'heure, on fait un bim, bam, boum, maintenant double serrage. Ouais, mais de toute façon, moi je préfère quand c'est Karim qui fait les numéros, Samy, il envoie mal les prénoms. Je préfère, bah, c'est normal. Je pense que la soirée tu vas gagner du coup. J'espère. Cédric, attention, Romain. Allez, vas-y, on va faire un double serrage. Ouais, parce que le premier tour du foot. Toi, t'as exactement fait un échec cuisant. Oui. Anthony. Allô. Oui. Anthony. Oui. Bah, bonsoir, comment ça va? C'est qui? Bah, c'est Michel au téléphone, le voisin. Il n'y a pas de Michel comme voisin. Bah, si, y a moi. La preuve. Tu me casses tes couilles là, c'est ça? Bah, je te casse pas les couilles, je t'appelle parce que je suis malade et le médecin m'a dit de. Comme il n'y avait plus de sirop à la pharmacie, il m'a dit de venir voir pour te bouffer le cul, ça pouvait faire l'affaire. Ça va crever, connard. Bah, oh, ça va, Anthony, ça qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Putain, tu pourrais me dépanner au moins. Salaud. Ça va crever. Bah, je peux venir à la maison. Bah, viens, je t'attends. Viens, ouais, bah, écoute, prépare-toi, cambre-toi, j'arrive, mon chéri. Ouais. Ce soir, je te fais l'amour et puis comme ça va me soigner, tiens. Ouais, c'est bien, on va rigoler. Bah allez, on va s'éclater. Bah, j'arrive tout de suite, mon chéri. Écoute, prépare ton Nunus. A tout de suite. Bravo, Cédric. Bisous. Et voilà. Tu voulais bravo, bah, bravo, là, t'as fait bravo, un retour de. Ah, c'est une invitation. Puis, bah, une invitation. T'es passé d'un quasi-recalage. Ouais. Bah, voilà. Il a retourné la situation. Ouais. Bah, d'un va crever quand même. Et on était toujours dans les pompes funèbres avec Cédric. On avait du va crever après le premier coup de fil. Cédric, c'est un peu le thème de la soirée. T'as vu un peu? Mais c'est bien une invitation. Merci. Tu remontes. De la Toussaint, ça aurait été bien. Mais bon, là, c'est pas du tout la. Ah, c'est pas là, oui. C'est vrai qu'il faudra cacher. C'est bientôt pas cacher. Bon. C'est vrai que, ouais, c'est bientôt. Ouais, c'est vrai que c'est à la fin du mois, Pâques. Ah oui, mais c'est pas la Toussaint à la fin du mois, non. Non, la Toussaint, c'est fin octobre, début novembre. Donc, Bon, c'est bien. Alors, on en est à. On est au deuxième tour de Romano. Ouais. Exactement. On the right. Il y a Chétan qui nous dit, mais il n'y a rien de Chétan. Sexe dans ton appel, Cédric. Bah, si, je vais lui bouffer le cul, c'est quoi ça? Oui, mais il était si pas. Si je te bouffe le cul, non, mais il n'est pas du sexuel. Nécrophile, Cédric, tu es répugnant, nous dit Moumout Style. C'est Moumout Style qui nous envoie le message. N'importe quoi. Deuxième tour, Romano, à toi. Avec la culotte dans la boîte aux lettres qui t'a déjà valu un double serrage. J'espère qu'un deuxième arrive. On va voir. I hope. J'espère, en anglais. Ah, I hope, t'as merci. Dit. Merci. Ah, pas mal. je vous n'avez pas compris. I hope. I hope. Bonjour. Hope. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui? C'est François? Oui? Oui, bonsoir, comment il va? Ça va. Ça va, ça va. La petite femme aussi? Oui, ça va, ça va. Ouais, dis voir, parce que dis donc, la coquine, tu sais ce qu'elle m'a fait comme blague? Quoi, comme blague? Façon de parler? Elle m'a mis une de ses culottes dans ma boîte aux lettres avec son numéro. Hey. Ta femme. François. Oui. Oui, donc je crois qu'elle a envie que je lui fasse l'amour. Je peux passer ce soir? C'est quoi cette blague? Bah non, mais elle m'a laissé une culotte. D'ailleurs, la culotte, elle sent sa moule. Oh.
et je vais venir lui faire la bourse ce soir, ça m'a excité. C'est bon, ça. Ah, ah non. Tu l'as achevé avec elle sans sa boule. T'aurais pas dû y aller aussi direct. C'est un peu violent là. Cette culotte, elle s'en rend. Il y a pire que ça. Ah là là, quelle violence. Ah là là, mais tu me chasses. Vraiment. Pour draguer, pour draguer. T'aurais dû lui dire, ça sent le mucus, c'est beaucoup plus délicat. À mort. Sa culotte sent le mucus. T'aurais voulu que je le dise comment, Marie? Ça sent quoi? Ça sent le mucus. Sa minette. Oui, bah ça sent sa moule, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ouais, c'est pareil. On peut dire ça sent sa chute. Troisième tour ou pas, man? Ouais, troisième tour. Et là, du coup, tu fais pas flip flap flop. Si, flip flap flop, si tu veux. Le mec, il est complètement parano, votre ami. Hein. Bah, je l'attends depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, troisième tour. C'est vrai. Emmanuel? Allô, Emmanuel? Oui. Comment ça va? C'est qui est-ce? Bah, c'est Michel, un de tes voisins. Tu vas bien, mon chéri? Allô? Ouais. Oui. J'habite à côté de chez toi. Dis-moi, je t'appelle parce que tu sais, j'étais chez le médecin aujourd'hui, là, je suis malade. Et je suis parti à la pharmacie, ils ont plus de sirop pour ma gorge. Du coup, la pharmacienne, elle m'a dit que si je venais, que je prenais du jus de cordon, ça pouvait faire l'affaire. Pour ce soir. Allô? Oui. Ouais. Tu m'entends bien ou pas? Oui. Ah, ce que j'entends derrière sa gueule, là. Oui. Bon, je peux venir à la maison? Oui. Non. Allô? Ah non. Oui. Ouais, je peux venir? Oui. On peut faire la bourre? Oui, si tu veux, ouais. Bon, bah super. Bah prépare tes fesses alors, hein. Ouais, je te fais une petite gâterie, puis après, bah, je te ferai l'amour. Je te mettrai mon gros sexe dans tes fesses. Ok. Bon, bah tout de suite, mon coquin. Ouais, bah ça nous occupera. Bah voilà, on passera le temps. Allez, bisous, mon chéri. Ça marche. Prépare ton Nunus, à tout de suite. Très bien. Merci. Très bien. Et bah, beau serrage, Cédric. Bravo. Incroyable. Bravo. Donc, t'as une invitation et un serrage. Et voilà. Ah, t'as fait une remontada incroyable. C'est beau. Mais merci, c'est pas fini pour Romano. Attention. Même en serrant l'appel, il déprime. Mais non, il fait bien cet appel. Bah, alors, il y avait un serrage. Mais qu'a dit oui. Et après, elle a dit, ça fera passer de temps, on va s'amuser, tout ça. Oui, bah, c'est bon, on a entendu. C'est bien. On va nous faire l'appel en entier, le con. Bah, alors, connard, tu faisais le résumé. Je termine le résumé, moi. Bah, non, mais c'est bon, j'ai entendu. Désastre. Alors, troisième tour, Romano, à toi. Désastre pour toi. Après ton double serrage de tout à l'heure. Allô, allô. C'est Pascal? Oui. Oui, comment il va? C'est qui? C'est Jean-Louis, un copain de ta femme, elle est là? Non, elle est pas là. Elle est où? Où qu'elle est? Ta femme? Pascal? Parce qu'elle m'a laissé une culotte à elle qui sentait la moule dans ma boîte aux lettres. Trouvez le numéro, au revoir. Non mais Pascal, il faut que je vienne lui faire l'amour, hein. Il est parti. Y'a pas de femme ou quoi? Pascal. Il est là. Pascal, je vais venir te faire l'amour à toi alors. Dans ce coup-ci, il est parti. Aïe, putain de merde. Alors. Il est parti. Alors. Putain de merde. Pour un petit bilan, là on en est à double serrage. Pour moi, ouais. Dès le premier tour. Une invitation et un serrage pour Cédric. Ouais. Moi, je propose un tour de la mort. Est-ce qu'on fait le tour de la mort? Assez d'appels. Est-ce que je partage tout ça? C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on fait un tour de la mort? Oui, allez, on va faire le tour de la mort. Le tour de la mort. Ça répond pas. Et après, vous votez pour votre préféré. Attendez un peu avant de voter, là, parce qu'il y a plein de messages que vous nous laissez. Vous attendez juste le tour de la mort et après, vous pourrez voter pour votre préféré. Tour de la mort, ça répond. Ça répond pas. Allô? Ça répond pas. Allô? Et ça répond. Tu m'entends? Allô? Kylian? Oui. Ça va, mon Kiki? Tu m'entends? Kiki? Bah, c'est Michel, un de tes voisins. Bah. Tu m'entends bien ou pas? Il est parti, Kylian. Oh putain. Mais ça a répondu. Ouais. Ça répond. Elle a répondu. Ça répond, mais ça. C'était quand même navrant. C'était navrant, mais ça a répondu. Ouais, c'est pas grave, j'ai fait un serrage juste avant, tu sais. Alors, le tour de la mort de Romano, c'est pour toi. Allô? Oui, allô? Ouais, c'est Marco? Oui. Ouais, comment il va? C'est qui? Bon, dis-moi, ta femme, elle est là? Marco? Ça répond là aussi. Eh là, ça raccroche. Ouais. Putain, merde. Ça répond. Mais tu demandes si leur femme, elle est là. Ils sont tous traumatisés ou quoi? Ouais, ils ont peur. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, ça. Alors, Jérém nous dit Kylian n'a pas répondu car il prépare son match pour demain soir. Ça doit être ça. Son départ au Real Madrid. En tout cas, il a déjà acheté des belles lunettes de soleil pour le magnifique Madrid. Très belle. Bon, alors. Top vote. Vous votez pour Romano, vous votez pour Cédric. Je préférais peut-être les appels quand c'était Samy qui les faisait. Tu vois. À choisir. Bon, pour avec ce qu'on a, mais. Bon, bah, mes amours, c'est moi qui déclare en premier.
Oh bah vas-y. Allez, je déclare en premier. Eh bien mes amours, ce soir, double serrage direct dès le premier tour. Bim bam boum. Bon, ensuite ça s'est un petit peu gâté, mais ne retenons que le positif. Ce magnifique double serrage. Je me tape la femme avec sa belle culotte toute mouillée, et ensuite je me tape l'homme. Toute mouillée. Eh bien pour ça, ce soir mes amours, il faut voter quoi? Il faut voter Romano, R-O-M-A-N-O. Ouais. Attention, Cédric, ta déclaration. Ben ce soir la famille, moi j'y étais progressivement. Premier tour réchauffement, deuxième tour invitation, j'étais chez Anthony et on a fini par un vrai serrage, un putain de serrage chez Emmanuel. Pour ça la famille, n'hésitez pas à voter Cédric, C-E-D-R-U-C. Même malade, je suis venu faire mon clash. Pour ça soutenez-moi, je vous aime très très fort. Ça va, t'as un rhume, t'as pas faire chier. Ben, je suis malade. Malade. Faire chier quand t'as une grippe. Ben, moi je suis jamais toujours là moi. Non mais une grippe, non, bon, non, c'est un peu plus. Même avec une grippe, c'est un peu. Je viens contaminer l'ensemble de l'équipe par plaisir. C'est sympa. Non, il y a un soir où t'es pas venu. Non, bah non, je suis bah toujours si. Là. Il y a toujours. Il y a toujours quand est-ce que vous avez fait l'émission sans moi? Hein, quand t'es bah, dans ta gueule. Prends ça dans la gueule. Bah, si, t'étais malade. Bah, vous avez fait l'émission sans moi? Bah, tu me la retrouves, celle-ci, tiens. Bah, pas de problème. Bah, vas-y, Cédric. Ouais, je vais te la retrouver. Non, mais l'émission entière sans Difool. Quel gros mytho. Non, mais gros, jamais. Des icônes, quoi. Bien sûr que si. Mais quand? Non, mais l'émission entière sans Difool. Ouais. En direct? Ah, bah, ouais. Jamais, gros, mais t'es ouf. Hein? Bah écoute, moi je devais pas être là non plus parce que Non. Cédric, mais non mais Cédric, ce que tu mets sur ta feuille, je te dis en direct et le mec, je lui dis en direct, oui. Sur sa feuille il met best of. Oui, bah qu'on part en vacances, oui, c'est. Non plus t'es pas là, Cédric. Tu grimouilles. T'es vraiment un trou du cul. Ouais. Non, t'étais malade, on a fait un best of. Bah t'étais malade, on a fait un best of, je m'en souviens. Ah bah je m'en souviens. Voilà. Ah oui, mais c'était un best-of quand même. Bah, c'est pas là. Oui, mais on n'a pas fait l'émission sans Difool. Non, bah non, mais. T'as remarqué le samedi, il est pas là aussi. Mais qu'est-ce que t'es marrant en samedi. Plus. Bon, alors ça vote, c'est parti. Ça vote pour Cédric, pour Nelly. Ah, dimanche soir, il y a Vincent qui est avec nous. Non, mais c'était pour prouver que Difool était pas là. Je vote pour Cédric, vive la Belgique. Ozymandias du 37. Faut voter Romano, mes amours. Il vote pour toi, Romano. J'en vois beaucoup pour mon adversaire. F31 qui est belge, vote pour Romano. Brandy, je vote Cédric. Merci l'ami. Denim, il vote pour Romano. Ah, c'est partagé. Il y a Nathan qui vote pour Cédric, la légende, The Legend. Merci pour, la famille, merci. Pour Cédric. Nathan. Bon, on vous laisse. Allez, on vous laisse 5 minutes. Allez, votez Romano. Un peu moins maintenant, donc dépêchez-vous. Vite. Bah, votez Romano quand même. Vote Cédric. Votez votre préféré. Le Golemont, votre Romano, t'es content? Oh, grave. Le Marco du 66, il vote pour Cédric, t'es content? Moins. Ouais, Romano, c'est l'Anaconda. L'Anaconda. Ça, c'est bien ça, je suis content. Salut à toi, l'Anaconda. Brian Hoff, il vote pour toi, Romano. Merci. Coco du 27. Non, Coco 27 ans, il vote pour Cédric. Bon, ça va. Merci, l'ami. À vous de gérer. Vite. Et attention au spamming. Oh là là, on vous attend en direct. C'est très bien. Tout au long de cette soirée. Tout va, quoi. Vous avez la parole, vous profitez, vous avez un truc à nous dire, un service à demander, une story à nous raconter. On vous attend tout au long de cette soirée. Romano, tu veux que je te ramène ma fille quand? Jamais. Pourquoi? Ah, tu vas pas ramener là. C'est que j'ai vu ce Romano, elle est toute petite. Ah non, vas-y, c'est bon. Elle est mignonne. Hein. Vas-y, ouais, nous, on l'a pas vu. Elle m'a fait des ouais, non, mais je vais te la ramener. Bah, Cédric va la voir chez elle. Non, il vient pas chez moi, je vais la ramener là. Non, mais je veux pas aller chez toi. Non, mais là, ici, c'est pas propre. Mais si c'est une zone contaminée, c'est pas un staphylocoque, t'as la pauvre. Si c'est une zone contaminée, tu sais. Cédric est là quand même. Mais si c'est propre. Ça, la moquette, elle est. Alors. Regarde, je suis malade. Bon, il y a Pascal qu'on est en ligne avec nous. Alors, Pascal, on va voir le verdict. On vous a demandé qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans la position de Pascal. Donc, Pascal, oui, avec la meuf. T'as une pote que avec laquelle t'as. Enfin, vous avez baisé vous avez baisé. Bon, ça date maintenant. Ouais, en fait, ça fait un moment. Ouais. Mais il y a longtemps. Et puis, bon, voilà, elle était avec son mec. Elle s'est même mariée avec. Elle s'est séparée de lui en décembre. Et là, tu t'es dit, parce qu'elle t'excite un peu, eh ben, je vais tenter mon coup et on va faire des trucs. Exactement. Et depuis, elle continue de te raconter toutes ces histoires de cul parce qu'elle te parle. Mais dans les détails. Elle te parle de ces histoires de cul, dans les détails et tout. Mais qu'est-ce qu'elle t'a raconté, le truc le plus fou qu'elle ait fait niveau cul, c'est quoi qu'elle t'a raconté, Pascal? Oh, niveau cul, bon, pas de truc de fou, mais en fait, chaque fois qu'elle se fait une soirée ou quoi, bon, déjà, comme elle est super jolie, et puis bon, apparemment, vaginalement sociable, quoi. Voilà. C'est bien dit, ça. J'aime bien vaginalement sociable. C'est charmant. C'est pas mal. Voilà, hein, pour rester élégant, quoi. Oui. Eh ben, chaque fois qu'elle sort, elle se ramène un gars, puis bon, ben voilà, elle m'explique comment ça s'est passé, il était bien, pas bien, le sperme pâteux, pas pâteux, etc. Ah, ouais. Ah ouais, elle rentre dans les détails, le sperme pâteux, pas pâteux. Ah, putain, t'imagines. La meuf fait un faux. Ah, non, c'est... Et toi, tu dois bander, toi, mais... Mais complètement, quoi. Bah oui, on imagine.
Moi, je suis fou et je me rends fou parce que je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas toi? Et là, donc, elle s'est séparée du mec et là, tu t'es dit, c'est bon, ça va rouler, je vais aller chez elle, ouais. Tu l'as invitée chez toi. Et là, malheureusement, oui. Eh ben, elle s'en est retrouvée un autre, dis donc. Mais et pas voilà, toi. Exactement. Et pas moi. Eh oui. Ouais, puis elle s'est amusée avant et tout ça. Donc, si elle avait eu envie, elle l'aurait déjà fait. Hein. Moi, je pense que c'est mort ton truc. Bon, ouais, moi aussi. Pas de soucis, ouais. Ouais, bah, il y en a plusieurs qui nous disent ça. Ouais, je suis désolé, Pascal. Ouais, désolé. Hein. J'aurais préféré t'annoncer la nouvelle autrement, mais c'est vrai que sur la majeure partie des messages que vous nous avez envoyés là depuis tout à l'heure, c'est mort. Et même, il y en a qui ont vécu exactement la même chose. Non, mais en plus, elle a pas l'air farouche. Donc, tu vois, des fois, tu peux tomber sur une meuf, entre guillemets, qui se donne pas comme ça direct, tu vois. Mmh. Mais là, a priori, la meuf, elle y va, a priori, avec tout le monde, sauf avec toi, quoi. Bah, il y a Eden qui a eu exactement le même truc, lui. Il était confident d'une meuf, jamais j'ai pu la serrer. C'est même mon frère qui se l'est tapé, donc tu vois, t'imagines. Ah bah, super. Toi en plus, t'es dégoûté. Moi, je pense que c'est no way. C'est le message de Nour sur la piste Skyrock, Nour du 13. Salut à toi. Malheureusement, j'en ai bien conscience que c'est mort. Mais toi aussi, tu penses, ouais. Oui, mais bien entendu. Ouais. Mais moi maintenant, enfin, ma question, c'est est-ce que réellement je dois rester en contact avec cette fille ou vraiment lui dire allez maintenant basta, fais ta vie de ton côté. Non, mais ou alors tu sais un truc tout con à faire. Hein. Un truc basique, c'est au fur et à mesure tu fais le mort, c'est-à-dire qu'elle t'appelle, tu lui réponds moins, machin. Puis voilà, tu sais, au bout d'un moment, la meuf, elle va arrêter de t'appeler. Bah, si t'as envie, tu laisses pourrir le truc. Moi, je pense que ça sert à rien d'être, entre guillemets, désagréable avec elle, tu vois. T'as pas besoin d'être désagréable avec elle. Ouais, tu vois. La meuf, au final, elle t'a rien fait, elle veut juste pas baiser avec toi, quoi. Non, mais t'y arriveras pas. Regarde Ernie, nous dit, la 24 heures, Ernie, nous dit, moi, j'étais dans le même cas, avec une meuf du bahut, et c'est désespérant. C'est un coup dur pour les pauvres du 44 23 ans. Et si t'as juste envie de la baiser, ça sert à rien que ce soit ton ami. Ça, c'est un message. Un message qui est assez cash, mais c'est un message de what the fuck sur l'appli Skyrock. Non, mais il y a ami et ami, tu vois. Non, mais il n'y a pas envie. Est-ce que t'as vraiment envie de continuer à discuter avec elle en sachant que que ça ira jamais plus loin? Ah. Allô, Pascal, tu es là? Il est tombé carrément. Pascal, j'ai achevé. Pascal, Vladadam. Merde, j'ai achevé Pascal. T'aurais juste d'y penser. Parce que ça, c'est la vraie question. Est-ce que t'as envie de rester ami avec elle? Bah, il faudrait qu'il nique. En sachant que. Non, mais Marie. Non, mais qu'il nique avec quelqu'un d'autre. En sachant qu'il se passera jamais rien. Non, mais moi, je pense que je te dis, de base, l'amitié, elle est pas sincère. Ouais, c'est ce que je te disais, ouais. En fait, l'amitié, elle est basée sur le fait que tu puisses la niquer. La meuf, tu peux pas la niquer. Bon, bah, voilà. Ça sert pas à grand chose. Même tout à l'heure, je lui ai déjà posé la question à Pascal. Il a dit clairement que bon. L'échange n'est pas égal. Ouais. Non, mais de base, cette meuf, il n'aurait pas été lui parler s'il n'avait pas eu envie de la niquer au tout début, tu vois. Ça, c'est pas faux. Ouais. Non, mais il l'a dit lui-même, de toute façon. Donc l'amitié, elle est déjà faussée dès le départ. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est vrai que c'est pas faux. Moi, je sais qu'en général, les fois où ça m'est arrivé, tu sais, où j'étais sur une meuf et la meuf, j'ai senti qu'il n'y aurait pas moyen de la niquer, vu que je l'avais connue par rapport à ça, tu sais, je voyais plus trop d'intérêt à continuer à être pote avec elle. Ah ouais, il y avait que ça, en fait. Ah bah oui, non, il y a que ça, oui. Bon. Tu sais, la meuf, tu la travailles, t'espères qu'une seule chose, c'est qu'un jour, elle cède à mon charme. Mais bon, elle avait pas cédé. Non, elle avait pas cédé. Je pense qu'il y a des problèmes de vue. Bon, vous avez vu, on a eu une histoire bien engagée, c'était l'histoire de Flo tout à l'heure avec le chien. Ouais. Là, par contre, on est un petit peu plus négatif, on est un petit peu plus négatif. Pascal, et puis là, tout le temps, ça aurait dû se faire. Pascal. Bon, Pascal, on t'a retrouvé, je repose la question. Est-ce que t'as envie de continuer à la voir, sachant que tu la niqueras jamais? Voilà, c'est la vraie question. D'accord. Ok. Ah, la réponse. Non, mais ça voulait tout dire, ton. C'est dégonflé. Ouais, bon. En fait, t'es comme Romano. Ouais, ouais, c'est. Ouais, c'est bon. Salut, quoi. Ouais. Bon. Eh bien, écoute. Trouve-toi une autre meuf, hein. Ouais. Oui, bah là, de toute façon, on va pas y avoir le choix. Ah, hein, c'est clair. Oui, c'est vrai. Ouais, faut trouver une autre meuf. Peut-être qu'elle sera jalouse et que ça va l'exciter et qu'elle aura envie de niquer avec toi après. Ça, c'est possible. Et t'es même qu'il plus que ça, quoi. Ouais, c'est genre, trouves une meuf et c'est là qu'elle veut niquer avec toi. Il y a Chichong qui nous dit, moi, je suis au boulot, l'équipe. Je disais, si c'est vraiment son confident et qu'elle peut pas s'en passer, il lui fait du chantage. Soit elle ken, soit c'est fini. Non, mais n'importe quoi, non, c'est quoi ça? Mais jamais la vie, tu vas pas faire un chantage. Ah, bah, c'est Chichong, là. Bon, merci en tout cas pour. Là ou alors vraiment si t'es proche d'elle, bon, après ça fait un peu plaque de beauf, mais quand elle te parle du sperme pâteux, tu lui dis le mien, tu veux pas le goûter? Ah ouais, c'est vraiment une graine de beauf. J'aimerais que tu me dises comment tu le trouves, est-ce qu'il est pâteux ou pas. Après la meuf, si t'es vraiment proche d'elle, tu vois, sans lui faire même des blagues comme ça, mais tu peux déjà lui dire genre putain, tu sais, ça m'excite. La meuf t'explique si le sperme est pâteux. Tu sors des trucs comme ça. Vous en parlez du sperme avec vos copines, Marie?
Parce que moi, j'en ai parlé. D'ailleurs, avec Waïd, je crois. J'en ai parlé là, hier avec maman. Oui. Non. On était en train de manger un dessert. N'importe quoi. C'était du riz au lait. Je me suis dit, il est goûtu le riz au lait. Ça me rappelle le sperme de mon mec avec des grumeaux non, à l'intérieur. Bah, arrête. Non, mais c'est vrai quoi, c'est différent. Ouais, mais de là à rentrer dans les détails. Ah, mais je rentre pas dans les détails, copines, certainement pas avec ma mère. Mais tes copines, elles... ouais, non, pas avec ta mère, mais avec tes copines, tu leur dis, ouais, lui, il est spermé pâteux ou. Ouais, ouais, on a déjà parlé. Ah ouais, ouais. Mais t'en parles, genre, avec ton fils aussi? Mais ça va pas, non. Non, mais je sais pas, t'es pas. D'ailleurs, mon fils, c'est sperme très pâteux. Non, mais t'es malade, je parle pas de ça. Avec alors, fils. Ça, vraiment, c'est. Alors, c'est un truc hallucinant, mais c'est pâteux, pâteux, hein. Mais c'est. On dirait de la pâte à fixe. Mais, d'ailleurs, j'ai accroché des affiches de zadistes chez moi. Oui. J'ai mis le Che Guevara. Je m'inquiète un peu, là, parce qu'il a pas de nana depuis un petit moment, là, mon fils. Bah, alors, ça arrive, hein. Bah, maman va être obligée d'y passer. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand t'es maman? Ah là, ça va pas, tout va bien. Bon, vous êtes sorti avec une de vos amies, avec un de vos amis. Vous pouvez nous raconter si vous avez des réactions pour Pascal. On peut en reparler, on peut parler tout ce que vous voulez, hein, jusqu'à minuit. Vous avez un truc à nous dire, profitez-en. Pascal, on te fait des bisous, reste à l'écoute parce qu'il y aura des réactions pour toi d'ici minuit. On te souhaite une belle soirée à Toulon. Salut tout le monde. Bisous. Salut à toi. Allez, bisous à toi. Et dans un instant, il y a Momo qui arrive en direct de Créteil avec nous. Salut Mora. Il y a Mehdi qui arrive à Perpignan aussi avec nous. Salut Mehdi. Salut les gars. Salut. Ne ouais, bougez pas. Et moi, salut. Et moi, je reviens avec les résultats du clash de la drague que je vais vous donner juste après Nino et Central Sea. Elle n'est pas grosse, mais elle est longue. Romano. Ah putain, non, mais. Marie. T'es en train de te caresser là, c'est quoi? Cédric. Je me suis mangé un mur, ah putain. Samy. Frère, désolé, j'ai mal au ventre, je viens de. Karim. T'as chaté comment? Guigui. L'éducation à la dure, ça. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Voilà, on est en direct et vous profitez de la soirée. 01 53 40 30 20. Allez-y, 01 53 40 30 20. De toute la France. Ouais. Et sinon, vous avez l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm, tous les moyens pour nous joindre tout au long de la soirée. Dès que vous avez un truc à nous dire, eh bien vous nous appelez où que vous soyez d'ailleurs, hein, si vous êtes en train de bosser, si vous êtes il y en a qui sont en train de bosser, qui font les devoirs pour demain. Mais il y a une avalanche de bacs blancs là demain, j'ai vu les messages qui arrivent. Ah, ça doit être la période, non? Je sais pas, mais j'ai l'impression que la période elle s'arrête jamais. Non, mais c'est... souvent c'est après les vacances scolaires ou avant. Mais il y en a plusieurs de toute façon. Moi, de quoi? Il y en a qu'un bac blanc. Moi, je sais que j'en ai eu deux, moi. Avant les vacances de. Ça, le premier, c'était avant les vacances de Noël, et puis le deuxième, c'était là, ouais. Bon, ils passent le bac tous les lundis soirs, tous les mercredis soirs et tous les vendredis soirs. Le bac de la drague. Eh ouais. L'option drague. Ah, moi, j'ai l'impression que. Sur Skyrock. Très compliqué. C'est l'heure des résultats du clash de la drague que je vais vous donner. Et dans un instant, on ira faire un tour à Créteil, chez Mora et chez Mehdi à Perpignan. Et puis chez vous aussi, hein, je vous le disais, vous nous appelez de toute la France dès que vous avez un truc à nous dire. Tiens, salut Benesh qui nous laisse un message qui dit rapport à ce qu'il attends, disait, il arrive. Avec Pascal. Ah, il arrive, Benesh. Ouais. Ah bah on va revenir à Pascal là. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec des amis à vous? Et est-ce que vous avez réussi à détourner votre confidente? Ouais, ah, Pascal, il essaye, mais il galère. Pour le moment, c'est non, d'ailleurs. Ah, voilà, oui. Ou votre confident, où on n'était pas très optimiste sur Pascal il y a un instant. Bon, non. Alors, les résultats du clash de ce soir, qui a gagné? Romano, double serrage, Cédric, une invitation, un serrage. Ouais, c'est ça, ouais. Faites-moi, ça a très bien commencé, mais ça a fini plus durement. Voilà, on a détendu Lincoln, qui nous envoie un message, qui est en révision pour un examen professionnel demain. Courage. Et nous dit, vive Créteil. Eh bien, Lincoln, merci de ton... Ça me manque angoissé avec tous ces examens là. Alors, est-ce que tu as réussi le tien d'examen ce soir? Putain, les résultats du clash donnent 57% aux gagnants, 43% aux perdants. Le gagnant du clash de la drague de ce soir. Alors, en plus, je suis malade. En plus, t'es malade. Bah ouais. Eh ben écoute, j'espère qu'on va pas t'achever parce que c'est Romano qui gagne le clash ce soir. Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Pour foutre moi. Qu'il est con, ça. Ah, j'ai vu, allez, bâtard. Bah. Ah non, je me suis pas trompé, excusez-moi. Ah. Non. C'est bien Romano qui. Allez, hein. Pas mérité, j'ai fait deux serrages, il a fait qu'un seul serrage. T'as pas fait deux serrages, t'as une invitation et un serrage, et lui il a fait un double serrage. Double serrage, je veux dire deux serrages, c'est peut-être pour ça qu'il a gagné. Tiens, ce soir, c'est pas con. Mais ça fait une belle perte. C'est pas con ce que tu viens de dire. Il a assez avec une seule famille. Ouais, mais le mec et la femme, donc il baisse deux fois. Ça compte pas, ça. Bah, ça compte. En tout cas, Cédric, vu que le mois de mars, c'est le mois de ton anniversaire, tu devais tous les gagner. Eh bien, voici un deuxième cadeau. J'ai commencé vendredi, parce qu'on était le 1er mars. Un premier cadeau, je t'ai offert une première défaite.
faite. Eh bien, voici une deuxième. Belle. En plus, c'est bientôt mon anniversaire, la famille. Ouais, ben voilà, ben déjà deux cadeaux. Et je te souhaite également une très bonne santé. Oh, non, là, là, et c'est à cause de toi, tu m'as souhaité mon anniversaire vendredi, du coup, je suis tombé malade. Ah, ben ça, moi, j'y crois, c'est connerie. Une année. Ah, ouais, t'y crois, ça. Ah, toi. Mais la veille, je me souviens, une année, dit full toute la soirée, mais un anniversaire. Moi aussi, je l'avais fait. Et bam, aussi. Le lendemain, j'étais malade, je croyais que j'étais même pas venu à l'émission, quoi. Ah, ouais, à ce point, je t'avais rendu malade. Ah, je sais plus ce que j'avais chopé, genre une gastro, mais un truc carabiné, mais. Ouais, je te l'avais fait aussi une année, ouais. Ah, ouais, donc. Tu vois, Cédric, eh bien, Cédric, un bon anniversaire et une très bonne allez, santé. Allez, casse-toi, bah, je vous ai déjà fait. Non, mais tu vas lui porter la poisse. Ah, ouais, j'avais fait ça et ça t'avait porté la poisse. Mais laisse tomber, je suis pas. Bah, allé. Oui, il avait eu de la chiasse. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Eh bien. Merci, mes amours, en tout cas. C'est grâce à vous. C'est pas ma victoire, c'est notre victoire. Ouais. Écoute-le, l'autre. Hey, j'ai même envie de vous dire. Elle est à vous, cette victoire, mes amours. Elle est ça y est. Non mais bravo Cédric quand même. Bah merci la famille, c'est pas grave hein, petite. Bravo Cédric, vraiment belle défaite. On méritait de gagner Marie, ce soir capte en plus. Plus elle disait bravo, mais quelle défaite Cédric, bravo. Nous une invitation à un serrage, je comprends pas l'injustice mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'était nul, vraiment. Bah non mais justement il a performé. C'est mais c'est halluciné, il a performé dans la nullité, bravo. Non mais après c'est vous qui décidez avec les votes. Hein, eh ouais, ouais c'est ça, et la team Romano elle est là, elle est forte, elle est puissante. Bon on vous rassure, on remet ça très vite hein. Ah, oui, ah bah ouais, mercredi pour un nouveau clash. Ouais, merci mes amours encore. Allez. Merci. Voilà, des bonnes méthodes de drague. Alors, on a plein de monde en ligne avec nous. Mora de Créteil, salut Mohamed. Les gars, ça va salut. Ou pas? Ça va bien, Mora. Mehdi de Perpignan, salut Mehdi. Salut l'équipe, ça salut. Va salut. Ouais, Mehdi. Oui. Salut à vous deux. Bonjour. Et on a Benoît du 85, salut à toi Benoît. Salut Benoît. Salut l'équipe, ça va quoi? Oh Benoît! Ça va bien Benoît? Salut! C'est toi Benouche? C'est Benouche? Non, Benèche. Ah Benèche, pardon. Ouais. Benèche, ouais. C'est toi Benouche? Salut! C'est Benèche! Excuse-moi, Ah, ça y est, j'ai même pas commencé à parler, Romano, tu me dis. Non, mais non, mais je sais pas pourquoi je dis Benouche d'ailleurs, mais bon. Benouche! T'as vu, t'es bien accueilli. C'est Benoît. Alors, il y a. Donc, il y a Pascal hier, il y a un instant. Pascal qui nous parlait il y a un instant de ses petits problèmes avec. Avec sa meuf, donc vous réagissez. Ouais, avec sa meuf, avec son ami, quoi. Oui, qui a été sa meuf, enfin avec laquelle il a baisé il y a quelques années. Ouais, ouais c'est ça. Depuis, il est devenu le meilleur confident. Elle lui parle de ses histoires de cul. Par contre, il se passe plus rien. Et donc, elle était célibataire et il s'est dit, je vais arriver à la serrer. Bah, pas de chance. Elle se sert un autre mec, mais pas lui et il se passe rien. Ouais, puis elle s'est serrée plein d'autres mecs d'ailleurs. Et toi, Mora, tu voulais réagir par rapport à ça. T'as 29 ans, Mora, une Créteil. Ouais, c'est ça. Et en gros, moi, c'était avec une collègue du taf à moi. Ouais. Je voulais la serrer à mort. Mais le souci, c'est qu'on est devenu très très vite amis. Tu bosses dans quoi, toi? Moi, je suis dans l'animation. D'accord. Enfin, à ce moment-là, j'étais dans l'animation. Et t'animes quoi? De la radio? Non, les enfants. Ah, t'animes les enfants. Oh là. Agent en centre aéré, des trucs comme ça? Exactement. Oh là, vous savez que j'ai postulé pour tes fous. Ouais, bah, une émission avec des enfants. Ça serait plus tes folles. Non, mais ils sont petits. Oh, j'ai postulé pour tes folles. Qu'est-ce que vous êtes marrants. Ah, mais ils sont tout petits, les enfants. Non, il y a tout âge. Il y a primaire, mater. Mais moi, je faisais les primaires. Oh, mais est-ce que. Tu réponds honnêtement. Voilà. Est-ce que t'as déjà eu un gosse tellement il était infect, t'avais envie de le tarter? Ouais, le baffer. Ouais. Je l'ai pas fait d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai été viré, les gars. Ah, c'est vrai? Ah ouais? Non, je rigole. Tu nous avais flippé. Ouais, j'ai tarté les gosses, je supportais plus. Non, mais il y a un moment, tu pètes un câble. Non, mais je pense que t'as des gosses comme des adultes en fait. Il y en a, c'est des vraies pourritures, quoi. Ah, ça, je pense qu'ils sont mal élevés, ils sont. Ouais, mais c'est pire avec un enfant parce que tu peux expliquer ce que tu veux. De toute façon, si tu veux rien comprendre, il comprend. Bah ouais, c'est ça. Oh, tu sais, il y a des adultes qui sont tellement cons, tu peux leur expliquer ce que tu veux. C'est vrai aussi. Ils comprennent rien non plus. C'est pas faux. Non, après, faut avoir la fibre. Hein, si c'est dans tes trucs, t'aimes les enfants, t'aimes t'occuper des enfants. Ouais, mais c'est farci. Bah ouais. Parce qu'il y en a qui doivent être durs quand même. Mais il y a plus de nanas dans ton boulot. Ouais, bah il y a 80% de nanas. Ah, bah voilà l'avantage du taf. Ah bah c'est pas tiens. Mal. Voilà, pour serrer, c'est pas mal. Si vous savez pas quoi faire, hein, bah devenez. Animateur. Oh là, j'ai également postulé pour Gulli. Ah bah c'est bien ça. Oh là, je voulais faire une émission sur Gulli. Tu vas pas lui quitter quand même. C'est dommage, Cédric. Non, mais t'aimerais bien, Cédric, faire une émission sur Gulli. T'es un ouf, toi. Tu ferais quoi comme émission sur Gulli? Bah je sais pas, moi, tu sais, c'est une chaîne de télé. Y'a pire, hein, tu sais. Ah oui, bon. Pire. Alors oui, bonne chance à toi Romano. Non, mais j'ai pas envie d'y aller, moi je suis bien ici. Hein.
Alors, qu'est-ce que tu veux? Ah, on te propose de faire Gully in the Boîte, Cédric. C'est le dresseur qui nous laisse ce message. Tu dis quoi? C'est quoi? Gully in the Boîte. Je crois que c'était une émission sur Gully pour les enfants. Enfin bon, je ne regarde pas. Alors, revenons-en à notre histoire avec ton animatrice là. T'as réussi à la serrer ou pas? J'ai fini par réussir à la serrer. Ah, de l'espoir pour Pascal alors. C'est ça. J'ai de l'espoir pour Pascal. Mais en fait, le souci c'est que j'étais trop concentré sur elle à ce moment-là. Mais sauf que elle sortait, elle me racontait ses histoires avec, comme Pascal, elle me racontait ses coups d'un soir et tout. Ah ouais, elle te racontait ses histoires de cul. Et t'avais les détails? Ouais. Putain, mais moi j'ai jamais une copine qui me racontait que le sperme était pâteux. Bah si, Marie. Moi si. Oui, Marie, c'est vrai. Ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, moi j'ai jamais eu en direct, ça, c'était longtemps. Mon pote qui me racontait. Ouais, mais c'est là. Pas une meuf qui venait de raconter, j'ai sucé une bite, il m'a giclé dans la bouche, le sperme était fat. Ah, mais je te dis, mais moi mon pote, elle lui racontait mais tout dans les moindres détails. Mais à toi, c'était pas arrivé ça. C'était mon pote qui me racontait, mais je m'en quand j'ai même. Moi, pote exactement pareil, elle me parle de cul, mais normal comme si c'était un poteau, quoi. Elle te raconte le sperme. Ouais, elle me raconte tout, lui j'aime pas, lui j'ai bien aimé, lui m'a fait ça. T'sais, en plus, elle kiffe les jouer avec l'anus des mecs, machin, elle me dit, ouais, j'ai une mallette. Un peu comme le délire Marie, tu vois, j'ai godé le mec, elle me raconte des trucs hardcore. Je l'aime bien, elle, mais je la connais pas. Non, je te la présenterai, tu t'entendrais très bien. Voilà. Elle est un peu déjantée, mais elle est super marrante et elle raconte ça, mais vraiment, elle est tellement détendue avec le cul que. Ah ouais, c'est ouf ça. Ça met même pas mal à l'aise, tu vois. Ah ouais, non, moi à ce point, non, jamais. Ah, je te jure. Non, mais tu savoir qu'elle baise des meufs, qu'elle se fait baiser par des mecs, oui, bon. Ouais, mais pas les détails. Ouais, j'ai jamais eu droit aux détails, ouais. Dommage, merde. Tiens, moi au lycée, une copine qui raconte ses bails avec les mecs de l'époque. Un jour, j'ai voulu me positionner, c'est Mimi Momo, mais j'ai pas la suite du message. On sait pas si tu t'es positionné, bon, après, que ça a marché. Oui, vu comme il le dit, à mon avis, bon, il a essayé de se positionner, mais mauvaise position. Échec, ouais. Tiens, il y a Jimmy Nou, j'ai mis le message parce qu'après je vais oublier, il est très très drôle. Cédric, on te propose une émission sur Gulli. Ça serait les tapins crétins. Les tapins crétins. Ah, vous êtes cool. Ah, je vais faire les tapins crétins. Il y a un message de Damien, là, il dit, je suis prof des écoles, donc c'est ça, c'est maternelle, c'est ça, prof des écoles, c'est primaire. Maternelle ou primaire. Ah, c'est ça. Et des fois, ça m'arrive d'avoir envie de lâcher des gros ferme ta gueule à certains gosses. Putain, mais tu m'étonnes. Sympa. Ah non, mais. Non, mais t'as raison, mais je fais pas. Oui, retiens-toi. Retiens-toi, autrement, tu risques de perdre ton taf. Donc, cette meuf, alors, comment ça s'est passé, Mora? Eh ben, du coup, après moi, tu vois, au bout de 3 mois, j'en ai eu marre. J'ai commencé à sortir, à serrer des meufs. Et du coup, je lui ai raconté. Normal. Je la sentais un peu perplexe, tu vois. Ouais. Mais le jour où ça a basculé, c'est le jour où il y a eu une nouvelle collègue qui est arrivée, archi mignonne et tout. Ouais. Et on commence à rigoler, à discuter, à se rapprocher, tu vois. Et au final, cette meuf-là, je l'ai niquée. Et dès qu'elle a su ça, en fait, tu vois, il y avait un soir où je devais aller la voir, cette meuf-là, et comme on discutait, je lui avais dit, elle m'a dit, non, mais passe plutôt à la maison. J'ai dit, pourquoi? Passe plutôt à la maison. Ah, voilà, passe un coup à la maison. Et du coup, je suis passé, et il s'est passé ce qui s'est passé. Ah, tu l'as niqué? Je l'ai niqué, mais au final, après, c'est moi, je me faisais désirer, tu vois. Ouais. Mais t'as réussi quand même, t'as réussi l'objectif, quoi. Ouais, c'est clair. Exactement. Mais en fait, l'erreur que Pascal y fait, c'est de rester focalisé sur elle. En fait, faut qu'il serre des meufs et qu'il lui raconte à son tour. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Ouais. C'est une bonne idée, et à ses yeux, ça te rendra plus désirable. Exactement. Ouais, alors, si t'es en chiant, tu fais rien, tu sais rien, t'es moins désirable. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as pas tort. Non, mais t'as raison, Mora. C'est bien, ça. Mais qu'est-ce que tu es intelligent. Non, mais t'as bien pigé la psychologie des femmes, Mora. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, Mimi Momo, là, qui nous disait tout à l'heure, là, qu'il a voulu se positionner. Bon, alors, on a eu la suite du message. Bon, il s'est fait recaler, hein. D'accord. Il s'est pris un gros stop. Elle m'a pris pour un guignol. Voilà. Donc, ça n'a pas marché. C'est ça. C'est loupé. Désolé, Momo. Il y a Charles Villeneuve qui te dit, Mora, il nous dit, Mora, il doit être beau gosse, non? Pour arriver à serrer comme ça. Bah, pas autant que Gifoul en tout cas. Hein. C'est beau. Ah, mais là, en même temps, c'est la beauté ultime. Ouais, c'est compliqué. Ultime. Exactement. Non, mais bon, c'est bien. Et au final, alors au final, après, ça a débouché sur un. Après, on est resté en bon terme. Elle me racontait sa vie, je racontais sa vie. Elle voulait qu'on se revoie pour niquer. Moi, je suis parti sur autre chose. Et là, je suis marié, tu vois, donc. Ah, c'est marrant, c'est-à-dire que toi, c'était ton but. Tu voulais absolument la serrer, la serrer. T'es arrivé à ton truc. Au final, il s'est pas passé grand-chose. Mais quand tu l'as niqué, t'as été un peu déçu ou. Putain, c'était ma question. Voilà, c'est pour en revenir à ce qu'il a dit Romain. Non, parce que des fois, t'as tellement envie d'un truc. Et dès qu'il arrive, tu dis, ah ouais, c'était juste ça en fait. Non, ouais, mais parce que tu imaginais des trucs, tu fantasmais, donc exactement. Tu te faisais des idées. Et quand c'est fait, c'est bon. Ouais, t'es redescendu.
Ça m'a vite refroidi. Après, c'était sympa, tu vois, mais voilà, je me dis, mais sans plus, en fait. Non, mais bon, écoute, c'est un bon conseil pour Pascal, on lui avait pas donné celui-ci. Et vous êtes trop forts, les auditeurs de Sky, vous avez toujours de bonnes idées. En fait, c'est dans nos expériences qu'on trouve les meilleures idées. Bouge pas, mon frère, parce qu'il y a Mehdi également qui est en direct avec nous. Mehdi. Ça marche. Toi, t'es à Perpignan, hein, Mehdi, c'est ça, hein? Exactement, oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Mehdi? Dis-nous tout. Non, moi, perso, non, pour l'instant, enfin. À l'époque de la fac, oui. J'étais avec un groupe de filles, carrément, trois filles. Mmh. Et on était amis au départ, mais moi, ça me convenait pas, quoi. C'est-à-dire que toi, tu voulais les serrer, les meufs, toi, l'amitié de ton fou. Les trois, oui. Il y en a qui nous disaient les trois, carrément, putain. Bah, hey, tant qu'à faire, sur les trois, il y en a bien une qui va accepter. Il y a Angelo qui disait l'amitié garçon-fille, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Bien sûr que ça existe. Si t'as des copines moches, ça peut être. Bah, dans ce cas-là, ce n'est que tes amis. C'est sympa, merci, les gars. Mais non, mais c'est pas ça, Marie, c'est pour rire. Là, vous n'avez pas d'humour. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai une super amie. Bon, elle a un mec, c'est un de mes meilleurs amis. Et donc il se passera rien. Oui, bah oui, mais ça c'est normal. Mais toi, si t'as dragué les trois nanas alors qu'elles sont copines, je trouve pas ça bon, moi, tu vois. Non, je les ai pas draguées, au fait. Moi, j'aime pas trop draguer. Je suis un petit peu timide, mais. T'es un beau gosse du sud, toi. Non, mais en contrepartie, quand je suis avec quelqu'un que je le connais dans mon cercle de connaissances, c'est presque cuit, quoi. Et figurez-vous que je suis sorti avec les trois en même temps. Ah ouais, toi, carrément, les trois copines. Ouais, on était à la fac, donc des fois. Mais c'est quoi, vous baisiez de manière courante, c'est alternatif. Il y en a une qui vient avec moi. Il y en a une qui vient avec moi, par exemple. Ben on était dans une classe, par exemple, et les deux autres, elles surveillaient, quoi. Mais ah ouais, donc elles étaient au courant que tu baisais les trois, en fait. Oui, elles étaient. C'est très bizarre, ton truc. Par exemple, les deux, ils surveillaient la classe. Pour que personne ne rentre, alors que nous, on faisait notre affaire. Mais t'as pas fait ce rêve la nuit dernière? Ouais, non, mais ouais, c'est très bizarre ton truc quand même. Non. Ça me paraît un peu gros ton truc, mais bon. Ils sont jaloux. Il y a Yann qui nous dit, ça sent le mytho, ça, Yann. Genre, les deux meufs, elles surveillent pendant que tu niques la troisième. Oui. Et après, donc t'allais en niquer une autre, une de deux qui surveillait. Chacun son tour. Il y en a qui avaient leur rêve, tu vois, donc. En tout cas, beau scénario de film de cul. Mais c'est pour ça que j'ai pas eu de copine durant toute la fac. C'est sur Pornhub Premium. Devant toute la fac. Si vous le cherchez, celui-ci là. Et alors. Oui, mais après, voilà, pour retourner sur le sujet de Pascal. Cette meuf, apparemment, elle fait comme la plupart des meufs qui ont des amis masculins, quoi. Elle garde toujours le bénéfice d'avoir un mec. Il les rassure, il est là pour. Et au fait, il joue le rôle d'un petit copain, d'un copain, sans être copain. Ouais, c'est juste... Mais t'as pas tort. Ce qu'on appelle le confident, et c'est ça. Ouais, mais t'as pas tort. Et là, on va retrouver Benoît, ne quitte pas Mehdi. Benoît, donc, qui s'appelle Romano. Benesh. Bien joué. Benouche. Ah, j'ai quand même un minimum de mémoire. c'est Benesh. Te trompe pas, Romano, sinon je te séquestre dans une école maternelle. Non, je te remercie. Oh là, j'ai été très vilain. Tu t'appelles Biglouche, Biglouche. Moi, ça va aller. Allez, fais-moi plaisir. Alors, tu voulais me dire quoi, ça, là? En fait, moi, j'étais, ça date d'il y a déjà 10 ans. Mmh. Moi, je travaillais dans un bar, j'étais serveur, et un jour, il y a une fille qui vient, on l'embauche, et 2-3 jours après, la fille, on sympathise ensemble, et elle me dit quoi? Elle me dit, oh, ben, moi, ça se passe mal avec mon copain, machin. Je dis, bon, ok, pas de souci, si tu veux, on en parle. Et je vois, elle commence à m'en parler. Et un soir, on débauche. Non, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est vrai que ça peut être un bon plan quand t'as la meuf qui est en couple et qu'elle commence à t'expliquer que ça se passe mal avec son mec. C'est peut-être qu'il y a moyen de la serrer. Ouais, c'est clair. Vas-y, c'est une faille, ouais, c'est possible. Ouais, mais sauf que ça faisait 5 ans qu'elle était avec son mec. Oui, ouais. Bah, tu sais, bon. Oui, bon. Et, enfin, ça se termine. Et hein. Donc, un soir, on sort du taf, on va boire un verre et tout, on en discute, machin, et ça dure 2-3 jours. Enfin, tous les soirs, en fait, on allait boire un verre. Et un soir, elle me dit, oh, ben, si tu veux, viens boire un verre à la maison. Moi, je dis, ok, ouais, pas de souci. Donc, je rentre chez moi. Ah, tu te fais beau gosse, tu prends une douche. Tu vois, les petites épilations des couilles, on la connaît, celle-là. Voilà. Tu connais. Et du coup, je vais là-bas et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc vous avez baisé ensemble. Et sauf que, ouais, voilà, exactement. Ah, mais je le sentais, moi, là, le truc dès le début là.
Moi, je m'en foutais en vrai. Hein. J'ai dit, bon, bah voilà, vas-y, kiffe du bon temps et puis et basta. Bah, elle veut niquer, tu rends service, hein, ouais. C'est quand même sympa comme bah, tout. Exactement. Ouais. Moi, après, je suis là pour rendre service. T'as besoin d'affection, je suis là pour toi. Mmh. Tu vois non. Ce que je veux dire? C'est moins sympa, c'est pour son mec, quoi. Bon, qui lui est clairement con. Ouais. Oui, bon, bon. Ouais, mais bon, tu le connais pas, chacun sa vie, quoi. Voilà, c'est ça, Romano. Non, mais bon, dans ce cas-là, le mec, bon. Ouais, tant pis pour lui, quoi. C'est con. On a copulé, on va dire, pendant quelques semaines. Et à côté de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui s'avère, tu vois, ça s'est hyper bien passé entre nous, en fait. T'es tombé et amoureux? Ouais, parce qu'en fait, cette personne que j'ai rencontrée, c'est devenue la mère de mes enfants. Ah oui, t'es tombé amoureux. Ah oui, c'est vraiment bien passé, oui. Mais sauf que en fait pendant presque 4 mois je lui ai dit écoute j'ai quelqu'un, elle m'a dit bah, pas de soucis. Ah, donc tu lui as baisé que moi exactement. Magnifique. Moi j'ai rien caché en fait, je suis pas un gros charreau, tu vois, j'ai rien caché en fait ni à l'une ni à l'autre. Je lui ai dit voilà, moi l'après-midi je suis en coupure et l'autre elle me dit ah oh, ben l'après-midi quand t'es en coupure tu viens chez moi. Voilà. Ouais, mais par contre, ce soir, je dors pas chez toi parce que je dors chez ma collègue. Chez ma femme. Ouais, pas de soucis. Mmh. Voilà. Normal. Non, j'avais pas de femme. J'avais que ouais, des collègues. Mais ça, c'est les meilleurs. Voilà. Places, putain. Et donc, l'après-midi, j'étais en coupure pendant 4 heures. J'allais bouillave chez. Entre c'est la vie de rêve, ça. Et le soir, j'allais coucher chez ma collègue de travail. Voilà. Au bout de combien de temps tu t'es dit bon maintenant faut que je me calme parce que je suis vraiment amoureux de celle qui est ça a duré ouais peut-être 4-5 mois et au bout de 4-5 mois j'ai pris la décision de me mettre avec ce qui est devenu la mère de mes enfants. Ouais, mais t'as été content, ouais, parce qu'elle a été conciliante et que. Ah oui, bah ça, elle était conciliante. Ah bah, ouais, elle était ailleurs. Clairement, ouais. Ouais. Ouais, meuf, tu lui expliques ouais, que le soir tu vas en niquer une autre, elle est conciliante. Ah bah, tu m'étonnes. Elle a été conciliante, mais je pense qu'en fait, elle s'est vengée, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une grosse pute, en fait. Tu vois? Hein? Bah, on la salue d'ailleurs, si vous écoutez. Ah, bah, c'est très sympa. J'ai une petite dédicace, ouais. J'ai une petite dédicace de ton ex. C'est vraiment très sympa. Ah ouais. Voilà. Aujourd'hui, on est séparés, ça fait 4 ans, et tu vois, voilà, elle s'est fait déglinguer par tous les mecs des Sables d'Olonne, on va dire. Eh bien, on salue tous les Sables d'Olonne qui nous écoutent. En fait, mais c'est quoi, ton ex-femme? Non, l'autre. Ouais, la mère de mes enfants. La mère de mes enfants, parce que ouais, moi, à l'époque, je partais. Elle est connue au sein des enfants. Elle a accepté femme. Plusieurs mois que t'es niqué ailleurs et tout ça. Vous avez fait les enfants et après. Ouais, donc je pense qu'elle s'est vengée parce que moi, à l'époque, j'étais marin-pêcheur, donc je partais. Putain, t'étais en mer, elle est sortie. T'as dû empêcher de la morue. J'en ai bouffé de la morue, moi, t'inquiète. Ah, elle, pendant ce temps-là, elle se faisait baiser pendant que t'étais en mer. C'est ça, et moi j'ai eu un gros doute un jour en vrai. Et du coup, j'ai décidé de couper mon téléphone. Et j'avais pas de téléphone, tout. Je rentre, et là, hop, je rentre dans l'appartement, et là je vois quoi? Hop, une paire de chaussures qui m'était inconnue. Ah non. Je rentre dans la chambre, et là je la vois quoi? C'est bizarre, ma meuf elle fait du 46 aujourd'hui. Genre. Ouais, c'est vrai, ouais, elle a des requins aujourd'hui. C'est chelou, elle fait du 46. Voir le truc, c'est ignoble, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Putain. Ah, la vérité, c'est chaud quoi. Même t'es un homme, t'as envie de tuer en fait. Ouais, mais il dormait ou ils étaient en train de niquer quand t'es arrivé? Non, ils faisaient un Scrabble. Ils faisaient un Scrabble. Ils étaient en train de faire un Uno. Voilà, ils ont pu dormir après, ça va. Ah, mais c'est bizarre quand même. Ah, bah écoute, t'es super. Ils jouent au Scrabble sans ses chaussures. Ma question était pas con. J'espère qu'ils sont bien amusés tous les deux. T'es rigolo. Bon, en tout cas, moi j'en tiens la méthode de Mora. Elle est bien ta méthode. Ouais, non, mais franchement, ta méthode, ouais. Tu fais ta vie en fait. Se faire désirer. Ouais, se faire désirer. Ouais, la jalousie. T'es moins dispo. Pour elle, voilà. Tu vois. Montrer que t'es pas un mec en chien, là. Tiens, rapport. Je vais lui raconter surtout. Bon, ben, rapport à Pascal, on prendra les nouvelles, on va voir si ça arrive à avancer. À mon avis, Pascal, je le sens moyen quand même, son histoire. Avec elle, ouais. Ah ouais. Mais non, mais on sait jamais, hein. Écoute, avec un peu de chance. Bon, un peu, tu vas en niquer une autre, tu vas tout lui raconter, l'autre, ça va l'exciter. Si, c'est vrai, ouais. Et hop, comme toi, hein. Ouais, Momo. C'est la méthode de Mora. Oh, bah, écoute, merci Momo, merci Mehdi de Perpignan, on va t'envoyer Mehdi ton t-shirt Skyrock à Perpignan, et puis merci à toi, Benoît aussi.
Donc des Sables d'Olonne et tu t'alleras la morue des Sables d'Olonne. Ah, c'est très sympa. C'est possible l'équipe d'avoir un petit t-shirt Skyrock. Autrement dit, ton ex-fameux, on va t'envoyer ça, Benoît, on va t'envoyer ça à la maison. Tiens, juste un truc par rapport aux histoires des zones érogènes dont on parlait tout à l'heure là. Ah oui, avec la nuque, l'anus. Ouais, tout a commencé avec les testicules d'un auditeur de Skyrock qui n'aimait pas se faire bouffer les couilles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais, c'était ça. Ouais, ouais c'est ça. Et donc on a parlé des zones érogènes. Ouais, en fait, il voulait en parler à sa meuf et c'est pas trop comment lui dire que bon, il était pas fan de se faire bouffer les couilles. Ouais, parce qu'a priori, elle adore ça. Ah là, elle adore, elle bouffe. Ah, les rognons, c'est vraiment son truc, c'est vraiment un truc de ouf. Et ouais. Les gars, je peux faire une petite dédicace avant? Vas-y avant et après je te demanderai quelle est la zone érogène qui te fait le plus kiffer sur ton corps à toi. Moi, c'est une grosse dédicace à Romano. Je t'aime, mon frérot. Ah, bah, bisous. T'es content des résultats du clash de ce soir, alors? Beau travail. À mort, bien sûr. Ah, bah, c'est bien. C'est gentil, bien. En tout cas. Et alors, ta zone érogène, la plus. Ton corps, je dirais. Ah, je rigole. Mais, non, je pense les couilles et, l'anus, toi. Comme dirait Marie. Ah, l'anus, toi, Moura. Ah. Ouais. Ah, bah, tu vois. T'as découvert ça. Marie est très très contente. Tu n'imagines même pas le sourire. Ah, là. Quand t'as dit l'anus, sourire jusqu'aux oreilles de la Marie. Bah ouais, parce que je me dis qu'il a bien raison. Ça me donne envie de trou du cul de Mohan. Et ça me donne envie de muquer. Non mais toi Mohan. Tu peux passer un petit message, moi, l'équipe? Oui, bah, oui, besoin. Tu disais Marie, oui. Non, je voulais demander à Mohan, t'as découvert ça tard ou t'étais fermé dessus ou pas? Ouais, honnêtement, j'ai découvert ça il y a quoi? Il y a un an. Ah. La première expérience, elle était un peu bizarre parce que tu vois, tu t'y attends, t'es un peu perplexe. Mais ce que j'avais dit à ma copine, je lui ai dit, bah écoute, surprends-moi. Bah, du coup, à ma surprise, j'ai kiffé. Attends, c'est surprise. Ah, toi, elle t'a bouffé le cul. Un finger dans le cul, quoi. Ouais. Et ça a été l'échouille avec un doigt tout de suite ou ça a été après le. Non, ça a été juste titiller. Ouais, t'as vu comme c'est bon. Oh là là, je te conseille le plug, moi, mon ami. Oh, le plug à Dubaï. Je suis contente pour toi. Le plug à Dubaï. Ça, moi, c'est un délire. Au moins, t'es ouvert. Ah bah maintenant oui ça c'est oui. Ah bah moi aussi je me suis fait ouvrir le cul. Maintenant là, dans l'avion du retour il y avait un appel d'air. C'était ce que tu parles. Il avait 30 plugs, il parle avec. Tiens, un petit message perso là avant de saluer Benoît. T'avais une dédicace à faire, Benoît, on va te prendre. La Toundra, laisse-nous ton numéro de téléphone pour qu'on parle de ton petit problème en direct dans un instant. Un petit problème sexuel. On va rester dans le cul avec la Toundra. Benoît, ouais, tu voulais passer une petite dédicace, c'est ça, Benoît? Ouais, bah, petite dédicace à toutes les grandes brunes des Sables d'Olonne, si jamais il y a moyen. Ah ben. Bah, je suis là. Bon, bah, on lance un appel, il y a Benoît des Sables d'Olonne qui vous attend, donc vous êtes grande et brune des Sables d'Olonne. Eh bien, vous me laissez un petit numéro. Mon numéro, je suis chauffeur poids lourd, il n'y a pas de souci, je t'emmène voyager où tu veux. Très bien, t'as un Snap, t'as quoi? Ouais. Un Insta? Ouais, j'ai Snap, Benesh85. Alors Benesh, tu as bien noté Romano, hein? Ouais, bah c'est Benesh, ouais. Voilà, Benesh 85. Ouais, ouais, te trompe pas, sinon je t'envoie une palanquette gosse, hein. Non, mais ça va, laisse pas tranquille avec ses enfants, bordel. Et en plus, c'est excite Cédric. Oh là! C'est vrai que ça, c'est le pire pour toi, t'es enfermé avec plein d'enfants, je pense que c'est le pire. C'est la je suis torturé, ouais. Ouais. Moi, c'est le pire, mais pour les gosses. Moi, je t'assure qu'ils ne sortent pas indemnes. Vous n'êtes pas non plus. Vous êtes bien trouvé, là. Et Benoît, toi, la zone érogène qui te fait le plus kiffer sur ton corps, c'est quoi? Ah, j'en ai pas spécialement, moi. Tu sais, j'ai pas forcément de tabou. Hein. Non, mais il y a bien un endroit. Non, mais la zone qui te rend fou quand on te. La bite, ouais. Au chemin, tout simplement, ou... Ouais, le gland, ouais. Le gland, ouais. Ouais. Tiens, même question. La Marie, elle connaît, hein. Ah, oh, les glands. Oui. Ouais, ah, c'est pas la seule. Si, c'est pas la seule. Bah oui, évidemment. Et Mehdi, tiens, même question pour toi, Mehdi, avant de t'envoyer ton t-shirt Sky à Perpignan. Et la zone érogène, le truc qui te fait le plus kiffer. Comme toute l'équipe, presque. C'est le quoi, c'est la bite. Le chibre. Le chibre en entier. Ok, Mehdi, on te fait des bises. Je fais une petite dédicace vite fait. Vas-y, Mehdi. Je fais une petite dédicace à mon grand frère, à Metz. Salut, frérot. Eh ben, salut au frérot. Salut. Tiens, une dernière question pour la Toundra. La Toundra, laisse ton numéro, ce serait bien qu'on en parle parce que c'est un sujet qu'on a rarement abordé dans l'émission. La Toundra qui a un problème avec son mec. La première fois qu'on a fait l'amour sans capote, mon mec m'a fait un truc trop bizarre. Il s'est mis entre mes cuisses et m'a léché. Il m'a léché avec son sperme. Donc il a léché son sperme. Quoi. Ah. En fait, il t'a léché la chatte et dans la chatte il y avait son sperme et il t'a léché. Ça t'a choqué, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, ça a lubrifié, en fait. Ouais. Trouvez-vous ça normal? Moi,
peut-être. Ouais, non, ton message se termine par Burke. C'est pas bon. Quand ça se termine par Burke, c'est qu'a priori ça t'a pas plu. Moi j'ai jamais eu ça, mais je serais pas choqué plus que ça. Tu te choquerais pas que le mec il se mette entre des cuisses et il bouffe son sperme? Non mais qui bouffe, il lèche avec son sperme, c'est pas très grave. Bah c'est pas, enfin moi j'ai jamais fait ça. Ouais, moi non plus. Non mais puis alors ça, c'est un truc, ça, c'est pas. Au moins le mec est propre. Ah bah c'est bien, il récupère son matériel. Non mais il y a des mecs qui lèchent aussi quand la nana jouit, tu vois, où il y a de la mouille donc. Bon. Non mais la mouille tu la lèches même quand tu lui fais un cuni, c'est pas grave ça. Mais celle-là, tu, là tu gigues dans ta meuf et après tu nettoies, enfin tu lui bouffes la chatte et donc tu nettoies ton sperme. Ouais ouais, moi je sais pas, perso je ne le fais pas, ça me donne pas envie. Moi non plus perso, je sais pas. Mais voilà, bon après. Tiens, Mora, avant de partir, c'est le genre de truc après, que t'as ça fait, pas t'es, t'es ouvert Mohamed toi. Moi je suis très 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 ouvert les gars, mais ça, ça me répugne. Ah, ça, ça te bloque quand même. C'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, enfin, Samy a pas l'air contre. Non, Samy... non, en fait je suis en train de réfléchir, en fait. Techniquement j'ai jamais fait, mais en fait je suis en train de me demander s'il a pas léché juste après. Et tu sais, il y a des fois les meufs ça reste à l'intérieur selon comment. Ouais, vagin. Ça peut ressortir. Ça coule pas, c'est pas une explosion sur le vagin. Non, non, mais d'accord, ouais, mais. Sur le vagin, non, mais admettons, si tu rentres un peu la langue, tu vois. Non, mais si tu rentres la langue, mais là, c'est peut-être pas ça, tu vois. Ouais, bah, écoute, je sais pas. Bah, si, si, oui. Bah, écoute, je. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, dégueulasse, ouais, dit Cindy. Tu vois, Cindy, elle est comme toi, la toundra. Elle aurait été choquée. C'est dégueulasse pour moi. Bizarre de bouffer son sperme. Au moins, il nettoie, il est écolo pour Jérémy du 68. Bah, on bouffe bien le vôtre, ça va. Exomuc nous dit, je trouverais ça blurk. Oui, mais tu bouffes ta chatte, Marie? Non mais forcément que bah, je bouffe ma chatte à des moments parce que s'il m'a léché et qu'il me fait des bisous après, forcément que j'ai ma mouille. Tu vois? Ouais, mais je trouve que c'est ouais, c'est je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pareil, tu vois. Quoi, en tout cas dans ce sens-là, ça me gêne moins que de lécher mon sperme. Cédric? Ah oh non, moi ça me dégoûte. Ah t'aimerais pas ça? Oh. Non. Ah non, dans les deux sens. Ah, la tête qui fait. Ouais, en fait, ne vomis pas. Ça se voit à ton visage. Je préfère le sperme d'un pote. Ah non, non plus. En même temps, bouffer ton sperme jaune. Non, mais même mon sperme, t'as vu, moi j'ai déjà une meuf qui a le chèque du sperme que j'avais donné. Que j'avais gentiment offert. Ah oui, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas mon délire, t'as vu. Elle a manqué de s'intoxiquer, la pauvre. Ah, te sens pas mon délire, tu vois. T'es la meuf. J'ai crevé. C'est ta femme. Et toi, Benoît? C'est le genre de truc, c'est. Bah ouais, ça, je trouve que ça fait partie de. C'est un bon délire, en vrai. Tu l'as déjà fait, ça, toi. Et quand elle te suce et après elle te roule une pelle, c'est la même chose. Bah ouais. Ouais, non, non, mais bon, écoute. Non, mais bon, après, c'est chacun ses goûts, hein. Ouais, ouais, moi, c'est. Mais quand tu lui fais un cuni, voilà, tu kiffes ce que tu fais. Mais elle, c'est pareil, elle te suce, elle avale, il en reste dans sa bouche, elle te roule une pelle. Et voilà, ouais, c'est pas grave. Pareil que quand donc, tu du coup, cuni, t'as déjà goûté ton sperme. Ben oui, dans le sens où quand elle te suce, tu lui roules une pelle, bon, ben voilà. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Bah oui, ça fait partie du show. Ouais, ouais, en fait. Même c'est... Si on te pénètre et que tu suces derrière, bah forcément tu bouffes ta bouille, quoi. Alors la toundra, exactement, bah, exactement. Comme tu dis ça de manière classe. Ouais, ouais, ouais. Tu bouffes ta cramouille. Je me suis mise à ton niveau. Bah oui. Le mucus est bon pour la santé. J'adore le mucus. Ah, t'as déjà dit depuis toujours. Non, mais mucus aussi. Donc la mucus, mais d'être du tonus. Ah. Écoute, on va dire à la toundra que t'es tombé sur un mec ouvert. Après, bon, j'espère que ça te choque pas. Il y a plusieurs filles qui trouvent ça dégueulasse. Il y a Maria qui nous envoie un message qui dit moi il me fait ça, ça me dégoûte. Après, hors de question qu'il me roule une pelle. Très bien. Non, mais après, tu peux aussi dire au mec qu'on s'en est. Après, quand tu le suces, s'il te roule une pelle avec son sperme, on n'est pas loin de. Ça va pas. Oui, au final, c'est pas si choquant. Non, mais bon, elle aime pas. Hein. Ah, et Toufi qui nous dit un truc pas con. Tant que tu l'encules pas et qu'il bouffe pas son. Ah, ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, qu'il bouffe pas son sperme dans le cul et que tout va bien. Non, il y a Johnny, il est pas choqué. Il dit un rapport ne s'arrête pas quand tu éjacules, mais quand madame a joui, et puis c'est ton sperme, pas celui du voisin, il dit. Donc c'est mieux, parce que là, en fait. Si en plus il y a le voisin. Ah, okay. Mais je suis assez d'accord avec toi, moi. Ok, Benoît. Mais la meuf, elle va pas jouir parce que tu bouffes ton sperme, tu vois. Non, mais bon, ça peut arriver. Voilà, non, j'ai mélangé les fruits. Bon, en tout cas, elle a pas aimé des masses, elle. Bon, c'est dommage qu'on t'ait pas eu au téléphone, la toundra. Mais enfin, bon, tu vois, on en a parlé. Vous avez un petit souci, vous avez une petite question que vous posez, vous n'hésitez pas, on parle de tout. Bon, merci Mora, merci Mehdi, merci Benoît, merci les gars. Merci. Bisous, bisous les gars. Et on vous envoie votre t-shirt très bonne maison. Bisous à tous les trois. Bisous à vous, restez comme vous êtes. Et bah, toi aussi. Et puis reviens quand tu veux. Salut. Tiens, on attend de prendre Jérém. Ah ouais, on va le prendre. Il est minuit, mais on prend Jérém en ligne avec nous. Oui, Romano, je sais que tu as gagné le Clash de Drake. Tu voulais rappeler les résultats pour ceux qui seraient arrivés un peu en retard dans l'émission. Bah ouais, bon, histoire que ça soit fait par quelqu'un de neutre. Oui. J'aimerais que tu le fasses toi-même, dit Foul. Ah, tu veux que je rappelle que t'as gagné? Oui, bah t'es l'arbitre ou pas? Bah oui, je suis l'arbitre du Clash. 57-43, il y a eu. Merci, mes amours. Cédric est parti pleurer, là.
Ah, c'est pour ça que tu voulais. Il a mal au cul. Non, Cédric est parti, il était tout rouge. Quand il est tout rouge, c'est comme les enfants, vous savez, quand ils deviennent tout rouges, c'est qu'ils sont en train de chier. C'est ça, ouais. Et Cédric, c'est pareil, ouais. Ta fille, Karim, c'est pareil. Quand elle a envie de chier, elle devient toute rouge. Ouais, elle devient rose, ouais. Et quand elle chie, elle pousse. Elle devient violette. Non. Elle fait des gros pets. Ah ouais, gros, tu pètes les plombs, gros. Ben, on a eu le mec qui fait péter les enfants. T'as pas vu, hein, ça sur TikTok? Ah si, j'ai vu, ouais. T'as quand il le tourne. Mais les gosses, ils font des bruits de il colle les tournes. Ah ouais, les gosses sont là aussi. Mais il fait quoi? En fait, il les fait péter, tu sais, en fait, mais il est dans quoi, il les tourne. Tiens, en fait, il est ostéopathe. Ouais, quand il les manipule, il arrive à les faire péter, tu vois. A priori, ça en fait du bien. Ah bah ils sont contents, ils font un grand sourire, les gosses. Ils vident l'air, en fait. Là, mais moi, mon pote là, quand il était venu à la maison là avec sa petite là, pareil. Avec son petit d'ailleurs, c'est un garçon. Ouais. Ah putain, pareil, tu sais, il l'avait pris à un moment donné. Le gosse, il lâchait des perlouses, mais pire qu'un adulte. Mais hein. Comme ça là. Ça va, tu kiffes? Même comme ça. Ah ouais. Ouais. Oh putain, comme ça. Ouais, bah, ouais. On dirait moi. Tu dis un si petit corps fait des tels bruits, quoi. Ouais. Ah, mais les bébés, c'est rigolo quand ça fait caca, ça devient tout rouge. Oui, ouais, c'est rigolo. Quoi, c'est rigolo, mais ça pue quand même la merde. Ouais. Oui, puis ça pue. Waouh. Après, oui, faut pas que ce soit trop. Bon, il y a Jérém en direct avec nous. Ah, de changer le ben. Bon, c'est moi sympa. Salut Jérém. Salut Jérémy. Salut. Donc, t'es dans le 80 et t'as 35 ans, toi, Jérém, c'est ça? C'est ça. Bon, qu'est-ce qui t'amène, toi? Dis-nous tout. Bah, c'était pour réagir par rapport à la fille, celle qui m'a pris pour un guignol. Qui te raconte sa vie sexuelle. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Mais c'est toi qui as laissé le message. Tu es Mimi. C'est ça, ouais. C'est ça, Mimi Momo. Mimi Momo. Mimi Momo. Ah. Salut Mimi Momo. Autrement dit, salut Jérémy Mimi. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, bah, en fait, quand je suis arrivé au lycée, je suis tombé sur un missile. Elle était trop belle. Coup de cœur, coup de foudre. Ouais. Et coup de bite, ouais. Non. Ah. Elle s'est mise avec plusieurs mecs à la file, mais on voyait qu'il y avait quand même du jeu de séduction. Bon, quand j'ai voulu me positionner, t'étais mort. Mais comment ça, elle s'est mise avec plusieurs mecs? Bah, elle est sortie avec plusieurs mecs, quoi. Alors, ouais, elle est sortie avec plusieurs mecs en allant. Papillonnée, quoi. Mais en même temps, en allant dans la vie scolaire. Ah, d'accord. Okay. En allant dans la vie scolaire. Et en fait, cette fille-là, je l'ai retrouvée dans ma classe en terminale. Mais elle te racontait, là, déjà à l'époque, t'étais. Ouais. Et genre, elle te racontait comment elle se faisait baiser et tout, quoi. C'est ça. Vas-y, par exemple. Ah, quand t'es en terminale, en plus, elle doit te mettre dans un état, ça, tu dois être. Ah, non, mais c'était. En plus, si la meuf, elle est trop bonne. Ah, oui. Tu sais, tu l'imagines en train de se faire. Bon, tu vas au bahut, tu penses pas à tes cours, tu penses qu'à elle, en fait. Non, mais par exemple, elle te disait quoi? C'était quoi un peu sa spécialité sexuelle? Bah, en fait, elle s'était mise avec un de mes meilleurs potes en terminale. Elle se faisait limer, peut-être 8 fois dans la nuit. Ouah, ouais, quand même. Gourmande, solide. Ouais, solide. Ou alors, ton pote était précoce. Et il remettait le couvercle, comme il disait. Oh là, il remet le couvercle. Il a raison aussi, il est précoce. Oh là, il met le couvercle. Non, mais il y a des mecs qui assurent aussi, tu sais. Non, mais bon. Non, et quand ils se sont séparés entre deux, elle est ressortie avec un autre de mes meilleurs potes. Et quand j'ai voulu me placer, ben, elle m'avait mis un stop. Mais ça, t'es dégoûté parce qu'elle se tape toutes tes meilleurs potes, mais elle se tape pas toi, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde y a droit. Sauf Jérémy Mimi. Mais quand elle t'a foutu un stop, tu lui as dit ou ça s'est passé quoi? Ouais, c'est pas juste, t'as baisé tous mes potes. Ouais, c'est pas moi. Ouais, sois cool, merde. Bah oui, pourquoi pas. Non, mais en fait, elle m'a dit une nuit entière. Oui, elle m'a dit, je te vois plus comme un ami. Donc la phrase, merci. Ah bah là, c'est clair. Ça te fout la haine quand tu dis ça, là. Et quand je me suis mis avec ma copine qui est devenue ma femme, bah là, elle a vrillé, elle m'a dit, ouais, t'aurais dû m'attendre et tout. Non, mais genre, ouais, ok, Miss Monde. Ouais, t'as raison, toi. T'as la meuf, vas-y, ouais, je vais t'attendre. Je vais t'attendre 10 piges, Ouais, j'ai passé ma vie à t'attendre, ça va être super. Ah ouais, t'as dit. Ah ouais, putain, c'est abusé, je crois. Voilà, un message d'espoir pour Pascal qui nous a appelé, tout à l'heure. Ouais, donc tu l'as attendu, attendu, ouais, donc t'as fait ta vie, quoi. Ouais, t'as fait ta vie. Bon, sur le coup, c'est quand même bien de foutre la haine au départ. Ah non, j'étais au bout de ma vie, puis enfin, voilà, c'est la fille du lycée qui a, voilà, c'était le missile. Ouais. Et tes potes, en plus, forcément, tes potes, ils te racontaient aussi, non, un peu? Ah, un petit peu, mais bon, elle était plus dans le détail en disant, je me suis fait, démonter, j'étais fou. Ouais, t'étais le mec le plus proche. Mais tu bandais quand elle te racontait ça, des fois? Absolument. Ouais. T'as déjà craché dans ton ben? Non, peut-être pas. Romano, quand ton pote, il te. Ah non, mais mon pote, il te racontait, tu crachais dans ton bain. Non, mais moi, parce qu'il me le racontait par téléphone, tu vois. Ah. Mais moi, mon pote, tu te branlais en même temps? Non, je me branlais pas, mais des fois, ça me faisait bander. Mon pote, moi, il m'avait dit, hein, qu'il avait. Lui, un jour, il lui racontait des trucs, il s'était craché dessus. Hein.
Ah pardon, qui allait. Non, mec, non mais la meuf en plus sexuellement la meuf elle envoyait du large hein, a priori elle avait évoqué un tabou. Ah puis du coup tu fantasmes et tu te branles dessus. Ah non, et, non mais c'est en plus c'est ah bah lui il se branlait pas a priori, j'imagine qu'il se branlait pas à côté d'elle, c'est ah non, mais en fait le mec il bandait, tu sais. Il a craché dans son ben quoi. Ah ouais, mais tu sais par exemple je sais pas. Bon, je rentre chez moi, salut. Merci. Non mais elle venait chez lui, tu vois, par exemple lui tu sais je me souviens il avait un studio, tu vois, genre lui devait être sur un coin du lit, tu vois, et la meuf était dans l'autre coin et lui il se mettait genre la couette un peu sur le pantalon, tu vois. Et un jour il m'a dit ah putain, elle m'a fait cracher quoi. Ah bah, voilà, et ben, on termine dans du sperme ce soir, ce qui met Marie en joie. Ça m'étonne pas. génial cette radio chibre. Libre. Oui, super aujourd'hui. Bon, merci Jérém du témoignage, on te fait des bises Jérém. Merci à toi. Bisous Jérém. Et puis c'est le meilleur Romano. Ah bah c'est gentil ça. T'as un nombre de fans ce soir. C'est la folie. C'est tes cheveux. C'est ça. Un code promo pour les cheveux, je te fournis ça. C'est le glow up, Romano. Eh ouais, c'est ça. Bon, on t'envoie ton t-shirt Sky à Amiens. C'est une belle nuit. Merci, Jérémy. De rien, pas de soucis. Salut. Passez une belle nuit. C'est Wade que vous allez retrouver tout de suite, là, toute la nuit. Il y a du gros son sur Skyrock. Ouais. Bah oui, c'est Urban Music non-stop. Wade, jusqu'à 3h du mat. À 3h du mat, c'est Tim. À 5h, c'est le Morning Best avec Mehdi. Et à 6h, le Morning en direct. On vous souhaite une bonne nuit. On vous donne rendez-vous également demain soir. À partir de 21h, demain soir, c'est Radio Libre. Ouais. Demain matin, c'est le Morning. Ouais. Et le son de Skyrock, c'est Urban Music non-stop. Ouais. C'est parti. On vous souhaite une belle et bonne nuit. Bonne nuit sur Skyrock. Bisous. Bonne et bonne à demain. Ciao.